Ah bah, je suis trop content de vous annoncer. Mais les lunettes. J'en ai même oublié. Je suis tellement surpris que j'en ai même oublié de prendre des palais bretons. Le palais breton traditionnel du mardi. Un, deux, un, deux, un, deux. Moi je t'entends hyper mal. Tu m'entends mal? Et là, est-ce que tu m'entends? Ah là, je t'entends super bien. Ah d'accord, donc j'avais déconné. Salut, salut. Donc Kyo, excuse-moi, en fait j'étais en train de vous parler alors que j'avais pas branché mon micro, con que je suis. C'est n'importe faut quoi. Que je... Faut que j'ouvre Twitch aussi. Que je puisse... Salut, ça bouge, ça sort. Putain, j'étais en train de vous parler depuis 5 minutes, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que je suis con. Ouais. Ah bah ça devait être très 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 intéressant. Ah, je pense que c'était très intéressant. Je demandais à Kyo comment on prononce le SZN. Voilà, je disais des choses aussi passionnantes que « Ah oui, tiens, ma caméra aussi est une Kyo ». Enfin, aucun intérêt, en fait. Voilà. Mais des conneries, je disais des conneries, donc voilà. C'était pas utile. Mais... Ça alors, on dirait que bande dessinée en live. Je vais regarder ça, tiens. Ça a l'air sympa. Oh, mais qu'est-ce que je suis drôle. Oh, j'ai bouffé du coup, moi. Pourquoi je peux pas passer en plus de page? Est-ce que tu le démaquilles avant de le manger? Comment? Est-ce que tu le démaquilles, le clown, avant de le manger? Ah non, 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 c'est meilleur avec la sauce. D'accord. Salut Raph Heredjar, comment vas-tu? Oh, salut Raph. Cizine, d'accord. Kyo Cizine. Eh ben très bien, je le saurai. Nia Violet. La référence que du coup Laurent là, elle m'échappe absolument. Voilà, c'est ça. Nia, pour moi, parce que j'ai schtroumpf. J'avais exactement. Le schtroumpf que j'avais ouais, c'est ça. J'avais comme photo de profil sur Twitter jusqu'à présent, j'avais une sculpture baroque qui représentait Chiron. Ce qui était une espèce de gag et d'autodérision d'ailleurs, parce que si j'ai choisi Chiron, c'est parce qu'il fait jamais rien en fait dans la mythologie grecque. Il parle beaucoup, c'est lui qui enseigne au héros, mais lui il fait rien. Et donc j'avais envie de changer, et du coup je me suis dit au moins un truc que j'aurais pas besoin d'expliquer pour qu'on comprenne que c'est l'autodérision, j'ai pris le schtroumpf à lunettes et je l'ai pas en violet. Je vois. Et j'avais aussi évidemment en tête le niap en le faisant, parce que juste il y a le violet. Évidemment. Salut Lucie, coucou, salut Lucie. À toi, la râleuse, et bienvenue à bord, merci pour le follow. Et donc voilà, et c'est super. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Oh là là, oui, salut Solarius. En ce moment, le monde est hilarant. Et dites, en fait, là, les mauvais Français, là, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas en train de réarmer démographiquement la France? Je sais pas, peut-être il a dit le président, hein, faut réarmer démographiquement la France, vous avez autre chose à faire que de nous écouter dire des conneries. Hein. Je vais en avertir Agnès qui mérite d'être tenue au courant des dernières avancées de notre démocratie. Sache Agnès qu'il faut que nous réarmions démographiquement la France. Ouais, c'est notre Duce qui l'a dit, c'est Macron premier. Il faut qu'on fasse des bébés, voilà. Et maintenant c'est raté, c'est foutu. Ah non, non, faut pas juste faire des bébés, faut réarmer démographiquement la France. Ouais, faut faire des soldats. Si c'est juste pour faire des bébés, c'est pas la peine. Voilà. Merci. Beau retour parmi moi aussi. Ouais. La râleuse. Effectivement, la râleuse. Oh là là, oui, je l'avais même. Oh, honte sur moi. De quoi? Oh là là, pourtant. Ça, c'est un magnifique pseudo. Ça magnifique vaut même, pseudonyme. Lara le. Ça vaut... Bah oui, j'ai voilà. Étonné que t'aies pas dit beau joli pseudo. Bah voilà, je viens de lancer le podium de félicitations. Mais je suis pas au meilleur de ma forme. Hein. Je vous le dis toutes des saluts, Aurélie. Comment vas-tu? T'écoutes et tu seras pas beaucoup dans le chat. Elle est là, Aurélie? Oui, c'est très technique comme calembour. Ça y est, là, juste un coucou pour dire que j'écoute même si je suis pas. Alors, Lucie voudrait perdre des bébés. Et tu es toujours dans mon cœur, Aurélie. Aurélie, tu es toujours dans mon cœur. Quelque part, tu seras un petit peu dans le chat. Vous êtes deux, mais vous rentrez dans le cadre, hein, donc tout va bien. Ouais, formidable. Salut Sregas. Et voilà. Donc,
vous le voyez pas trop à cause du compte à rebours. Mais j'ai un nouveau décor. En fait. Ouais, c'est ça, vous allez voir ça. Ouais, j'ai un tout nouveau décor. Salut Louisa, comment vas-tu? T'as fait ton boulot, mais t'as pas fait ça pour faire des soldats. Ah oui, c'est vrai, Louisa, elle a fait des bébés. Salut Louisa, salut Strega, salut tout le monde, quoi. Enfin, c'est formidable. Salut la France. Bonjour la France. Comment allez-vous, la France? La France des bébés. Ouais, la France des Française, bébés. Français. Belge, mon salut président, mon chien, public chéri, mon amour. Bonjour, ma colère, salut, ma hargne, et mon courroux, coucou. Salut Ahmed, comment vas-tu? J'ai reçu, bah oui, je t'ai dit, je suis con. Salut anticapacitiste. Je... Et du coup, Laurent, ouais. Laurent m'a montré le tract et la BD, c'est une BD, c'est ça. Salut ouais. Spino Pizza, bienvenue à bord. Quoi, tu as coupé les tuyaux? Bah oui, on c'est en est là beau. Aussi, et on a honte. J'ai pas vu, on n'a pas vu l'intérieur, mais déjà c'est super beau. Oui, c'est bien. Hein, il a coupé les tuyaux. Il a fait le mal en fait. Spino Pizza a fait le mal. Ah, le pire, c'est que. Il ne va pas pouvoir aider ce beau projet gouvernemental. Ça fait partie de mes projets d'avenir de couper les tuyaux. D'ailleurs, soyez en passant. Ah, ouais, je suis un peu. Mais je suis un mauvais français, quoi. Je suis légèrement mélancolique ces temps-ci. J'ai une fâcheuse envie de couper tous les tuyaux. Alors aidez-moi à tenir debout, les gens. Ouais. Montez-moi le moral. Ah bah pour te remonter le moral, j'ai plein de trucs. Hein. C'est vrai, super. Ah ouais, en ce moment c'est la gaudriole. Hein. Le fascisme qui monte en France, se fait traiter de philosémite quand utilisé comme insulte quand on parle de l'antisémitisme à gauche. Pour cause de double emploi avec la droite. La Solarius, ça faisait longtemps. C'est trop bien. Salut Corbeau, bonsoir. Je vois que vous êtes là, c'est gentil d'être là. On va essayer de parler un peu d'Adorno à mon avis. Ça va pas être ouf, vu que Gaël comme moi, on n'a pas beaucoup beaucoup travaillé. Mais c'est pour le plaisir de se retrouver ensemble, de parler un peu d'art et d'esthétique. Mais on fera un petit point quand même, j'essaierai vaguement. C'est vraiment un sale pacte léonin qui m'a fait Laurent, parce que ça fait des plombs que je râle en disant « Oui, tout ça, tu m'invites que pour parler de trucs qu'on n'aime pas, alors voilà, alors quand il s'agit de parler de trucs sympas, là t'invites Gabriel, t'invites Andalis, mais moi, à part quand même le live sur Duchamp, oui. Sinon c'est toujours pour parler de trucs qui me rendent triste et furieux en même temps. Bon. » Et alors là, il me fait, alors que je suis au 36e dessous, que je tiens qu'à un fil, il y a encore genre 2 heures, je parlais en bégayant, c'était l'enfer, quoi. Que je suis même pas chez moi, que toute ma bibliothèque est dans un carton, dans des cartons, dans un garage à 300 bornes de là où je suis avec le reste de mes affaires. Voilà, là il me dit ah bah tiens, tu veux pas reprendre là pour le quoi, 6e live de l'esthétique d'Adorno? T'as pas participé au précédent, mais je suis sûr que t'auras plein de trucs à dire. Mais oui, j'en suis sûr. Voilà. J'ai même pas pu réviser parce que genre l'esthétique d'Adorno, quand ils avaient sorti le gros pavé, c'était il y a quoi, une décennie? Je l'avais lu à l'époque, ça, ouais. Quoi. Il y a 10 ans. Donc j'ai des vieux souvenirs, quoi. C'est dur. C'est objectivement un livre difficile, vraiment. Ah, c'est super bien. Vraiment, ouais. C'est super bien. On va le voir ce soir, là, on va en plus, alors, il y a 10 ans, j'étais plus frais que je suis maintenant, hein. Mais il y avait un truc qui aurait été rassurant si je l'avais fait il y a 10 ans, c'est qu'une des choses qui me rendait aussi difficile à lire, c'est que salut Danny à peu près tous les paragraphes, j'étais obligé de l'opposer parce que j'avais plein de trucs qui me venaient en tête. Oui, bah, c'est ça, ce qui va nous arriver, hein. On peut compter là-dessus, Gaël. Ce qui va arriver, c'est qu'on va lire des petits bouts et ça va crépiter. On va essayer de compter là-dessus. Ouais. Voilà. On espère. Là, comme je suis chez ma maman, et que chez ma maman, c'est un appartement non-fumeur, il va falloir que je fasse des post-clubs assez régulièrement. Ah oui. Bah oui. Voilà. Alors, je coupe, il y a déjà une question de Kyo Sizin qui demande à part quelques concepts, j'ai aucune base par rapport à l'école de Francfort, est-ce que ça pose des problèmes? Non, ça va pas poser spécialement de problèmes, d'abord parce que je pense que Gaël et moi, on va vous les...
On va vous remettre à jour au moins sur les concepts marxistes. Gars, les plus brillants que moi pour faire ça proprement, donc quand je dirai des conneries, il saura me rattraper. Sachez que pour la théorie marxiste, le gros de ce qu'on va aborder avec cet aspect-là de la théorie critique et de l'école de Francfort, bon, donc d'Adorno tout court, puisqu'on parle que de lui là, mais c'est pas grand-chose de Marx, puisque non, pour l'instant, c'est surtout les 11 thèses sur Feuerbach dont il est plus ou moins question. C'est pas très gros. Ouais. C'est surtout la 11e thèse, donc ça tient en trois lignes. On la rappellera. J'ai ramené les 11 thèses, parce que sachez-le, c'est ça. Hein. Ça tient sur une page recto verso, donc voilà. Martien. Bon, on va parler martien, pas martien. Quand il y aura des trous... Quand je saurai plus de quoi je parle, je parlerai sous moi, Gaël me dira, mais Laurent, c'est complètement con ce que tu dis. Et voilà. Donc, non, mais de toute façon, enfin, ouais. Adorno, c'est pas l'auteur à lire dans l'école de Francfort le plus, si on s'intéresse à l'aspect politique de l'école de Francfort, parce que, en définitive, c'est surtout Horkheimer hein, qui est le plus politisé et celui pour qui c'est le plus important, quoi. Et j'ai pas souvenir d'avoir lu des trucs qui nécessitaient une grande culture marxiste hein, en lisant l'esthétique d'Adorno. Chez Adorno, c'est pas nécessaire, d'autant que a priori. Vraiment. Hein. Il y a des choses qu'on va rappeler brièvement parce que chez lui, il est beaucoup question du matériau, comme il s'agit quand même d'une notion historique marxiste. Bon là, on va parler du matériau en ces termes, donc on vous rappellera les petits trucs. Et je ne crois pas qu'on y ait beaucoup de mise au point à faire, même si je crois que dans le chapitre qu'on approche, on va parler un peu de la marchandise et du fétichisme de la marchandise. Donc probablement, on fera un tout petit point rapide pour dire de quoi il s'agit, parce que c'est, on voit bien dans la conversation courante que c'est souvent une zone de confusion hein, entre la consommation, par exemple, et le fétichisme de la marchandise, entre le consumérisme et le fétichisme de la marchandise. C'est pas la même chose du tout, même si c'est lié. Hein, si vous voulez, il y a une subordination de l'un à l'autre, mais malgré tout, on parle pas de la même chose. Donc on en parlera avant de relire le truc. Donc déjà, je vous dis de quoi on cause, les gens. Hein. C'est ça. Voilà, c'est le gros pavé qu'évoquait Gaël, qui avait été publié dans la collection d'esthétique par Klingsic, qui est un éditeur suisse de plutôt très bonne qualité. C'est un vieil éditeur suisse hein, qui a de la bouteille, notamment dans le domaine des arts plastiques et de la théorie, de la théorie esthétique. C'est eux qui publiaient, par exemple, en français pour les premières fois, selon moi, les premières traductions françaises de Abby Warburg. Salut à toi, patience zéro. Ouais, dis-moi, Gaël, va. Ah, coucou. Tu connais ça patience zéro. Très bien, d'accord. Très bien. C'est une camarade de Zététique Métacritique. Ok. Et avec elle que je dois préparer une vidéo sur Nathalie Wynne et la politique. Ok. En fait. Ça fait bien plaisir de l'avoir ici. Eh ben, bienvenue. Et c'est l'anniversaire de Agnès, et personne n'a rien dit. Mais joyeux anniversaire, Agnès. Ah oui, Agnès. Mais enfant. Il y a Samou Sassa qui te souhaite bon anniversaire. Merci. Et tout le monde, en fait. Tout le monde. Merci. Voilà, Strega, tout ça. Tout ouais. Bon. Ah oui, l'école de Francfort, c'est là où Franck Busset veut faire de la muscu. C'est là où il est très fort, effectivement. Ouais. Alors. Ce bouquin, je vais essayer un peu brièvement. Moi, plus enveloppé couchette que des papiers couchés, par contre. On n'a pas beaucoup avancé dans le livre, donc on va déjà vous dire comment. C'est le sixième live. Hein. C'est le sixième live et on est à peine à la page. On est à la page 35. Ouais, ça va. Ça va. On prend du temps. J'en ai fait quelques-uns avec Andalis. Avec Gaël, pour l'instant, on n'a pas encore abordé le texte ensemble. Mais ça peut être très différent, puisque Gaël a une solide culture politique, donc on va sans doute parler de cet aspect-là. Et Andali, c'est une solide culture philosophique. Exactement, donc c'était une autre tournée, on allait ailleurs, et c'était pas mal. Moi, je peux brièvement vous parler du bouquin. Comment dire ça? Il semble que notre petit père Adorno, un des désirs qui motivait l'écriture de sa théorie esthétique, c'était de produire un nouveau cadre critique et théorique, susceptible de s'affronter aux différents discours dominants sur l'art à cette époque, ses vues, son milieu, à l'époque où il écrit ça, où il la compose. Ce livre est un livre inachevé, hein, donc c'est quelque chose dont il faut tenir compte aussi pour les difficultés qu'on va rencontrer avec elle. C'est qu'il n'est pas rare qu'il manque des pans, donc les gens qui ont collationné, organisé ça, je suppose qu'ils ont été confrontés à ces difficultés. Et puis encore les échafaudages, quoi. Ouais.
Il y a des traces. J'aime bien les deux philosophies, on voit encore les échafaudages. Il y a les coutures, on voit tout ça. Ouais. Donc son travail s'inscrit clairement dans le cadre général de la théorie critique. Alors la théorie critique, c'est celle par laquelle un recours à la philosophie comme aux sciences sociales vise en gros à l'émancipation conditionnelle des humains, l'émancipation de la domination en mettant en lumière le plus possible tous les rouages de celle-ci, tous les rouages sous-jacents oui. de la société. On a déjà évoqué cette question d'ailleurs pendant nos lives sur l'histoire du rationalisme de droite des 20-30 dernières années. Parce que c'est une notion qu'on avait empruntée justement à l'école de Francfort qui oppose la rationalité instrumentale à la rationalité critique, justement. Si vous voulez vous y intéresser, il y a des trucs sur les lives. Oui, c'est important effectivement de parler du plan rationnel de cette proposition ouais. d'Adorno, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, la proposition adornienne, c'est une proposition logique nouvelle. Enfin, il y a vraiment une stratégie logique, une stratégie rationnelle pour interroger la réalité. Ouais. On pourrait imaginer, sur la base de quelques malentendus, qu'il s'inscrit dans une tradition hegelienne. Il y a des choses de vocabulaire qui pourraient le laisser penser, alors qu'en vérité, il retrousse la tradition hegelienne, c'est-à-dire que s'il parle de dialectique, il parle de dialectique négative, par exemple. Par quoi il met à mal, en fait, l'idéalisme hegelien pour interroger d'une toute autre manière les relations, si vous voulez, entre les choses du monde, les objets du monde et l'idée qu'on s'en fait. Là où chez Hegel, ben, le but, hein, l'objectif dialectique, ben, c'est un objectif idéaliste visant à faire une parfaite équation entre les objets du monde et l'idée qu'on s'en fait. Adorno, son processus dialectique, met en lumière l'inaccessibilité des choses du monde par la pensée et la nécessité d'une expertise de la réalité, d'une approche matérialiste. Voilà, en gros. C'est dans la continuation assez stricte du programme de Marx, hein, qui était de, disait-il, remettre Hegel sur ses pieds. Justement. Notamment, donc, effectivement, comme j'évoquais tout à l'heure à propos de Marx, la relation toute nouvelle, quand Marx parle de matérialisme, il a un rapport assez critique aux versions antérieures du matérialisme, et effectivement, notamment oui. celle de Feuerbach. Il tient vraiment compte de processus de construction historique et encore, hein, par l'action. Feuerbach est un jeune hegelien, mais oui. il lui reproche d'être encore trop idéaliste. C'est ça, il lui reproche ça, effectivement. Et en fait, voilà, donc, pour Marx, et c'est vrai pour Benjamin, c'est vrai pour Adorno aussi, qui ont, comment dire, qui ont développé dans l'analyse de la production culturelle des concepts qu'ils devaient au marxisme. Pour Marx, on pourrait dire d'une certaine manière qu'Hegel, c'est le négatif de la rationalité bourgeoise. Et que la conception matérialiste de l'histoire, c'est... merde, c'est quoi déjà le mot? Parce qu'on est habitué à thèse, antithèse, synthèse, mais c'est un misnomer, en fait. Donc, la résultante, en quelque sorte, le dépassement, voilà. C'est le dépassement donc à la fois de la rationalité instrumentale et de l'idéalisme hegelien, quoi. L'aile de Marx. Comme si. Mais Adorno n'était pas un peu réac sur les bords. Punaise, c'est une question compliquée. On peut parler de ça qui est aussi gêne. Je pense que tu fais allusion à sa relation à certaines formes de la musique, effectivement, de la musique qu'il juge avec un certain dédain, et notamment le jazz. Je pense que c'est à ça que tu fais allusion. Ou friction qu'il y a eu avec ses élèves aussi à l'université. C'est ça. Ça a fini avec des erreurs assez fortes. Non, je pense que c'est un peu le même plan, quoi. Il a appelé des flics quand même. Hein. Ouais. Il n'a pas été très adroit sur ce coup-là, on peut pas. Après, c'était en 68. Et Adorno prend une coloration de vieux réac un petit peu. Et je veux dire, ça vient pas de nulle part. Hein. Il y a des côtés qu'on pourrait juger conservateurs dans sa théorie critique. Salut, Dr. Wack, qui commence par un calembour incredible. De pour mettre des pieds dans les. Donc, Little John. Considérer Adorno comme réactionnaire, donc c'est très injuste.
C'est très injuste, Ouais, notamment parce c'est que sa injuste. théorie critique C'est est injuste. plutôt révolutionnaire. Mais effectivement, il y a un malentendu, il y a des choses qui échappent complètement à Adorno, et dont il ne sait pas quoi faire, et notamment, je crois qu'il prend ce qui se passe en 68 tout simplement pour une agitation gauchiste. Et lui, il ressort d'une expérience traumatisante de l'Europe. Un grand nombre des positions du groupe de Francfort et de la théorie critique se posent devant ce traumatisme européen de la guerre 39-45 et l'extermination des Juifs d'Europe. Il faut comprendre aussi, dans ce cas-là, que certains impératifs pour Adorno et ses proches, en tout cas de se positionner dans des rapports d'efficacité politique, tout ça, etc., peuvent les rendre incapables de comprendre à quoi il a affaire dans d'autres formes qui leur apparaissent peut-être moins fonctionnelles pour à tort ou à raison, en tout cas quelque chose qui leur échappe des propositions qui leur sont contemporaines en 68. Voilà. Quant au Ouais, jazz, puis c'est encore un autre problème qui est lié à. Là, on en parlera avec Gaël, je pense, sur ouais, la question art. Oui, ce qui Gaël. est amusant, c'est que même pour le jazz, c'est pas si aussi univoque que ce qu'on présente en général. Exactement. Avant la condamnation, je sais plus qui l'avait emmené pour la première fois écouter du jazz dans une boîte, et alors. Quelle que soit cette personne-là, ça va peut-être me revenir, mais avait témoigné que Adorno était littéralement enthousiasmé par ce qu'il avait entendu en sortant. Donc c'est assez compliqué en fait son rapport au C'est jazz. ça. Et je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose, un moment où Adorno a confondu, au sens fondu, les deux questions quoi, de la reproduction. De la reproductibilité de l'enregistrement acoustique avec celle de la musique de l'époque où ça arrive, quoi. C'est ça. C'est que les attaques contre le jazz visent essentiellement les moyens par lesquels certaines formes musicales se distribuent, se reproduisent, c'est-à-dire c'est une attaque contre l'industrie culturelle, et cette confusion n'a pas beaucoup Voilà. de sens pour ce qui serait de l'essence de la musique elle-même. En tout cas, ce serait Voilà. un immense malentendu. Voilà. D'ailleurs, enfin, si, plus que Marx pour l'esthétique d'Adorno, ce qui me semble la meilleure aide, c'est d'avoir lu Benjamin, en fait. Voilà. Complètement. Comme prolégomène à l'esthétique d'Adorno, l'art à l'époque de sa reproductibilité technique de Benjamin, c'est une super base. D'ailleurs, si vous lisez ce texte, qui est pas si difficile que ça, qui est beaucoup moins difficile à lire qu'Adorno, enfin Probablement, que l'Adorno de l'esthétique, vous verrez que le texte de Benjamin, pareil, en général, il est présenté comme presque réac, justement. Mais Benjamin ne défend pas Laura dans le texte. oui. Benjamin ne défend pas vraiment Laura dans le texte. Plus, si on le suit, Laura de l'art apparaît au moment de cette reproductibilité technique. Il est transparent avant, en fait. Et donc, critiquer la reproductibilité technique, en ce sens, c'est aussi critiquer Laura. Voilà. Oui. Mais bon, c'est un texte très intéressant, je trouve. Alors bon, pour Voilà, continuer voilà, sur cette présentation rapide, dites-vous que les notes d'Adorno contiennent en fermant un projet inachevé, un projet matérialiste mais Ah, pas salut, nécessairement. Wamber. Salut, Effectivement. Wamber. Matérialiste mais pas nécessairement un matérialiste dialectique. En tout cas, c'est pas forcément un projet dialectique. Par exemple, Adorno questionne toute une série de positions intellectuelles, philosophiques sur l'art avant lui, mais il ne semble pas questionner l'écriture de son texte lui-même dans son cadre historique comme objet. Donc, un projet d'inscription d'une méthode d'approche de la question art. Rendu d'autant plus difficile, selon lui et ses proches, à ce moment-là, comme je le vous disais juste avant, que le vieux projet humaniste s'est effondré avec la Shoah, alors même que le projet idéologique de l'humanisme semblait reposer en partie sur l'art lui-même. Donc, une des grandes difficultés de cette méthode adornienne consiste à vouloir tenir. Il essaie de tenir en même temps, tout de même, certaines catégories prétendument universel, vous le verrez, hein, tout en voulant toucher les objets de sa manifestation, les objets physiques, matériels de la manifestation de la catégorie art, tout en la maintenant. Donc, la catégorie art, tout simplement, elle pose le problème de son inadéquation
à la totalité des objets qui se réclament d'elle, ou bien qu'on voudrait y faire rentrer. Et ça, je dirais au moins aussi certainement que Hegel voulait faire rentrer dans l'esprit, hein, la totalité des manifestations humaines qui visaient plus ou moins un projet esthétique. L'histoire de l'art vue par Hegel, c'est quelque chose. Bah, vous pouvez écouter Gabriel, enfin, Nuclear Summer et Laurent ont causé sur leur live d'ailleurs. Comme quoi, Gabriel n'a pas participé que à des lives sur des textes exactement, hein, parce que l'esthétique d'Hegel, c'est des grands moments. Ça va faire hurler les artistes, ça va faire hurler les historiens, ça va faire hurler les historiens de l'art, évidemment. Et puis ça, il y a un côté vraiment aporétique, enfin si vous préférez, il y a un côté conceptuellement contradictoire en proposition hegelienne, puisqu'en fait les prémices qui sont posées rendent absolument inutiles toutes les propositions qui suivent. Dès qu'est posé l'esprit comme une certitude, c'est plus la peine d'écrire le reste du bouquin, quoi. Ça pose des vrais problèmes. Donc c'est quoi la stabilité réelle de ces catégories, catégorie A, catégorie esthétique, sur quoi ça repose leur prétention à une quelconque universalité. C'est évident que toutes les formes prétendant à l'universalité, que dis-tu, Gabriel, c'est un ange pour protéger Macron, c'est ça? Ouais, non mais parce que t'as probablement pas suivi, mais c'est littéralement ce qu'a dit le grand journaliste politique Christophe Barbier en parlant de Attal et de son prénom. Ah oui. Oui. Voilà, on en est là. On en est là, c'est voilà ce que à quoi s'occupent les journalistes politiques en France à l'heure actuelle. Ils font de l'exégèse biblique. Bon sang. Toutes les formes dénoncées prétendant à l'universalité reposent essentiellement sur la façon dont une société se regarde elle-même, hein, comme dispensatrice d'universel dans le pire des cas. Ou comme banquière d'universel, gardienne de la raison, thésaurisatrice de l'universel dans le moins catastrophique des cas, qui n'est pas pour autant aimable. C'est-à-dire que Saint-Christophe, c'était un géant, en fait, Saint-Christophe. Oui, c'est un géant. Je peux vous raconter son histoire, si vous voulez. C'est l'histoire de Réprobus, le réprouvé. Si vous avez envie d'entendre l'histoire de Saint-Christophe, c'est avec plaisir, mais est-ce vraiment le moment? On ne va pas commencer à digresser, je n'ai même pas présenté le bouquin. Mais normalement, on fait une introduction d'une heure. Là, tu as sauté directement dans le vif du sujet. Faut pas se plaindre si tout le monde est dissipé, quoi. Moi, je suis pas dans le vif du sujet. Je suis en train d'essayer de dire de quoi on va parler ce soir et de quoi. Mais voilà, normalement, c'est le truc qu'on fait une fois qu'on a fini l'heure d'introduction. On fait une introduction au thème. Normalement, c'est ça. On fait une introduction au live, l'introduction au thème, le live. Voilà. C'est toujours comme ça, on a toujours fait comme ça, je veux dire, la tradition, Laurent, la tradition. Voilà. Et le réarmement démographique de la France. Ok, alors on peut pas faire les deux ce soir, je vais pas réarmer démographiquement la France et me tenir à notre tradition qui consiste effectivement à faire des digressions à l'intérieur des digressions. Oui. Du coup, je sais plus où j'en étais, de quoi je vous parle, hein. Ah oui, je vous parlais des maintiens des catégories, petit coquin. Tu essaies de me faire errer intellectuellement. Tu veux que je digresse encore plus. T'as dit qu'on dérivait ce soir. Moi, je suis pour, quoi. Dérivons. D'accord, je vois. C'est mes petits restes de bordisme, si tu veux. Si ça déborde pas. Oui, c'est la merde. On va se faire chier. Ouais. Bah ouais. Et puis la tradition, c'est la tradition. Eh exactement. Et la tradition, c'est la tradition. Bon. La méta-digression, quoi, la digression sur la digression. Est-ce qu'il y a une intro entre l'intro au live et l'intro au thème pour introduire l'intro au thème? Il y aura probablement une introduction supplémentaire à tout ça, patience zéro, si je ne fonds pas tous mes fusibles avant. Si je ne disparais pas dans mon propre trou du cul comme dans un trou noir, ça va faire... Je sais déjà plus où j'en étais. Ah, absorbé par son propre. J'étais sur les catégories, sur les comment dire, sur les éventuelles contradictions qu'on pourrait rencontrer dans, enfin les éventuelles difficultés et les prétentions à l'universel qui les accompagnent. C'est ça, les difficultés, c'est ça, auxquelles on pourrait s'affronter. C'est-à-dire comment on peut tenir sur le même front le maintien d'une grande singularité critique des œuvres d'art, par exemple, en se tenant le plus loin possible du subjectivisme, tout en conservant une hiérarchie entre les manifestations matérielles de l'art
Vous voyez que c'est compliqué, parce qu'il n'est pas question non plus pour Adorno de verser dans un subjectivisme. Ce n'est pas un romantique, hein, Adorno, pas du tout. Si vous intéressez à ses rapports à la musique, c'est quelque chose qui développe assez longuement, par exemple, sa position contra-romantique, on va dire. Alors, c'est plus que ça, parce que ce que tu décris, ce n'est pas tant un subjectivisme qu'un multiplisme, en l'occurrence. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y aurait pas de meilleure peinture qu'une autre. Ah oui, mais ce dont il essaie de se garder aussi, ce que je veux dire par là, si je me suis mal fait comprendre, c'est qu'il s'agit de tenir la singularité critique des œuvres, précisément à l'intérieur d'une critique matérialiste, en se gardant aussi contre les catégories de l'universel de la menace qui ferait reposer, tu vois, leur possibilité critique juste par l'intervention subjective, c'est-à-dire la singularité de l'œuvre complètement chevillée aux modalités d'apparition de celle-ci liées au sujet qui les produit. C'est évidemment pas vers là que veut aller le petit père Adorno non plus, quoi. Sinon, ce serait un échec total. Ça serait un échec total. Voilà. Donc, comment ne pas, en s'obstinant à tenir des concepts fondamentaux comme liés irréductiblement et universellement entre eux, donc beauté, harmonie ou esprit pour l'autre zozo, comment faire des œuvres d'art autre chose que des manifestations du concept? Vous voyez, se retrouver piégé dans ce truc qu'on voulait même éviter, qu'il aurait voulu éviter, à savoir faire des œuvres d'art des pures conséquences historiques d'un moment intellectuel ou social. Parce que ce n'est pas non plus ça que veut Adorno, évidemment pas. Parce que ce serait un échec par rapport à ce qu'il attend de la puissance propre des œuvres d'art, justement. Donc pour échapper à cette tutelle des modèles qui sont supposés soutenir la création, trouver des solutions théoriques qui seraient capables d'embrasser l'immanence hétérogène des productions, la vaste collection, le champ d'investigation et surtout les œuvres d'art matérielles elles-mêmes, quoi, qu'elles se construisent, qu'elles se constituent. Et bien, il semble qu'Adorno tente une sorte de pas de côté, par petite touche d'induction, allant des propositions théoriques aux objets manifestés et réciproquement de l'un à l'autre tout le temps. Un peu comme tout à l'heure Gaël parlait de Benjamin, un peu comme Benjamin qui voyait dans tout ce qui fait l'expérience sensible de la réalité, tout ce qui apparaît, les sédimentations, c'est comme ça qu'il parle de l'histoire, les sédimentations d'une totalité qui serait à lire et à déchiffrer. Voilà. Yep. Voilà. Donc, est-ce que je peux faire un petit rebond marxiste vite fait là? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ah, Rinaldi, qu'elle est perdue? Non. Attendez. Je joue aux échecs contre une œuvre d'art, si j'ai bien compris. Il faut voilà, je crois que celui-là a bien résumé. Foutu, je comprends plus. Le fameux grand rock surprise. Non, mais parce que Rinaldi demandait où tu voulais en venir et celui-là a résumé en disant que tu voulais jouer aux échecs contre une œuvre d'art. Si elle avait bien compris, mais je crois que c'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça. Pourquoi il parle de Juan Branco dans le chat? Mais ça y est, ils sont déjà n'importe où là. On ne peut pas compter sur vous. Hein. Si je commence à lire des trucs sur Juan Branco, je vais m'énerver. Alors ce qui sera bon pour mauvais pour m'énerver, pas forcément mauvais pour le live lui-même, parce que du coup, quand je m'énerve, je suis plus en forme. C'est vrai. Tout à fait. On va trouver des motifs d'énervement, comme si on en manquait, en fait. Ouais, non, voilà, mais alors, on vraiment, tout va trop bien, là. Ouais. Ça va trop bien, je veux dire. Voilà. Ma timeline est pleine de gens qui rapportent des nouvelles d'un génocide. À part ça, voilà. Sinon, de temps en temps, pour passer le temps entre deux nouvelles d'un génocide, une cause de la fascisation de l'État français ou de celle de tous ceux qui les entourent, puisque finalement c'est un peu la fascisation du monde en ce moment. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Réarmement démographique de la France. Alors. Ça te fait quelque chose, ouais. Ça promet des fausses buries marxistes et puis plus rien. C'est quoi fausse burie, ça? C'est un terme que je connais pas. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, c'est du saut en hauteur. C'est une technique de saut en hauteur qui consiste à sauter par le dos. Gaël, tu peux pas le faire toi avec ton amago par exemple. Non, vous avez remarqué que je fais un stream debout. Non, c'est pas ça, Gaël. Je me disais, Gaël, pourquoi tu sais ça? Pourquoi tu sais ce qu'est un fausse burie? Tu m'expliques. Parce que je ne contrôle pas du tout comment ma mémoire fonctionne.
Non, en vrai, c'est parce que j'ai fait de l'athlétisme en fait, hein, quand j'étais plus jeune. Alors moi, je faisais de la course de fond, mais du coup, il y en avait des gens qui faisaient du saut en hauteur à côté de quand je faisais de la course de fond. Je sais ce que c'est qu'un fauteuil. La vache. Ouais. Je peux même plus ou moins expliquer comment on fait. Bah, par contre, je peux pas le faire. Le sport, c'est jamais rien d'autre qu'un bout de santé avec un bout de fascisme. Elle est le 2 mars. Oui, c'est pas faux. T'as pas tout à fait tort, Laurent. Pas tout à fait raison, mais t'as pas tout à fait tort. Alors, Renali, qu'est-ce que vous opposez au subjectivisme typiquement? Enfin, qu'est-ce que vous placez exactement derrière le subjectivisme? Bah, la question qui hante l'art, en tout cas les différents domaines de l'art abordés, moi c'est vrai, je parle surtout des arts plastiques, mais après tout, il n'y a pas que ça, c'est la relation entre, entre le sujet de la production et, on pourrait dire, l'expertise de sa mimésis. Qu'est-ce qu'il y représente? Qu'est-ce qui est censé y apparaître, en fait, au fond? Et on sort d'une Est-ce qu'il y a longue des gens dans le tradition chat qui romantique. ont. Comment? Est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont déjà lu le Contre-Sainte-Beuve de Proust? Ah oui, c'est Parce que vrai ce que qu'il ça. attaque, en fait, c'est ça. C'est la position subjectiviste, en C'est ça. fait. Et qui fait reposer en fait sur toute la généalogie des événements d'un sujet, la consistance même des œuvres, et voire même en faire le miroir de cette subjectivité C'est ce que j'allais exclusivement. dire. Donc vous voyez ce que c'est, ce qu'on appelle la critique génétique, par exemple, c'est celle qui étudie dans les œuvres d'art la biographie de machin, pour voir si on n'y trouve pas en substance hein, tout ce qui pourrait éclairer, au-delà des conditions d'apparition d'une œuvre, son sens, voilà, sa vocation, tout ce que vous voulez, quoi. Le romantisme a plus ou moins ouvert à cette tradition en laissant, pour la mimésie, si vous voulez, comme objet de la représentation, en quelque sorte, les mouvements supposés intérieurs de la psyché, de l'âme ou de la connaissance du sujet. Donc de placer finalement la catégorie de la représentation dans un autre rapport au monde que celui supposé précédent. En fait, c'est pas vrai, mais bon. Voilà, c'est-à-dire un mode d'observation tout entier tendu vers l'extérieur. Donc, si vous voulez, c'est des mouvements qui sont assez intéressants d'un point de vue critique, parce qu'on va les retrouver à l'intérieur finalement de la critique marxiste, entre finalement entre poésie et praxis. C'est-à-dire. C'est un petit peu le rebond marxiste que je voulais faire. Vas-y, Non, vas-y, très bien. vas-y, vas-y. Et Mais si tu veux leur non, dire non, de non, quoi ils continue. retournent, c'est pas mal. Ouais, c'est mieux que moi. Continue. Juste avant d'en venir au rebond marxiste, qui du coup va m'obliger à revenir en arrière. Parce que... Mais j'ai l'impression que au moment où les romantiques vont imposer une idée ultra subjectivisante de l'art en tant que pratique. Ça reproduit un petit peu, en fait, le débat esthétique de l'époque des Lumières, où il y avait des positions très très différentes qui portaient pas tant sur la place de l'artiste à l'intérieur de son œuvre, mais le statut de l'œuvre elle-même, et où il y avait déjà des positions qui étaient très subjectivantes, l'abbé Dubos, voilà. Le beau, c'est uniquement une catégorie du sujet, et puis des positions qui étaient très objectivantes, car le beau, c'est une catégorie de la nature, en quelque sorte. Merde, comment il s'appelle déjà le philosophe écossais, là, celui qui était pote avec Adam Smith, là, autre chose. Je ne sais pas. Ah, oh, mais si, tu le connais. Bien sûr que tu le connais, alors. Bon, bref. Et puis, avec la position kantienne, entre les deux, ou qui est plus, comment dirais-je, une question de relation entre le sujet et l'objet, quoi. C'est ça. Et où finalement, la catégorie du beau n'appartient pas ni à l'objet, ni au sujet, mais à l'interaction du sujet face à l'objet, quoi. Elle se joue dans ce rapport-là. Ça devrait normalement être la position marxiste, d'ailleurs, soit dit en passant. Parce que une position marxiste digne de ce nom se doit d'être une position dans laquelle la première chose qu'on envisage, c'est le rapport social. Et le rapport social, il n'est pas seulement subjectif, c'est pas Thatcher, quoi. Mais il a besoin de l'existence du sujet pour exister quand même. C'est-à-dire que Docteur Wack dit pour Hume. Hume, merci. Je savais pas que Hume Voilà. était écossais, tu vois, Docteur Wack. Ouais, si, c'était et c'est marrant d'ailleurs, parce qu'il y a un truc qui m'amuse beaucoup dans le fait qu'il était pote avec Adam Smith, c'est que
Je l'ignorais. Hume a aussi écrit sur l'économie. Et c'était la chose qui lui était le plus important à Hume, ses écrits sur l'économie. Et c'est très peu lu. Pas si mal, hein, d'ailleurs, hein, pour un libéral, hein, mais c'est très peu lu. Et à côté de ça, c'était la chose qui était pour lui le plus important. À côté de ça... Salut maman. Bonjour maman de Laurent. Adam Smith, lui, il est très très connu pour le discours sur les causes de la richesse des nations. Mais ce qu'il voulait surtout qu'on connaisse pour, c'était ce qu'il avait écrit sur enfin, un ouvrage de philosophie du sujet où il parlait de nature humaine, de l'entendement. Ouais. Donc c'est assez triste, quoi, parce que finalement ils sont chacun connus pour ce qu'ils voulaient pas forcément mettre en avant. Je suis en train de faire une digression dans la digression. Je vois. Marx, le rapport à oui, rapport social, tout ça. Il y a une tension à l'intérieur du marxisme parce qu'il y a un côté qui est il y a un côté chez Marx déjà avant le marxisme, il y a un côté chez Marx qui est très au sens large, on va dire positiviste. C'est-à-dire que Marx voulait vraiment trouver les lois universelles de l'histoire. C'est un esprit du 19e siècle, c'est un esprit progressiste du 19e siècle, et comme un esprit progressiste du 19e siècle, il voit voilà, les lois de l'univers débarquer dans la physique, il les voit arriver dans la chimie, et puis dans la médecine, et puis et il se dit, bah, pourquoi pas l'histoire, quoi. Il doit y avoir des lois universelles aussi, quoi. Mais en pratique, donc ça c'est en théorie en quelque sorte. Voilà, on va décrypter les lois universelles de l'histoire. C'est ce qui lui vaudra des accusations d'historicisme après par les libéraux de la deuxième partie du XXe siècle. Hein. Ils sont pas totalement infondés du coup. Sauf que en pratique, toute l'œuvre de Marx et tous les débats auxquels il a pu participer, c'est un appel à concevoir les événements historiques dans leur singularité. Je crois que j'avais fait un thread, il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui l'ont peut-être lu, j'avais fait un thread qui parlait de la manière dont Marx a révisé sa théorie sur la paysannerie, quand il a découvert le mir russe, donc la commune russe. Et qui remettait complètement en cause la théorie politique qu'il appliquait à la paysannerie, qu'il avait dressée avec comme exemple sous les yeux la paysannerie française et la paysannerie anglaise, qui étaient massivement des petits producteurs indépendants, une espèce de petite bourgeoisie campagnarde qui travaillait avec comme 6 000 employés leur famille, quoi. Ce qui évidemment tendait à les rendre très réceptifs au discours réactionnaire, et ce qui explique notamment l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme président, comme seul et unique président de la Deuxième République, c'est ce dont il parle dans le 18 Brumaire. Et puis, il découvre le mir russe et il voit, ce qui est pas faux du tout, il voit une espèce de survivance du communalisme, une espèce de proto-communisme où les biens sont mis en commun, etc., le travail est commun, quelque chose qui existait encore en Europe à l'époque féodale, mais qui avait disparu depuis longtemps. Non. Et c'est à cette occasion qu'il balance tout ce que je sais, c'est que je suis pas marxiste, parce que la première génération de marxistes russes, dont le principal représentant était Plekhanov, beaucoup venaient déjà de Narodiavolia, donc des nihilistes. Et donc beaucoup avaient été parmi ces petits jeunes tout naïfs là qui avaient décidé de prendre fait et cause pour la paysannerie russe, qui étaient allés leur expliquer la vie dans leur campagne, et qui s'étaient fait recevoir pas un coup de pierre, mais enfin bon, c'était qui toi? Attends, mais non, je non, je,
toutes les conneries là, que tu crois savoir sur notre vie, c'est pas ça en fait. Et qui du coup bah, avait ce sentiment d'amoureux éconduit là, qui les poussait plutôt à dire que les paysans c'était des gros cons, et qui du coup avait chopé chez Marx cette idée que le paysan était nécessairement réactionnaire. Et Marx de leur envoyer des lettres en disant mais arrêtez quoi. J'ai écrit ça par rapport à la France et l'Angleterre. Je vois le mire russe. Non, non. Si vous voulez faire de l'analyse marxiste, répétez pas ce que je dis. Regardez ce qu'il y a autour de vous et utilisez la méthode. Enfin, le résultat, il était spécifique. Voilà. Et puis, bon, ça a jamais marché. Ils ont continué à faire leurs conneries. Donc, il s'est retrouvé à lutter contre lui-même, en quelque sorte, pour Marx. Kiyoshi Jindi, ses travaux aussi sur les Apaches ont pu remettre ça en cause, non ? Question. Alors c'est plutôt les Iroquois, parce que sa source principale c'est Morgan, hélas. C'est problématique, il y a plus d'un titre que soit Morgan, soit il en passant. Alors c'est posthume ça, c'est ce qui va donner l'histoire de la famille publiée par Engels en fait, à partir de ses notes. C'est d'un point de vue ethnographique, c'est pas de bonne qualité. Pour la bonne et simple raison que sa source est pourrie. Morgan, en fait, c'est surtout un cosplayer. Hein. C'est vraiment pas très sérieux, en fait. Grosso merdo, il a un pote iroquois, il lui parle, et puis il note le résultat de ses discussions en brodant un peu autour. Ouais. Et donc, Marx s'appuie beaucoup là-dessus. Enfin, c'est difficile de lui reprocher, parce que c'est ce qui tournait à son époque, en Europe, quand on voulait s'intéresser. Mais là où, quand même, on peut lui faire crédit, c'est que ça remettait en cause les sociétés amérindiennes, remettaient en cause, même en passant par Morgan, remettaient quand même en cause certains aspects de son système, notamment sur la constitution de la famille. Et qu'est-ce qu'il a fait, tout vieux qu'il était? Bah, il a fait ce qu'il avait fait avec pour le capital, c'est-à-dire il s'est usé les yeux sur tout ce qui lui passait, quoi. Voilà. Il a remis le couvert encore et encore et encore, quoi. Donc voilà, du spécifique. Le problème étant que, en général, les marxistes ne font pas ça et ont tendance à privilégier un rapport assez doctrinal à Marx. Ce qui s'est passé avec Plekhanov, c'est pas un cas isolé du tout. Comment dire? Au moment de la montée de la théorie critique, les Adorno, les Horkheimer, etc., au sein du marxisme, sont bien seuls. Oui, ça pourrait parler de Lénine, par exemple, très, très, très dogmatique. C'est pas un penseur inintéressant, Lénine. Je suis pas un ami, j'ai pas besoin de le calomnier plus qu'il le mérite. C'est pas un penseur inintéressant, Lénine. Mais faut pas trop attendre de lui non plus, quoi. Voilà. Je suis pas non plus bolchevique. J'ai pas besoin de vanter ses mérites. Hein. Et bon, là, quand même, là où on faut pas non plus trop l'accabler, c'est que la plupart des œuvres de Marx qui font maintenant partie du corpus qu'on appelle les œuvres de Marx n'étaient pas disponibles à son époque. Voilà, il y avait comme œuvres disponibles, il y avait ces quelques œuvres historiques, il y avait une partie du Capital, et puis il n'y avait pas la Sainte Famille, il n'y avait pas l'idéologie allemande, il n'y avait même pas les Grundrisse. Je ne sais pas quand ils ont été édités en russe, mais en France, je crois que c'est en 39, je crois qu'ils sont édités pour la première fois, l'introduction à la philosophie politique, quoi. C'est super tardif, quoi. Il n'y avait évidemment pas les manuscrits de 1844. Donc il avait un Marx extrêmement parcellaire, et en fait, Lénine, beaucoup des choses qu'il sait sur Marx, il les sait par la génération des Plekhanov, en fait. C'est-à-dire les mêmes là qui avaient instrumentalisé les écrits de Marx pour se venger d'avoir été conduits par leur amoureuse, c'est-à-dire la paysannerie russe. Voilà,
en disant oui, de toute façon, le MIR, c'est dégénéré, il n'y a plus rien, voilà, les paysans sont des réacs. Tristement, d'ailleurs, comme les révolutionnaires russes ont lâché les paysans pendant plusieurs décennies, quoi, effectivement, au moment de la révolution de 17, c'est partiellement vrai, quoi. Les MIR ont perdu pratiquement tout leur pouvoir, donc oui. Mais c'est une prophétie autoréalisatrice, ça. Alors, on retourne à Adorno ou pas? Il manquait ma conclusion. Mais il manque une conclusion. Je voulais dire, disons. Oui, j'allais quelque part avec tout ça. J'allais quelque part. Hein. Je disais pas ça juste comme ça pour la culture générale. Marxiste, il y avait un lien. Il y avait un vrai lien avec la théorie critique. Il y en avait. Ouais, il y en avait plusieurs. Il y en a un, le plus simple, que j'ai dit là. Hein. Ouais. C'est-à-dire. Où se situait le marxisme c'est important propre de comprendre, voilà. De l'école de c'est important de comprendre l'isolement dans lequel se trouvent Adorno, Horkheimer et les autres au moment où ils écrivent, et particulièrement sur l'art en plus, parce que sur l'art, Marx est très peu exprimé, à part pour dire pas qu'il est voué à une disparition. Il y a des trucs intéressants, mais. C'est un rare plan sur lequel il arrive à des conclusions quasi hegeliennes. Enfin, c'est un des rares plans où il admet comme une espèce de nécessité historique et de finalité la disparition de l'art par son absorption dans quelque chose qui lui est supérieur. Alors, c'est pas l'esprit chez Marx, mais, l'air de rien, il y a quand même une visée d'auto-dissolution de la pratique artistique dans sa quotidienneté. Ouais. Alors, oui. Et non. c'est pas un truc qu'il emprunte. Et non, c'est pas un truc qu'il emprunte spécialement à Hegel, c'est un truc qu'il emprunte un peu à l'esprit de l'époque, en fait. Et qui s'est jamais vraiment arrêté jusqu'au situationniste. C'est-à-dire l'idée qu'on puisse dépasser l'art et le dépasser et pas le supprimer. Hein. C'est ça qui est important. Et le comment dirais-je, rendre l'art en tant que activité séparée de la créativité dans l'existence elle-même. C'est la même chose qui va pousser Hölderlin à arrêter d'écrire à part des lettres, ce qui nous permet de savoir pourquoi. Ce qui dit voilà, maintenant j'arrête d'écrire, dorénavant mon art ça sera ma vie. C'est la même chose qui va pousser Oscar Wilde à dire j'ai mis mon talent dans mon art et mon génie dans ma vie. C'est la même chose qui va pousser Cravant à être ce qu'il appelle un artiste sans œuvre. C'est la même. C'est l'hypothèse maximaliste de la praxis, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. C'est pas, il ne s'agit pas de faire disparaître l'art, il s'agit de dépasser l'art comme activité séparée. On pourrait dire que la déclaration très, très de Fine à ce sujet pourra varier de celle de Philly, ou alors l'art, c'est ce qui rend la vie encore plus intéressante que l'art. C'est ça. C'est pas une disparition. Non, c'est pas une disparition. Il faut que ce soit une extension critique. Ça peut pas être une extension artisane. Voilà. C'est là où il y a, je pense, un immense malentendu. Chez Beuys, par exemple, clairement, on sent qu'il y a une extension artisane. Et on voit bien, que c'est la multiplicité des pratiques, plutôt d'interrogation des pratiques humaines, qui va être rabattue sur cette catégorie extensive art, et que cette dissolution, elle ne va pas être gagnée dans la production du sujet par lui-même, mais elle va être gagnée dans une espèce de paradis de l'action étendue à toutes les actions. Et on y perd à la fois, je dirais, l'art et la subjectivité. Quoi. On n'a pas grand-chose à y gagner. Ouais, mais c'est justement pas le projet de Marx. C'était ambigu pour moi, mais bon, d'accord. Okay. C'est ambigu si on le recasse. Finalement, c'est à cet endroit, peut-être, qu'on pourrait dire que Marx, c'est son côté romantique. Là, je pense que, pour le coup, sa position est très proche de celle d'Hölderlin au moment où il décide d'arrêter d'écrire. D'accord. Voilà. Ok. Alors, bon, pour ceux et celles qui n'étaient pas là. Mais ça va pas être compris. Ça va pas être compris comme ça par les marxistes. Et c'est bien le problème. Ouais. Et si à part le à cette époque-là, donc les surréalistes quand ils font encore des trucs qui valent la peine d'être lus, c'est-à-dire rien après la fin de la revue La Révolution surréaliste. Quand on en vient au surréalisme au service de la Révolution, ça devient inintéressant. Les jeunes lettristes, et Laurent, je dis bien les jeunes lettristes, j'ai pas dit les lettristes,
Les géométries, c'est Vollmann, c'est Debord, tout ça, tout ça. Les situationnistes, donc à part ces rares exceptions près, la position, je sais pas, avec un de mes mutus sur Twitter, là, cet après-midi, on causait de bouquins à conseiller, et il a lu un livre qui s'appelle Littérature et Révolution, et j'ai frémi quand il a annoncé ça, parce que, well, je sais pas si c'est un homme, une femme ou un homme binaire, pour le coup. J'ai frémi parce que le machin de Trotsky, là, et non, c'était le bouquin de Gautara, j'ai pas lu et ça a l'air chouette. Mais Trotsky sur la littérature, c'est chiantissime, quoi. Et une des raisons pour lesquelles c'est chiantissime, c'est qu'il a une vision instrumentale de la littérature. C'est bien l'écueil dans lequel la théorie critique tombe pas. Et je dirais même, c'est un de ceux auxquels elle s'oppose plus violemment, quoi, clairement. Bah oui, oui. Il n'y a pas de doute et le sur fait est Adornienne et ses copains, quoi. Et le fait est que bah, ils vont être assez seuls dans le marxisme, en fait. Pendant à leur époque. Ils vont être assez seuls dans le marxisme à refuser une vision instrumentale de l'art. C'est-à-dire, évidemment, on pense au réalisme socialiste, hein, c'est-à-dire à la peinture conçue comme imagerie de propagande, et uniquement comme imagerie de propagande. Mais voilà, encore une fois, Trotsky dans Littérature et Révolution, il fait pas mieux, quoi. Et alors, à un moment donné, on avait pensé commencer en intro, en parlant de Franck Lepage, parce que Laurent a fait un live brillantissime qu'on devait faire ensemble, mais déjà le live fait 5h30, donc je pense que si j'avais été là, on était parti pour 10h. Quoi. Bah 12h, hein. Et facile. C'est sûr. On l'aurait fait en deux parties, c'est pas grave. Mais il y avait un aspect que Laurent n'avait pas soulevé sur Franck Lepage que je voulais soulever, c'était le caractère fondamentalement complotiste qu'il tire de l'histoire du rapport entre la CIA et les collectionneurs de Pollock, la façon dont il crée une véritable théorie du complot à partir d'une espèce de complot réel. Allez, on va dire que c'est un complot, parce que ça ressemble vaguement à un complot. Mais qui est tout petit. Il en fait une théorie du complot, c'est-à-dire un truc qui va expliquer le mouvement du monde, quoi. Et pourquoi je parle de Lepage là? Parce que Lepage, il est trotskiste, hein, je me souviens d'avoir vu une vidéo de formation enregistrée dans son assaut, là, de conférences gesticulées, dans lequel lui, trotskiste, vantait les mérites contre l'art contemporain, comme il l'appelle, du réalisme socialiste. Vous en faites ce que vous voulez, hein, mais un trotskiste qui vante les mérites du réalisme socialiste, c'est toujours un peu marrant, quoi. Donc, voilà, ce rapport instrumental à l'art, là, l'école de Francfort, et en particulier Adorno, qui c'est un des problèmes majeurs, ça va être un de leurs combats principaux, et déjà parce que ils sont tout seuls à le mener. Effectivement. Bah ça, effectivement. Voilà. Et c'est là où j'allais. Voilà, j'ai fini par retrouver. Je reviens là-dessus dans ce cas-là. Alors, bon, j'avais évoqué dans les lives précédents l'activité. Je vais vous balader un peu parce que je vais fumer. Ok. Dans ce cas-là, je poursuis rapidement. Vous allez visiter comme ça. Vas-y, ouais. Très bien. Donc, comme j'avais évoqué dans les lives précédents, l'activité épistémologique, critique et philosophique de Adorno repose sur la définition même du matériau. Voilà. Et ça, c'est. Oui, c'est une notion qui va être importante. Ça va, tu déranges pas ? C'est ta maman ? Bonjour, maman. Je parle à ma maman. Ah, les mamans sont toutes là ce soir. Laurent dit bonjour, maman de Gaëlle. Bonjour, maman de Gaëlle. D'accord. On a nos deux mamans. Donc voilà. On a nos deux mamans, c'est formidable. C'est formidable. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ah, bah, je vais peut-être lire quand même ce que dit rapidement Renali. Moi qui n'y connais rien, vraiment rien. Je vous avoue que j'avais dans ma tête l'image d'un marxisme, même parfois d'une grande partie de la gauche, qui ne voyait dans l'art qu'un outil instrumental. Mais on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, oui. Oui, c'est un des problèmes qui est encore extrêmement présent dans les cadres de c'est le cas.
de la, comment, de la vie militante aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est, cette régularité est une totalité. Il y a vraiment des expériences politiques qui sont tentées aujourd'hui dans certains milieux politiques, notamment, je peux le dire avec fierté, en grande partie dans le mien, et qui visent à comprendre ce que pourrait vouloir dire une activité artistique révolutionnaire, c'est-à-dire une activité artistique dont les modalités d'apparition, de construction et de cohésion même, on pourrait dire, structurante entre les différents acteurs de la création, sont des activités révolutionnaires sans que, en soi, elles doivent être subordonnées à un message révolutionnaire à faire passer. Et, mais ça reste un problème fondamental, bien sûr. Ça a été le cas depuis les débuts du marxisme, alors avec des tentatives plus ou moins heureuses, des chemins qui pouvaient être des impasses. Je pense notamment à Arts and Crafts de William Morris, voilà, socialiste et marxiste, hein, William Morris. Voilà, j'ai évoqué les situationnistes, mais en fait, là où le Page est particulièrement rageant, c'est qu'en fait, il s'en prend à une époque où il y a eu probablement le plus de réflexions, en fait, sur cette question-là. Tant au niveau de la production artistique, du statut de l'artiste, du rapport au marché, etc. Voilà. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? L'inventeur du happening, Laurent. Le premier happening historique, hein. Dans Fluxus, alors? Non, avant. Avant Capro, Alain Capro. Ah, voilà. Attends pour moi, oui. Si Capro invente le happening, lui, marxiste, c'est explicitement pour créer une forme d'art qui ne soit pas collectionnable. Voilà. C'est là où le Page est particulièrement gonflant, quoi. Enfin, il comprend pas ça, il s'intéresse pas à ça, donc il peut pas le savoir. Il peut pas savoir que Fluxus, c'était une coopérative de création, en fait, qui visait aussi à chanter le marché de l'art avec ses propres boutiques, par exemple, typiquement. Ni la place qu'occupait la théorie révolutionnaire dans la forme même que prend leur art, quoi. Enfin, c'est là, c'est beaucoup plus long à expliquer. Et puis je crois, Laurent a fait un excellent travail déjà pour en parler dans le live qu'on évoquait, quoi. Mais il y a eu beaucoup à l'époque contemporaine. Il y a eu énormément à l'époque de l'art contemporain. Il y a eu énormément d'artistes marxistes ou anarchistes, parce que personne n'est parfait, qui se sont interrogés vraiment à fond sur toutes les questions qui tournaient autour de ça veut dire quoi être un artiste révolutionnaire. Et il y en a quand même très peu qui en sont venus à la conclusion que c'était il faut faire des affiches de propagande. Ou alors, comme élément de la réponse, à la limite, oui. OK. Comme élément de la réponse, comme Laurent a fait des affiches de propagande pour l'AMG, par exemple, quoi. Mais comme élément de la réponse. Ça ne suffit pas que ce soit une affiche de propagande. Voilà. Il y a aussi une manière authentiquement révolutionnaire ou authentiquement, il y a des manières authentiquement révolutionnaires, authentiquement marxistes d'envisager l'art dans ses formes elles-mêmes, quoi. Voilà. Exactement. Et même juste dans ses conditions de réalisation, dans Fluxus, c'est important, quoi. Dans ses conditions de réalisation, mais c'est ce que je dis, dans ses conditions de réalisation et dans ses conditions de diffusion, dans Fluxus. C'est vraiment d'un bout à l'autre. Ils se sont interrogés là-dessus avec des réponses qui valent vraiment la peine qu'on s'y arrête, quoi. Et qu'on passe pas en disant voilà, le mec il a fait Maurice qui fait pour Fluxus là un porte-carte, c'est très rigolo machin et tout, à l'intérieur des cartes il y a la carte avec toutes les erreurs du porte-carte. Ouais, c'est sûr, dit comme ça, ça a l'air d'être un gag stupide, quoi. Mais c'est pas le cas. Voilà, c'est pas le cas. Ce qui me gonfle aussi dans le truc de Lepage, c'est qu'il dit explicitement, parce qu'il instrumentalise sa parole, Duchamp est un vrai artiste. Mais dans ce cas-là, pourquoi Fontaine? Pourquoi Fontaine? Et pourquoi ça s'appliquerait pas aux merdes d'artistes de Manzoni? Parce que Manzoni, s'il fait les merdes d'artistes, c'est pas pour faire le rigolo, hein.
C'est parce qu'il est furieux, en fait. Ouais, c'est une vraie critique un de la marchandise. Passe... Ouais, c'est un type qui passe sa très courte vie, qui le passe en colère contre la société capitaliste et contre ce que ça fait, et contre ce que ça fait à l'art, quoi. C'est un geste de révolte, en fait. C'est pas juste... Il a mis du caca dans une boîte, oh là 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 là, voilà. Il se moque du monde. Non, précisément pas. Voilà, c'est ça. C'est pas, oh, vous avez vu, ils font pipi sur scène. Non, c'est pas ça, non. Pas ça. Voilà. Donc... Puis je vais fumer. Ah, il va fumer. Qu'est-ce que je disais ? Et on se revoit tout de suite. À propos du travail de Adorno dans ce bouquin, puisqu'on en est quand même à parler de là ce soir, de la théorie esthétique d'Adorno, et à propos du matériau, donc vous comprendrez bien que tout ça, ce travail repose sur une définition même du matériau, donc matériau historique. S'il y a une chose dont Adorno ne doute pas, c'est que l'artiste n'est pas libre du matériau. Ça ne veut pas dire qu'il soit conditionnellement lié à lui, d'accord ? C'est pas la même chose de supposer une interaction fondamentale de la création avec le cadre dans lequel il apparaît que de supposer qu'il lui est subordonné comme une espèce de conséquence qui serait déductible du dernier état du monde. Ça, c'est des conneries. Donc, le matériau, c'est cette espèce de grande déchetterie sociale et historique par l'interaction même du sujet avec la société. Un peu ce dont parle Benjamin. Le matériau, pour Adorno, c'est de l'esprit sédimenté. C'est quelque chose dont il dit qu'il est socialement préformé à travers la conscience des êtres humains. Donc, supposer un empire quelconque sur les matériaux, s'il s'agissait de ça, donc une espèce de rapport d'emprise, enfin de totalité sur le matériau historique, ça repose, enfin reposerait, sur un rapport de l'attitude créatrice à une sorte de transcendance de l'artiste, qui arracherait le matériau à son histoire... en oubliant à quel point le matériau documente sur la totalité des mouvements les plus contradictoires d'une société, comme une sorte de grille de potentialité effectuée, l'artiste fait partie de la sédimentation sociale. Ce qui veut dire que la disponibilité du matériau, de ce fait même, ne lui est pas totale. Elle est relative à une situation particulière, et elle est conjoncturelle. D'accord ? Alors c'est quoi les relations, et on va dire les relations critiques possibles qui agissent au cœur de la catégorie art et de la pratique artistique. Pour autant, la force de l'art, elle est de se soustraire à l'attraction, à la polarisation, à l'imposition des polarités politiques et historiques qui sont au travail en elle, qui sont au travail dans le matériau, qui sont au travail dans l'histoire. Pour être plus clair, et pour revenir sur ces questions de subordination d'une œuvre d'art à des énoncés qui seraient à partager, ou des énoncés qui seraient la cause de ces œuvres, ce qui est la même chose au fond, ce serait plus qu'une usine de traitement d'énoncés, propagande. Pour être plus clair, l'œuvre d'art n'est pas soumise à des forces qui construisent la violence des rapports sociaux, en tant qu'elle ne choisit pas un camp ou une polarité, en quelque sorte, selon les modes qui constituent le matériau, juste, ce que dit Adorno, c'est que l'art les met intégralement en lumière, ces forces. L'œuvre d'art les rend perceptibles dans la totalité de cette implication des forces historiques. Alors, tu dois y aller, patience zéro. Ok, tu essaieras de trouver le temps d'écouter la suite. Bon, bah écoutez. Gros bisous, à très bientôt. À très bientôt. De toute façon, ça serait bon. Donc je suis encore à peu près en forme pour travailler sur Nathalie Wynne cette semaine, si t'es dispo à des moments. Alors, tu me dis. Enfin, pas tout de suite, mais tu. Cette situation très particulière de l'activité art, c'est en quelque sorte, si on suit Adorno, la seule chose qui lui donne la légitimité à être pensé en dehors des catégories habituelles de cette subordination au discours. Évidemment, c'est pas apolitique, hein, je suis pas en train de vous dire ça, c'est plutôt pan-politique, si vous voulez. Bon, ça fait un bon moment qu'on n'en a pas parlé, là. Je vais revenir, tout à l'heure, on l'évoquait, sur cette polarisation de l'art au service des idées. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure, hein, quand il a été évoqué la musique punk qui veut faire passer des messages, ou peu importe le militantisme plastique en général, ou la propagande, qu'elle soit pensée comme servile à l'égard de la domination,
de part de ceux qui considèrent toute image comme de la propagande, puisque j'ai vu passer ça tout à l'heure dans le chat, ou ouais. Même qu'il s'agisse d'évoquer l'art contestataire ou révolutionnaire, même qui serait juste au service d'idées contestataires ou révolutionnaires, donc des idées matérialisées. Il se trouve que pour Adorno, il ne fait pas de doute que l'art contestataire et révolutionnaire ne fait que rééditer lisiblement le processus analogue à l'art totalitaire, au fond, au moins dans ses intentions. Et c'est pour ça que Bigodeau, c'est de la merde. Les abris Skipwens, ça vaut pas le coup. Vaut mieux écouter Crass. Je ne suis pas tout. Crass aussi, hein, il dit des trucs dans leur vie. Mais à la différence des abris Skipwens, Crass avait une manière révolutionnaire d'envisager la production musicale elle-même. Ça ne s'entend pas du tout dans la musique, hein, on est d'accord. C'est une musique incroyablement conservatrice. Quand si, même. Si. Je dis pas qu'ils ont réussi. Ils ont essayé. Je dis qu'ils ont essayé. C'est pas pareil. Zabriskie Point, non. Et non, mais ça m'amuse beaucoup parce que du coup, je pensais à quand je chantais dans un groupe de grindcore, j'avais fait un live avec un autre groupe de grindcore. Donc, les chansons faisaient 10 secondes. Hein. C'était dans la bonne tradition grind. Et on parlait justement de ça. De grindcore, c'est impossible de savoir ce que les gens disent, quoi. Donc, du coup, tu te retrouves avec des morceaux de 10 secondes et avec des groupes politisés qui vont faire, alors cette chanson, c'est contre le capitalisme parce que blablabla, bla, 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 5 minutes de discours et puis la chanson, c'est, ah, la droite, merci! Et eux, ils disaient, bah, nous, c'est un choix politique, on n'a pas de parole. Je crois que c'est le meilleur choix politique à faire quand on fait un groupe de grind. Bon, vous voulez tous me tuer, je le sais. On veut ta mort. Qu'est-ce que je disais ? Alors, en gros, les mouvements révolutionnaires commettent les mêmes erreurs que la réaction, les mêmes erreurs que le conservatisme, en considérant les antagonismes, par exemple, entre art moderne et tradition, comme irréductibles, ou ceux de conformisme et de progressisme. On peut dire même que l'expression art révolutionnaire, c'est en elle-même une contradiction. Parce qu'elle laisse complètement de côté la catégorie générale art dans sa singularité révolutionnaire, en prétendant y faire une sorte d'exception. Ça n'a pas de sens, en fait. La nature révolutionnaire de l'art, elle repose essentiellement sur le fait que tout ce qui y fait part, c'est précisément par où les œuvres échappent aux structures totalisantes et totalitaires, même dont elles pourraient être issues. C'est une des raisons pour laquelle cette tension, elle est toujours maintenue. Elle repose sur le fait que c'est l'aptitude à dépasser la notion de point d'achèvement ou même la notion d'horizon qui fait la catégorie art. C'est cette notion d'inachèvement et d'impossibilité de substantialiser dans la forme la question d'un achèvement. De ce point de vue, effectivement, il paraît assez dingue d'imaginer qu'une catégorie art révolutionnaire viendrait creuser une exception. Ça n'a pas de sens, quoi. Par où la protestation radicale de l'art peut s'exprimer? C'est sans doute la plus grande difficulté, vous voyez, pour comprendre de quoi on parle quand on parle d'art. C'est pas son contenu, c'est sa forme. Je sais que ça peut vous paraître finalement tout ça pour ça, mais oui, en fait, le problème des artistes, c'est juste la forme. C'est là que tout est mis en jeu, c'est là finalement que s'opèrent toutes les questions les plus révolutionnaires. La conciliation d'un contenu et d'une forme, ben ça s'appelle juste le réalisme socialiste, justement, ou le cinéma nazi. Bah oui, on peut dire ça autrement, mais c'est con, mais dire que l'art est... Ou le néoclassicisme français du 19e. Complètement, Canova ou ce genre de truc, oui, complètement. Comment dire ? Quand on dit que l'art est inutile... L'art, comme slogan. L'art est inutile, comment dire ? Absolument, il est radicalement sans nuance. Et ça constitue précisément sa forme dans des relations structurantes qui repose, elle, sur l'utilité et le profit. C'est dans cette espèce d'extraction de cette suggestion-là que la question va se poser. C'est un aspect qu'il ne faut pas oublier. Quand on tente une approche des œuvres d'art par l'explication, par exemple, à partir de la société, qui m'énerve tellement, ça me casse les couilles, que ce soit le sujet Sainte-Beuve ou à partir de la société, c'est le même problème. Une explication à partir de la société, elle contient toujours plus ou moins une justification sociale. Et par là même, elle atteste de l'existence de tout ce qu'elle s'efforce de dénoncer. Ça n'a pas de sens. En d'autres termes, une société, elle se réalise elle-même dans l'angle de vue social de l'analyse des œuvres. C'est sous cette forme, en fait, que Adorno, c'est sous la forme d'une cristallisation
telle qu'elle détermine le matériau, qu'il faut penser l'expression d'Adorno, il appelait ça contenu de vérité, il faut la penser aussi, ça a l'air idéaliste, ça pourrait sembler lourd d'idéalisme, mais ce n'est pas le cas. Le contenu de vérité, chez Adorno, ce n'est pas un contenu transcendantal, c'est bien une cristallisation historique. Bon, c'était un peu long, mais je crois que j'oublie rien de ce que je voulais vous dire de ce bouquin avant qu'on commence à le lire, parce qu'on n'a pas commencé. Je pense que... Oui. Des cœurs pour Crass. Je pense que... une des choses qui embrouille cette question, ouais. C'est qu'on envisage l'œuvre d'art comme étant le résultat final à consommer. Bien c'est sûr. C'est-à-dire le tableau. Bien sûr. Le tableau déjà accroché, quoi. Complètement. Ça devient beaucoup plus clair quand on pratique, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai jamais compris pourquoi, par exemple, quand on apprend l'histoire de l'art, on peint pas. Voilà. Pour comprendre la forme que peut prendre une fresque, ça devient tout de suite beaucoup plus évident quand on comprend qu'une fresque, ça se peint à la fraîche, d'où le nom, et qu'on a un temps limité pour une grosse, pour une grosse surface, quoi. On n'envisage pas l'art comme un acte, du coup, une action. On envisage l'art uniquement sous l'angle de son résultat. C'est là où c'est d'autant plus tentant d'essayer de comprendre ce que l'art veut dire, en quelque sorte, c'est-à-dire le contenu, plutôt que sa forme, plutôt que sa matérialité réelle, quoi. Tu vois ce que je veux dire, Marie ? Oui, oui. Ben, la question la plus complexe à aborder pour un historien, qui est pratiquement conditionné, il n'a pas tellement le choix, à penser depuis les objets, mais cette conditionnalité, on peut dire qu'elle est pratique, épistémique, c'est celle de l'historien, ça ne devrait pas être la nôtre. Et est écartée, je dirais, pour des raisons presque techniques, quoi. La possibilité de penser l'œuvre d'art dans l'extension de sa durée propre, c'est-à-dire dans le développement de tous les processus de subjectivation qui sont en cours en lui et qui la changent, et qui changent le sujet, et qui par la suite vont poursuivre ce changement dans les différents devenirs où l'œuvre d'art va s'achoper à d'autres vies, d'autres existences, etc. On est dans un processus assez continu, en fait. Ce processus continu, il interdit de penser l'œuvre d'art en dehors, hein, oui, de la nécessité, on va dire, testimoniale, de la considérer comme susceptible de rendre compte de ce qui l'a précédé, mais n'empêche, les choses ne s'arrêtent pas avec elle et elles ne sont pas tout entières cristallisées, contenues dans le moment M où elle fut achevée. Ça n'a pas de sens. Et voilà. C'est une complication, je suis d'accord, hein, il y a une difficulté technique considérable à la penser autrement, mais ça demande un peu d'effort d'investigation auprès, déjà des propositions théoriques, des fois qui sont faites par les artistes eux-mêmes, tout simplement, pour voir qu'est-ce qu'ils en disent. Et c'est pour ça que le page ne pourra jamais comprendre la boîte contenant les bruits de sa propre fabrication de Maurice. Parce oui. Que l'intelligence de cette œuvre, c'est justement de confronter le public au moment de la réalisation elle-même. Mmh. Et ça va lui échapper forcément. Lui, ce qu'il va voir, c'est le truc rigolo. Oui. Moi, ce que je vois, c'est rigolo, certes. Mais au-delà du truc rigolo, il y a une tentative pour faire voir quelque chose qui normalement est censé être transparent dans notre rapport à l'art. C'est ça. Voilà, c'est ce qui rate aussi pour 433 de Cage, quoi. C'est pareil. C'est le fait que c'est pas une pièce silencieuse. C'est une pièce pleine des bruits de la salle. Et bizarrement, je suis certain que c'est quelque chose qui raterait pas avec le théâtre de Brecht, qui a la même démarche en fait. Voilà, mettre en avant l'artificialité de la représentation théâtrale elle-même pour court-circuiter justement le rapport transparent qu'on entretient avec le théâtre et permettre justement l'élaboration d'une pensée critique du public devant l'œuvre elle-même, quoi. Complètement. On pourrait dire qu'une grosse activité de l'art contemporain, comme tu le dis, c'est de produire au fond des opacités. Là où on reposait sur des illusionnismes sociaux, historiques, des simili-transparences qui n'en sont pas, hein, mais le fait de produire un obstacle
à un seul endroit, comme par exemple une œuvre minimaliste peut le faire, quoi. Un obstacle à l'usage, c'est-à-dire ce qu'on s'attend à voir à cet endroit-là et qu'on ne voit pas, et en lieu et place, on ne voit que finalement l'espace occupé habituellement par une œuvre qui a quelque chose d'expressif à montrer, qui a perdu toute expressivité, alors c'est tout le reste qui vous saute au visage. Et vous voyez tout finalement de votre propre corps dans un musée, de vos déplacements autour d'une œuvre, et ben de la série quasi ritualisée des relations historiques, sociales, politiques que vous entretenez avec le musée, avec les œuvres en général. Enfin, ça a l'air d'être juste un gars qui fout un cube dans un musée, mais vous voyez bien que c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est effectivement de faire sauter les transparences, de montrer qu'elles n'en sont pas, et d'un seul coup de révéler finalement toute la difficulté qu'il y a à se penser avec des œuvres d'art comme finalement à la fois plus proche d'elles qu'on ne l'imagine dans la construction historique et sociale, et incroyablement tenue, éloignée d'elle par toute une série de processus qui font écran, finalement, à leur puissance de faire quelque chose, quoi. Ce qui est très étonnant, d'ailleurs, avec ça, c'est qu'on définit... Il y a une chose que j'aimais beaucoup quand j'étais venu chez vous avec Agnès, il y avait encore une salle de musique et où tout le monde était invité à jouer, et particulièrement les gens qui savaient pas jouer d'instrument. Et il y avait un truc que tu avais dit une fois où j'y étais qui fait complètement sens, quoi. C'est-à-dire en fait l'erreur c'est d'imaginer que la musique expérimentale soit élitiste, parce que de toutes les musiques, la musique expérimentale est la seule qui demande aucun code. Qui appelle même à s'en abstenir. La musique pop, au sens large, est ultra codifiée. C'est juste que ces codes nous sont socialement transparents. Donc on n'a pas l'impression qu'il y en a. On a l'impression d'un truc qui va de soi, alors que c'est ultra codifié. La musique expérimentale, à l'inverse, elle, justement, elle appelle à s'en débarrasser de ses codes. Exactement. Et salut, ce qui, du raid. Coup, il y a l'anti qui déboule, Gaël. Coucou, le raid. Salut, l'anti. Bienvenue, les gens. Bon bienvenue soir. À bord. Bienvenue. Eh ben écoutez, vous êtes les bienvenus. C'est un plaisir de vous voir. Hein. C'est très gentil de venir nous rendre visite. On est là avec Gaël. Bah oui. On est en train de causer. 103 zozos. Waouh, ça fait. Oh, j'ai jamais parlé devant autant de personnes sur cette chaîne, quoi. Voilà. Bon, on va certainement en perdre. On va en perdre beaucoup. Merci pour les followers et followers qui sont en train de suivre la chaîne. Coucou, c'est super gentil. Ça fait très plaisir. Ouais. Alors, on va pas pouvoir vous dire exactement où on en est, parce que précisément la première heure a consisté à dire où on en était. Donc ça va. On peut pas faire ça. Voilà. Ça va venir une espèce de live récursion. Où est-ce qu'on en était dans le où on en était. Alors, on avait déjà. Ça va devenir absurde. Déjà que nos lives sont généralement absurdes. On va essayer de pas faire ça. Donc, on va enfin rentrer dans ce texte. Vous allez pouvoir assister à l'entrée dans le texte d'Adorno et de sa théorie esthétique. Donc, sixième live, page 36. C'est ça. Parti. On en est là. On a parlé surtout de marxisme pendant une heure et demie. Mais bon, ouais. Je suppose que pour les gens qui suivent la chaîne de l'Anti, les quelques notions qu'on a débroussaillées sont très probablement assez familières. Donc, vous n'avez rien perdu, attendez, je l'Anti, le pense. On a fait particulièrement fort. C'est 1h26 de digression sur le thème du live. On n'a pas commencé par une heure de digression sur autre chose. Ah oui, c'est vrai, tiens. C'est du staganonisme, hein. C'est carrément du staganonisme. Moi, Intro et digression, boucle infinie et rebond marxiste nous propose ce Strega. Ouais, c'est pas mal. Alors, du coup, est-ce qu'on n'irait pas un petit peu dans le texte, les gens? Alors bon, soyez pas surpris si vous me voyez en train de gesticuler un peu d'avant en arrière. Je suis obligé de faire le live debout. C'est la première fois que je fais ça. J'ai rehaussé tout le matériel parce que j'ai un lumbago. Je peux pas tenir assis. Ouais. C'est un peu. C'est ça. Il est obligé de faire un live debout parce qu'il y a un bout là et un bout là. Voilà. Ce qui est sans doute un détail pour vous, comme disait Suze tout à l'heure, mais qui pour mon dos veut dire beaucoup. Voilà. On y va. C'est parti. En même temps que les catégories. Donc on a évoqué rapidement le maintien de certaines catégories, pas seulement pour penser dans les catégories, mais pour qu'elles soient actives, il faut les tenir aussi jusqu'à la nécessité de les redéfinir. Donc à partir de là, il faut qu'elles tiennent, au moins de ce point de vue-là, il va falloir une tension de la catégorie. En même temps que les catégories, les matériaux ont également perdu leur évidence a priori. De quoi parle-t-il ? Ici,
comme aspect du matériau. Hein. Les mots en littérature, par exemple. Ça peut paraître bizarre comme proposition, mais il va éclairer. La décomposition des matériaux signifie le triomphe de leur être pour autrui. À cet égard, la lettre de Lord Chandos, premier et pénétrant témoignage de ce phénomène, est restée célèbre. Alors la lettre de Lord Chandos, hein, c'est un truc de Hugo von Hofmannsthal, mais je vous ai lu ça déjà il y a quelque temps, qui met en lumière effectivement les processus par lesquels, puisqu'on parlait de transparence avec Gaël, une bonne partie du matériau est censée être transparent à la réalisation. Et il y a pas de, alors pour parler des processus d'opacité, il n'y a pas de meilleur moyen finalement de rendre compte de l'illusionnisme sur lequel repose cette transparence, par exemple, que la fameuse écriture blanche, hein, écriture cristalline, qu'on appelle écriture blanche de Blanchot. C'est-à-dire une langue à l'écrit qui laisserait imaginer, l'espace d'un instant, une réduction rhétorique à rien. Et c'est là qu'on voit évidemment que le zéro rhétorique n'existe pas. Et ça fait exploser toute une série de rapports, finalement, à la question du style, par la mise en évidence de quelque chose qui travaille sous lui, à savoir, effectivement, la question de l'appartenance de tout un pan, finalement, des énoncés, du discours et de la rhétorique, qui ne sont pas, à proprement parler, perceptibles de, comme dans leurs aspects de littérarité, mais plutôt par où ils sont déjà traversés par des usages sociaux et porteurs, finalement, de conventions et de lieux communs. Je pense que vous avez tous et toutes déjà entendu parler de mots poétiques. Ça n'a absolument aucun sens. Mais cette question, elle est vraiment intéressante parce qu'elle peut changer radicalement des rapports à l'écriture du poème. Elle a été fondatrice, par exemple, de l'écriture poétique des écrivains objectivistes américains, qui, d'un seul coup, en faisant jaillir dans le vocabulaire poétique toute une armada de termes techniques considérés comme vulgaires ou donc non poétiques, très caca, c'est des choses qu'à sa manière, Huysmans avait tenté des décennies auparavant. Eh bien, à partir de là, la question est moins de savoir par où on est irrité par le jaillissement de certaines formes lexicales que d'un seul coup voir la fausse transparence de toutes les autres manières de parler qui étaient sous-jacentes, hein, aux autres formes d'écriture. La fameuse transparence dont on parlait avec Gaël comme la chose finalement qui est montrée du doigt par la création artistique. Donc on peut considérer la poésie néo-romantique dans son ensemble comme la tentative de résister à cette dissolution du matériau, donc, et de restituer au langage, ainsi qu'aux autres matériaux, un peu de leur substantialité. Mais l'idiosyncrasie envers le Jugendstil, donc l'art nouveau, s'attache au fait que cette tentative échoue. Rétrospectivement, et selon le mot de Kafka, elle apparaît comme une joyeuse aventure gratuite. Donc là, il s'en prend directement. C'est déjà ça. Quand on voit toutes les tristes aventures payantes. C'est-à-dire, vous entendez là-dedans que là, il y a une critique qui est faite de la crainte, finalement, de perdre quelque chose par l'affirmation même de la forme stylistique d'une espèce d'existence affirmative, finalement, des énoncés. Toute la poésie symboliste joue beaucoup sur cette espèce de suffocation, finalement, de la transparence en essayant d'y réinjecter autre chose. Mais et c'est probablement ça qu'on peut observer comme une aventure gratuite, mais très probablement parce qu'elle doit beaucoup trop au caractère dialogique de son existence. Du fait qu'au fond, si elle n'est pas subordonnée, si vous voulez, à un état politique du monde comme l'art militant, elle est au moins subordonnée dans un seul combat, qui est un peu perdu d'avance, qui est de lutter finalement contre les formes à peine précédentes de l'écriture. Vous voyez où ça nous conduit. Ça nous conduit à une fragilité historique au moins aussi sensible finalement que cela même à quoi ça s'arc-boutait. Il y a peu de chances que ça vive beaucoup plus longtemps. On se représente souvent l'histoire de l'art comme ça, c'est assez bizarre, mais comme une espèce de truc linéaire où un mouvement suivrait un autre pour en faire le contraire. Moi, quand j'étais ado, c'est vraiment comme ça que je me représentais les trucs, quoi. Malheureusement, c'est très, très, très souvent comme ça qu'on se représente l'histoire. Donc, c'est tellement con. Voilà. C'est tellement pareil. L'Empire romain est succédé par les Carolingiens, les Mérovingiens qui sont succédés par les Mérovingiens. C'est ça. Ouais. Tous les processus de permanence spectraux, quoi, ouais. Les fantômes de l'histoire, comme dit Warburg, sont laissés de côté, ouais. Ils ne rentrent pas bien dans le cadre théorique, donc on les chasse, hop, d'un petit coup de balai, on les fout sous le tapis. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Évidemment, c'est pas comme ça que ça marche, non.
Rétrospectivement et selon Marx le... l'illustre, Marx l'illustre très bien dans sa philosophie de l'histoire, soit dit en passant. Oui. D'ailleurs. Bah oui. Parce que le truc qui reprend à Hegel en surface, là, cette histoire de travail du négatif, etc., c'est la traduction de ce qu'on peut retrouver chez des historiens qui ne sont pas marxistes, comme Jacques Leboeuf, par exemple. Oui, comme tous les historiens sérieux. Voilà. Jacques Leboeuf, par exemple, quand il parle de la naissance du purgatoire, pratique la naissance du purgatoire parce qu'il a un acte de naissance. Donc, il y a un moment où il existe en tant que arrière-monde. Mais c'est le résultat souterrain de 7 siècles de christianisme qui le précède depuis Augustin, quoi. Les concepts historiques n'ont pas de début. Donc, à partir du moment où on se rend compte de ça, on voit toute l'artificialité qu'il peut y avoir à la périodisation. Et ce qui vaut pour l'histoire vaut pour tous ces objets, y compris l'art. Exactement. Et je dirais même l'art plus que toute autre chose. Bah, l'art plus que tout autre en tant que là fait partie du problème de comment on pourrait dire du problème général de la conception du matériau puisqu'il vient aussi l'alimenter et le constituer. Et j'aurais tendance à penser qu'il y a finalement il n'y a pas tellement d'activités humaines plus indifférentes à la question de l'actualité. Là, fondamentalement, la pratique de l'art est incroyablement résiduelle et elle n'est pas stratégiquement résiduelle. L'art prend tout ce qui passe dans tous les sens possibles et imaginables. Et c'est ça la collection de fantômes qui hante tous les tableaux du monde, en fait. C'est effectivement cet espace résiduel. Là, Benjamin, évidemment que c'est... On sent le Warburgien, là. On sent carrément le Warburgien. Mais oui, oui. Mais complètement. On est entre nous, donc ça va. Dans le poème qui sert d'introduction au cycle du septième anneau, Georges peut se contenter pour évoquer une forêt de juxtaposer les deux termes « or » et « cornaline » en espérant que, conformément à son principe stylistique, les mots aient une résonance poétique. Donc on est en plein dans ce que je vous disais. 60 ans plus tard... Ce qu'il dit, c'est quand même marrant, parce que ce qui est poétique, par exemple, quand on se balade dans une forêt, c'est toujours les animaux à fourrure, quoi. Donc, un renard, c'est poétique, c'est beau, c'est roux, c'est... Un daim, c'est poétique, le cerf majestueux, c'est très poétique, en plus il est majestueux et tout, mais c'est rarement le ver de terre ou la merde du daim. On se demande pourquoi. Alors, il faut que les choses appartiennent à ce registre de représentation, effectivement, puis les termes pour en parler. Les mots sylvestre, voilà. Canopée, voilà. Primzotti, oh oui, mais alors... Ah bah oui, oui. Bah oui, bah oui. Mais mycélium, pas tellement, bon, ça marche. Mycélium, pas trop, ouais. Alors que... On ne sait pas pourquoi, mycélium ne serait pas poétique, d'ailleurs. Ah bah non, alors. Je sais pas. 60 ans plus tard, les choix des mots furent reconnaissables. Arrangement décoratif, qui cessait d'être supérieur à l'accumulation brute de tous les matériaux nobles possibles, comme dans le portrait de Dorian Gray, qui ressemble aux intérieurs d'un esthétisme raffiné, des boutiques d'antiquité, ou aux ventes aux enchères, et par là même, au commerce exécré. De la même façon, Schoenberg remarqua que Chopin avait eu bien de la chance, car il lui avait suffi d'utiliser le ton de fa dièse majeur, jusqu'alors délaissé, pour faire de la belle musique. Avec cette différence historico-philosophique, qu'au début de la musique romantique, certains matériaux, les modes exquis de Chopin par exemple, rayonnaient effectivement de la puissance de l'inexploré, mais furent réduits dans la langue des années 20, au niveau du raffinement exagéré. Donc je crois que c'est Bourdieu qui parle très très bien de ça, du devenir de l'exception dans la réaffirmation pratiquement doctrinale des décennies qui suivent. Et c'est pas un impensé, hein, c'est un truc qui court à chaque fois qu'on aborde les œuvres d'art. Mais c'est intéressant de garder ça en tête, à savoir, on parle des processus révolutionnaires qui sont au travail dans l'art, hein, et effectivement, la question qu'on se pose ce soir, évidemment, c'est... à quoi, à travers le temps, la qualité de ces processus peut résister ou pas. C'est-à-dire, selon la chaîne de subordination à laquelle ces processus s'arriment pour exister et apparaître, ils sont plus ou moins friables dans la puissance supposée de ce processus. Est-ce que quelque chose, finalement, qui serait plus fondamentalement désimpliqué
des fameuses forces de construction du matériau pour pouvoir non pas s'en extraire, mais justement les mettre en lumière, peut garder cette puissance révolutionnaire à travers le temps. Une question qu'on se pose tous et toutes, hein. C'est quoi en gros les œuvres capables de continuer à renverser hein, quelque chose de l'usage ou du lieu commun après être passé à travers, je sais pas moi, un siècle de lieu commun. C'est pas quelque chose qu'on peut anticiper. Par exemple, là, on voit bien que les symbolistes l'avaient peu anticipé, que la cohabitation d'or et de cornaline ne suffit pas hein, pour résister très longtemps dans le temps, et peut-être parce qu'elle doit beaucoup trop, finalement, aux conditions de son émergence. L'autre Amon l'avait très bien anticipé, lui, à l'inverse, mais dans l'autre sens. Il y a quelques aspects par lesquels ça... Je veux que mon écriture soit celle des jeunes filles de 16 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est... Attends, je vais enlever ma veste parce que j'ai un peu chaud, en fait. Ça peut paraître bizarre, hein, mais je crois que la cheminée chauffe vraiment bien. Ah, Agnès a remis une bûche. Je suis pas certain qu'en fait, on puisse échapper à la panthéonisation, hein, ceci. Non, je crois pas. Je crois pas parce que les nécessités... C'est-à-dire, quand on lit les Parnassiens maintenant, je me souviens de mon prof de français quand j'étais en première, qui lisait les poèmes de cette vieille baderne de Ronsard, se trouvant des excuses de poète pour draguer des filles qui avaient trois fois moins que son âge, avec un ton ultra compassé du style de ce qu'on apprend à l'Académie française. On a peine à imaginer que les Parnassiens s'amuser à sacrifier un cochon à Jupiter sur le parvis de Notre-Dame, en fait, quand ils étaient en activité. Il me semble pas que ce soit une scène obligée, hein, des mystères, hein. Non. Ouais, non. Non, on fait pas ça. Il est bien question d'un agneau pascal, mais je suis pas sûr qu'on l'ait égorgé sur le parvis de Notre-Dame. Ah non, mais c'était spécifiquement en sacrifice à Jupiter, en l'occurrence. Exprès. Rien que pour les embêter. Ouais, c'est la destinée du passage du temps là, tout est récupérable. Bah, la question qui doit être posée à chaque fois, c'est qu'est-ce qui dans la récupération est récupéré? Qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est-à-dire quelles sont les nécessités qui jaillissant du dernier état du matériau? C'est le mensonge qui est récupéré, en fait. Oui, ça ne peut... C'est-à-dire, ce qui peut se passer, ce qui me semble compréhensible, c'est que l'anecdotisation par laquelle quelques processus renversants hein, de création artistique introduit finalement d'autres modes, qui sont ceux tout simplement de la... comment, pas de la marchandisation, forcément, enfin, même si c'est souvent l'issue, mais un parti à tirer de quelque chose qui a su montrer l'éclat de son unicité, c'est fatalement sa reproduction. C'est ce qui arrive. Et la reproduction ne fait qu'anecdotiser un geste premier. Il n'y a pas de mouvement artistique qui est échappé à ça. Au fait d'être d'une manière ou d'une autre entraîné dans une chaîne d'imitation qui évidemment ne passe que leur temps à dégrader l'objet pour une bonne raison simple. C'est que la production artistique tendue vers elle-même, c'était vraiment pour le coup comme praxis, qui vise essentiellement par les sujets qui la mettent en branle, qui produisent les œuvres d'art, sont conçus dans un mouvement qui ne regarde pas vers du déjà-là. C'est-à-dire que le dialogue avec le passé n'est pas un dialogue de reproduction. Il est inscrit dans l'histoire des œuvres d'art assez longuement. Il fait partie, je dirais, des processus tout à fait normaux de la construction historique des œuvres. Ce n'est pas la même chose que de reproduire du déjà-là, que d'être le singe de l'histoire. Et quand ça arrive, ça ne fonctionne pas. Gaël évoquait le néoclassicisme du 18e et du 19e. Ces formes-là ont disparu pour nous. Elles n'ont aucune sorte de pérennité dans le temps. C'est-à-dire que les œuvres nées de la reproduction servile, au fond, n'ont pas de généalogie. Par contre, elles essoufflent la puissance des œuvres dont elles sont finalement les reproductions. Et à partir de là, ouais, la question de l'institutionnalisation, elle est déjà en cœur là-dedans, et je dirais qu'elle est ouverte pour les devenir de toute forme institutionnelle. Ouais. Parce qu'est-ce qui nous reste d'œuvres qui, au fond, ne sont plus vécues
qu'à travers le long, long, long couloir de leur reproduction. Elles ne sont plus rien. Yep. Et ouais, j'ajoute en réponse à Lepage qui insiste tellement sur le métier que c'est pas tellement une question de talent. Parce que si vous voulez voir si oui ou merde un mec comme David avait du talent, regardez son marat assassiné. Incontestablement, il en avait. Mais pratiquement tout ce qu'il a peint, c'est pourrait être résumé en un slogan. Pratiquement tous ses tableaux pourraient être résumés en un slogan. Il peint, je sais pas, un enfant, une mère avec son enfant. Il peint, voilà, un sujet et un verbe d'un slogan, quoi. C'est pas que les peintres comme Gros ou comme David manquaient de talent. C'est vraiment ce à quoi ils l'ont exercé, quoi. C'est ça. C'est ça, et ça doit nous poser, devant la question évoquée, récupération, institutionnalisation des formes, ce qui, au moment de cette institutionnalisation, reste vraiment. Je vois que dans le chat, par exemple, on parle de la réappropriation de la vulgarité par les bourgeois. Ce qui est intéressant, c'est de voir que pour que ce soit possible, il faut tout simplement que la question de la vulgarité, je pense que vous parlez là d'expression, d'énoncé, de formule, il faut voir juste qu'elles ont pu devenir pour ne plus avoir leur possibilité de nuisance, je dirais, de la pacification des rapports sociaux. La vulgarité, la crudité, la grossièreté des énoncés... C'est pas du tout maintenant. Hein. C'est pas du tout maintenant, en plus. Je veux dire, merde, le lapin agile... Aristide Briand. Donc, au lapin agile, s'amusait à insulter les bourgeois. Les bourgeois arrivaient en masse pour se faire insulter par Briand. Ils trouvaient ça brillant, justement, toutes ces insultes. Il y a toujours eu ce truc-là, sous une forme ou sous une autre. Vous en avez une autre expression superbe dans Titanic, et superbe au mauvais sens du terme, je dirais, la bourgeoisie se regardant elle-même dans le film Titanic, parce que c'est de ça dont il s'agit, quoi. C'est vraiment un film de bourgeois, quoi. Trouve que le problème qu'il y a avec la bourgeoisie, c'est qu'elle n'est pas assez vivante. Et donc la jeune bourgeoise va se revitaliser auprès des prolos de la troisième cale, qui eux n'ont pas perdu le sens de la fête, quoi. Donc cette récupération-là, elle arrive tout le temps, quoi. Les bourgeois ont toujours aimé entretenu un rapport double avec la vulgarité. Oui, comme ils l'ont avec une autre forme de vulgarité qui est le kitsch. La question est de savoir jusqu'où, en fait, la possibilité de l'imitation ou de l'institutionnalisation même de ce qui s'oppose aux valeurs de votre propre classe mettrait en péril votre stabilité dans cette classe. Et en l'occurrence, jamais rien. S'il y a bien une chose que jamais le bourgeois tente, c'est effectivement de s'abîmer jusque là où s'abîment les classes dans lesquelles précisément vulgarité, qu'elle soit kitsch ou qu'elle soit lexicale, est pas seulement une condition, mais est finalement une force d'advention sociale et une force d'advention de groupe. Et ça, ça n'est jamais tenté par le bourgeois. C'est pour ça qu'Aristide Briand, d'une certaine manière, institutionnalise un lieu dans lequel on peut rentrer et sortir en ayant été effleuré par le charme momentané de cet encanaillement. Mais il n'est pas question d'aller insulter de la même manière à sa propre table un bourgeois à la fin du repas. Il y a quelque chose qui est effectivement de... Puisqu'on est bourgeois, on peut tout posséder. La totalité du monde, il vous appartient. Jusqu'à une petite disgrâce, pour peu qu'elle ne dure pas plus d'un quart d'heure, et qu'elle était quelque chose comme un bout d'aventure exotique à l'intérieur de votre cadre bourgeois. Les œuvres d'art subissent finalement, comme tout le reste, cette dévoration bourgeoise. Et l'institutionnalisation, bon, qui est un des faits, je dirais, logiques de l'histoire, hein, c'est pas que la captation par la bourgeoisie de ce qui lui échappe à un moment, puis qu'elle finit toujours avec trois trains de retard. Ça n'a pas commencé avec le capitalisme. C'est ça. C'est une chose normale. Enfin, les formes... Là, on décrit la forme que ça prend dans le capitalisme. Les formes précédentes étaient différentes, mais le plan général, lui, l'institutionnalisation, c'est un processus naturel du passage du temps.
en fait, dans une société humaine. Écoute, je suis en train de lire ces ahuris. On a le Kitsch Lorraine, le Kitsch Eastwood et le Kitsch Hennett. Ah, le Kitsch Eastwood, ça marche. Le Kitsch Assa, et ça continue. Eh ben, on n'est pas à sortir. Alors, ça me fait penser à la tradition du roast aux Oscars où le clash pseudo-subversif est complètement ritualisé. Ouais. Ça en fait partie, étroitement. La question, c'est celle du risque, en fait, et du vertige. Il est clair que, bon, quand on parle du risque en art, il faut trouver, je dirais, un équilibre. Sur le roast, il y a un. Sur le roast, en plus, il y a une frontière à pas dépasser qui est pas du tout explicite, pour le coup. Mais quand implicitement, quelqu'un, et le plus souvent quelqu'une, dépasse la dite frontière, le lendemain de la cérémonie des Oscars, il y a des articles dénonçant cette personne qui est définitivement allée trop loin. Donc ça veut dire aussi que, là où Gaël se trompe pas, c'est que ça veut dire que vous soyez en possession de tous les moyens. Donc, appartenir complètement à cette classe pour posséder les moyens de juger du seuil de ce dépassement. Et si vous le dépassez, c'est que vous n'avez pas capté, que vous n'appartenez pas complètement à cette société pour n'avoir pas su voir où était ce fameux seuil. C'est un facteur d'exclusion aussi de la possibilité critique. C'est l'institutionnalisation de la subversion elle-même, clairement. C'est un point important. Donc, quand on dit que là, qu'il y a une pratique du danger artistique, certes, c'est moins risqué de faire des œuvres d'art révolutionnaires, je pense, en tout cas dans une certaine mesure, que d'organiser un réseau de résistance pendant l'occupation nazie. Mais il faut quand même garder en tête que ce qu'on met en péril artistiquement, quand on tente même l'aventure moderne, on risque la solitude extrême. Et c'est pas rien, si vous voulez. Je peux rappeler un truc vite fait sur les Oscars, d'ailleurs. Ce qui est acceptable ou pas. Va, ça m'intéresse. Tu connais l'anecdote. Je sais pas. Vous la connaissez certainement. Vous êtes certainement nombreux à la connaître. C'est celle l'absence de Marlon Brando pour recevoir son Oscar. Quand il envoie une jeune militante indienne-américaine, Sachi Nitton Fever, refuser l'Oscar au nom de Brando, et qu'elle fait un discours où elle fout le gratin d'Hollywood, le nez dans toute la merde de son histoire, de son rapport à la représentation des Indiens. Elle n'a pas parlé de cinéma, du coup. Elle a pas fait de, elle a pas roasté, elle a pas parlé de cinéma. Elle a parlé de cinéma, mais elle a parlé de cinéma sous l'angle de la propagande anti-indienne, du coup. Et elle a manqué de se faire péter la gueule. Ah ouais. Vraiment. Vraiment. Notamment de l'autre ordure là, comment. J'ai oublié son nom. Je connais pas l'anecdote, donc là tu m'apprends quelque chose. Je te conseille d'écouter son discours, tu vas pouvoir en trouver une version sous-titrée, parce que c'est très très intéressant. Là je l'ai, mais sans sous-titres. Et donc, merde, j'ai oublié son nom, mais merde. Ah! John Wayne. D'accord, John Wayne. Oui. John Wayne a bien failli lui péter la gueule. Parce qu'elle avait osé dire que Hollywood avait contribué à une sorte de génocide culturel, puisque c'est d'actualité. Des Indiens qui succédaient au génocide physique, quoi. Ça se passe en quelle année? Tu sais à peu près. Suze a trouvé avec sous-titres. Merci, Suze. Ok. Ah, c'est à la période de The Godfather, d'accord. Ouais. C'est en 73, voilà, c'est ça. C'est en 73. Tu veux passer ça? Comment? Tu veux le passer? Parce que je peux pas. Prévu le montage technique qui permettait d'accueillir. C'est pas grave. Ça me prendra du temps. Je serais risque de faire ça très maladroitement. Mais j'irai voir ça avec plaisir. Ouais.
Alors, on ne voit pas, alors, on ne voit pas John Wayne lui hurler dessus et la menacer physiquement, sachant qu'il n'était pas tout seul. Hein. Je pense à John Wayne particulièrement parce que c'est vraiment lui qui a le plus failli, quoi. On voit des applaudissements polis, quoi. On voit pas ce qui s'est passé après, quoi. Voilà. Donc, c'est... La bourgeoisie est prête à tout accepter tant que ça la met pas en danger. Ceci étant dit, c'est pas quelque chose qui est inconnu dans le milieu hollywoodien actuel, et c'est presque quelque chose que maintenant, aux Oscars, on présente comme un grand moment d'émotion. D'accord. Vous voyez le truc ? Oui, je vois bien. Avec le passage du temps, voilà, les mêmes connards qui voulaient lui péter la gueule, maintenant vont présenter ça comme un grand moment. Alors, c'était... Oh là là, j'avais des sanglots. J'avais des sanglots. Oh là là, c'était émouvant, émouvant. Cette petite indienne là qui monte voilà, avec sa petite voix et tout, voilà, j'étais tout ému. J'étais tellement ému. Voilà. Alors. Le mépris, l'expérience de la réussite du mépris, disait d'abord. Retournons au texte hein, et à cette question donc, des aléas, on pourrait dire, de l'évidence d'une dégradation implicite du matériau quand il est énormément assujetti finalement à sa relation au matériau lui-même, c'est ça. Quand il en est finalement qu'une toute petite distanciation critique ou une tentative d'affirmation de sa position critique devant une certaine lisibilité de l'état du monde à un moment M. Mais ce qui arrivait à leur langage, à leur juxtaposition ou à leur mode, porta infailliblement atteinte au concept traditionnel du poétique, considéré fondamentalement comme supérieur et consacré. Donc ces petites attaques, même si elles paraissent insignifiantes finalement dans leur fragilité, ont quand même un effet, c'est ce dont parlait Adorno. La création littéraire s'est retranchée dans l'abandon sans réserve au processus de désillusion qui détruit le concept du poétique. C'est ce qui rend irrésistible, par exemple, l'œuvre de Beckett. Bon, là, on est en 68. C'est autre chose de dire ça en 68, bien entendu, que maintenant. L'irrésistibilité de Beckett, qui me semble pas mal traverser le temps. L'art ne réagit pas à la perte de son caractère d'évidence uniquement par des modifications concrètes de son comportement et de ses procédures, mais en secouant le joug que constitue son propre concept, le fait qu'il soit art. Donc cette espèce de puissance redéfinitionnelle, si vous voulez, qui travaille finalement hein, sous ce qui semble être des petites attaques anecdotiques, mais qui au fond sapent les fondements même d'un ramassement de l'art dans la catégorie qui était jusque-là définie comme telle. On peut constater cela de façon frappante dans les arts inférieurs ou dans le divertissement de jadis, art aujourd'hui administré, intégré et qualitativement défiguré par l'industrie culturelle. Vanelli qui demande mais quand même est-ce qu'il fallait pas le faire, bah, bien sûr que si. Absolument pas ce que je dis quoi. Mm-hmm. Si j'insiste autant pour dire que tout est récupérable, c'est avant tout un appel à pas s'en préoccuper en fait. C'est ça. Foutez-vous-en. Dans l'international situationniste, il y avait la reproduction d'une publicité, pas d'une publicité, mais d'un article d'un journal de jeunes cadres dynamiques. Un truc très proto-Patrick Bateman, vous voyez, avec le bon voilà quel portefeuille doit avoir un cadre dynamique, voilà le stylo-plume et le porte-plume, etc. Et au milieu, il y avait le capital de Karl Marx. Voilà. Est-ce que ça veut dire que la bourgeoisie avait récupéré ça voilà. Est-ce que ça veut dire que le capital de Karl Marx a perdu son potentiel libérateur? Bien sûr que non. Bien sûr que la revue de la Nouvelle Droite, à la mort de Debord, détourne un comics de l'international situationniste pour décréter qu'ils sont les seuls véritables héritiers de Debord, voilà, récupération. Est-ce que ça veut dire... c'est un appel à s'en foutre. De toute façon, quoi qu'on fasse, tant qu'il n'y a pas eu de révolution communiste, en tout cas, on sera récupéré. On sera récupéré. Faut dire que cette révolution, comment ? C'est juste une récupération sémiotique
Donc on c'est s'en ça, branle, c'est, en fait. C'est le mensonge. C'est un caching fétichisé. Tout à l'heure, c'est le mensonge qui est récupéré. Ça n'a aucune espèce de. Ce qui permet la récupération de n'importe quelle œuvre d'art, c'est qu'on va, récupérer le contenu et pas la forme. Voilà. Si on peut récupérer n'importe quel texte, c'est qu'on peut le changer en fétiche. On peut faire semblant de ne pas le comprendre. On peut penser que la société du spectacle est une simple critique de la folie médiatique contemporaine. Voilà. Et de rattacher à un discours de vieux con. Voilà. Je suis sûr que Finkielkraut finira par faire une spéciale sur Debord, quoi. Peu importe, en fait. Bah, si on envisage la société du spectacle comme une critique de la folie médiatique, voilà, ça peut sembler être le même discours. En fait, il suffit de pas le comprendre pour le récupérer. C'est très facile. C'est très très facile. Voilà, c'est un appel à s'en foutre. Récupéré ou pas. Voilà. Alors. Déjà, on l'est toujours à sa mort. Hein. Je veux dire, on est tranquille. D'ici là. une fois qu'on sera mort, on sera plus là. Et peu importe si nous avons vécu 5 minutes ou 1 siècle. Hein. Oui. Ce sera pareil. Donc, je disais, on peut constater ça de façon frappante dans les arts inférieurs ou dans le divertissement de jadis, art aujourd'hui administré, intégré et qualitativement défiguré par l'industrie culturelle. Donc, supposément. Il y a un devenir de dissémination, finalement, des inventions de l'art sous toutes les formes possibles. Mais là, ça laisse supposer chez Adorno, qui développe peut-être exagérément souvent, pour ce que j'en comprends, une forme d'aristocratie souterraine de la question de l'art, en supposant que c'est unilatéral. Et de ce point de vue, il se trompe. En tout cas, s'il pense que c'est comme ça que s'est constituée l'histoire de l'art, il se trompe. C'est pas du tout dans ce mouvement que toute l'histoire du Moyen-Âge se constitue pour la production des images, où il y aurait une espèce de sanctuaire des inventions et qui viendrait se dégrader dans les arts dits inférieurs. C'est pas comme ça que ça marche du tout, et je crois pas que ça marche comme ça, jamais, en vérité. S'il y a effectivement un côté conservateur chez Adorno, c'est effectivement là que je le trouve aussi. Justement, dans cette vision-là. Oui, par exemple, ouais, clairement. Ouais. D'ailleurs, quand il poursuit, on comprend bien, c'est l'erreur d'interprétation, à mon avis. Car cette sphère du divertissement ne put jamais se conformer à ce qui n'est devenu qu'ultérieurement le concept d'art pur. Alors, ce concept d'art pur qu'il a développé dans la première partie du bouquin, qui vise... Alors, comprenons-nous bien, hein, c'est pas non plus une vision idéaliste ou totalisante, hein, quand il dit pur, c'est qu'il essaie de dégager, finalement, au maximum pour comprendre de quoi on est en train de parler, hein, de dégager comme, finalement, manifestation anthropologique particulière d'un certain rapport au matériau. Elle se dressa toujours dans celui-ci comme le témoignage de l'échec de la culture. Oh, Michette! Non, mais c'est lui qui le dit. Comme le témoignage de l'échec de la culture, ce fut l'instrument de son échec, comme le fait tout humour, sa forme traditionnelle et sa forme actuelle étant en cela en parfaite harmonie. On sent que pour l'humour, c'est peut-être ce qui lui manque aussi à Théodore. Il le dévalue assez clairement aussi. Ouais, c'est triste. Hein. Bah oui. Et qui c'est qui parle de Gramsci dans le chat? Vous savez comment ça termine, hein, quand les gens commencent à parler de Gramsci? Salut, je m'énerve, je commence à baver. Coucou Bichette. je ne supporte pas. Bref. Non, mais il est bien sympathique, ce petit con. Je crois que ça résume à peu près ce que je pense de Gramsci. Les dupes de l'industrie culturelle, avides de ses marchandises, se situent en deçà de l'art. De ce fait, ils perçoivent son inadaptation au processus de la vie sociale actuelle, mais non sa fausseté, plus clairement que ceux qui se souviennent de ce qu'était jadis une œuvre d'art. Ça veut dire aussi qu'on pourrait avoir une perception juste des devenirs à la fois des œuvres d'art et de ce qui les sous-tendait, et qu'on pourrait dire au fond avec certitude ce qui d'elles ou de leur production se dégraderait, si on accepte les termes d'Adorno, hein, dans cette dissémination. Ce qui me semble pas si simple, en fait. Je crois que quelque chose de certains courants, des courants souterrains des conditions de création, se maintiennent aussi dans cette dissémination. Je crois que y a cette tendance dans le marxisme critique de y a une tendance un petit peu réac, il faut bien le dire, ouais, à ne pas envisager que
il joue autre chose que la consommation dans la consommation culturelle, enfin dans la consommation en général. Voilà. Que c'est le rapport qu'on a avec les avec les objets qui nous entourent, c'est un rapport en tension, en fait. C'est pas uniquement une consommation passive. Il y a toujours de l'invention qui s'y mêle. Il y a toujours de l'invention, de la réappropriation, voilà, pour le dire en termes linguistiques, de la créolisation, quoi, en fait. Et c'est si on prend l'exemple d'Internet, par exemple, l'outil Internet tel qu'il a pu exister, c'était pas prévu par les inventeurs d'Internet, quoi. Voir débarquer le langage SMS qui répugne autant les réactionnaires, par exemple, qui était une solution technique à un problème technique, en l'occurrence, hein, à la base, la taille le nombre de caractères réduits des textos, ou l'apparition des emojis aussi. Alors, je sais que ça va faire hurler Laurent, mais les emojis, c'est quelque chose de très inventif et de très malin, quoi, en fait, à la base. Ça permet de donner le ton de ce qu'on dit. Ça a été inventé pour ça, quoi. Donc, on peut pas simplement voilà, parler de dupe de la consommation, parce que c'est limité, en fait, une action humaine qui est beaucoup plus complexe que ça, à l'aspect consommation uniquement. C'est faire beaucoup trop de crédit au capitalisme, en l'occurrence. C'est ça. Et je pense vraiment, hein, fortement que cette question, si on parle par exemple des formulations SMS, leur résurgence dans certaines formes du poétique contemporain veut tout simplement dire que leur régime de poéticité demandait simplement à être pointé du doigt. En gros, quand vous voyez apparaître le vocabulaire des mèmes ou les constructions SMS dans la poésie, par exemple, de Antoine Humel, vous comprenez bien que cette potentialité, Ah, c'est pas un Antoine. détournement. C'est pas un poète qui détourne quelque chose. C'est quelqu'un qui voit, comme poète, les régimes de poéticité qui s'infiltrent dans toutes les zones de production humaine. Ça ne veut pas dire que en soi, ces Même choses les plus sont des triviales. constituants, mais c'est ça, même sous les formes les plus triviales. Quand Liszt ou Chopin se retournent vers la musique populaire, c'est pas pour faire les canailloux bourgeois, c'est que réellement, ils se désolent que ne soient pas entendus des mouvements de fond de création dans certaines formes négligées au nom d'une vision hégémonique de la culture savante. Et ceci, Et que dire de Bartok? mais c'est quelque chose de vraiment fondamental et qui est présent aussi, mais dans l'art du Moyen-Âge. La façon dont circulent précisément les tropes de la culture populaire à l'intérieur des formes les plus savantes de la peinture du 15e ou du 16e siècle, c'est quelque chose qui résiste en fait à cette espèce d'unicité, d'univocité de la stratification que nous propose Adorno. Mais il faut dire qu'Adorno Oui, réagit contre un complètement. truc. Il réagit contre l'industrie culturelle et à certains moments, j'ai l'impression qu'il s'en mêle un peu les pinceaux. Juste, tu sais quelque chose que je sais pas là, sur ces chimical flavors du coup. Mais bon. Merci Vulcanodo pour le follow, c'est gentil. Bienvenue à bord. Alors, à propos de l'art, qu'est-ce qu'il dit à propos donc des dupes de l'industrie culturelle? Il pousse à la désesthétisation de l'art. Donc il l'écrit en allemand Kunst wird entkunstet. Il va être désartistisé. Donc Ah oui, c'est littéralement, on autre pourrait chose. traduire par l'art est privé de son caractère artistique. Ouais, parce que alors, oui, alors c'est autre chose du coup, c'est une erreur de l'avoir traduit désesthétisation. Oui, parce que l'esthétique n'est qu'un tout C'est petit problème de l'art. ah On ouais, pourrait dire que c'est c'est une espèce de constante qui est fausse, hein. C'est un éternel transitoire, comme disait Baudelaire. D'ailleurs, les questions de la beauté sont assujetties finalement à la puissance transformante de l'art. Et ce n'est pas le contraire. Tous ceux qui sont capables, chez les vieux réacs, de vous dire, ouais, l'art, aujourd'hui, c'est plus du beau, mais pas du tout. Les artistes contemporains ne croient juste pas tellement nécessaire de réactiver des énoncés sur la question de la beauté. Parce qu'en fait, Oui. ça travaille comme question Voir continue. le live de 5h30 de Laurent sur le page, hein, parce qu'il y aurait Je beaucoup parle de que de questions de ça. ça. Je parle que de la beauté, au fond. Je ne crois pas vous avoir parlé d'autre chose pendant 6 heures que ça. C'est ça. Voilà, de cette permanence qui n'a pas Ou besoin d'être sans cesse réactivée. aller lire l'art après la philosophie de Kossuth. Vous voyez le reproche qu'il fait à l'esthétique, à l'approche esthétique de l'art.
c'est pas un rejet du beau, hein. C'est pas là-dessus que porte le rejet, en fait. Exactement. La passion de porter atteinte, de ne laisser aucune œuvre exister telle qu'elle est, de l'accommoder, de réduire sa distance vis-à-vis du spectateur, est un symptôme indubitable de cette tendance. Alors, cette lecture morale que nous propose Adorno, j'ai peine à lire ça autre chose, hein, autrement comme une lecture morale, je Je dirais suis à la d'accord. fois, il y a un angle de vérité dans ce sens, c'est qui peut vous sembler douteux. C'est une question qui est très très complexe finalement. C'est est-ce que c'est innécessaire de réduire cette distance. On pourrait dire, ah bah oui, c'est normal, les œuvres d'art, c'est de toute façon pas pour tout le monde. Ah, mais c'est laisser complètement de côté le fait que ce pas pour tout le monde, il est déjà quadrillé d'avance par le territoire politique et social. Donc ce serait pas grave si effectivement il n'y avait pas des pans entiers de la société qui précisément voient cette distance galactiquement maintenue par la domination. Et à partir de là, ça ne fonctionne plus. La question d'une position de laquelle il ne faudrait pas réduire la distance, ce n'est pas un fait naturel qui pousse. La distance elle-même, eh ben, elle est constituée par la domination. Si les pauvres ne vont pas au musée, ce n'est pas parce que l'entrée du musée est chère. C'est parce que la distance, elle est maintenue très fermement par les cadres de la bourgeoisie. Donc à partir de Oui. là, on doit se poser très sérieusement la question de la distance. Ça ne veut pas dire abaisser, hein, les intentions, le désir, la puissance de la vision artistique. Pas du tout. C'est trouver des processus par lesquels on ne veut pas rendre fatal le maintien de cette distance à cause de la structuration sociale. C'est une anecdote que j'évoque assez souvent, mais ma mère, qui a connu une ascension sociale assez brutale quand j'étais adolescent, depuis toute petite, et quand elle était petite, c'était une prolo très pauvre, quoi. Elle avait une passion pour l'opéra, et quand elle travaillait encore, elle se disait, quand je serai à la retraite, j'irai à l'opéra parce que j'aurai à la fois du temps et des moyens, et ce sera la première fois de ma vie, quoi. Bah, elle arrive en retraite, elle a constaté qu'elle n'allait pas à l'opéra parce que elle s'est rendue compte que elle avait gardé cette idée que c'était pas sa place. Oui. Voilà. Alors qu'elle adore ça. En l'occurrence, l'opéra, c'est un genre très populaire, hein, pour les générations précédant la mienne, pour celle de mes parents ou de mes grands-parents, c'était encore un art très populaire, quoi. Ma grand-mère, elle n'a pas connu l'ascension sociale. Et elle était très très fan de ténor, quoi, par exemple, typiquement. Mais par contre, on écoutait ça, on chantait ça, mais on n'y allait pas. On n'y allait plus depuis le 19e siècle. C'est ça. La Et c'était discussion. pas une question d'argent, du coup, hein. Non, pas du tout. C'est vraiment pas de ça dont il s'agit là. La différence humiliante entre l'art et la vie, celle qu'ils vivent et dans laquelle ils ne veulent pas être dérangés parce qu'ils ne supporteraient pas le dégoût, doit disparaître. Et là où Adorno peut-être commet un impair, hein, c'est que. Ou alors, il n'en parle pas et peut-être que c'est une implicite, mais c'est que de ce dégoût, les bourgeois participent aussi. Et pour d'autres raisons. Les raisons, effectivement, du maintien des caractères conventionnels de la sanctification de la catégorie art, là où finalement elle s'est installée comme pouvoir. À partir de là, c'est pas seulement un problème de l'industrie culturelle, ce rapport, comment on pourrait dire, d'un maintien, enfin, d'une réduction de la distance par le dégoût, le renversement, les formes modernes qu'on n'arrive pas à administrer. Finalement, il y a plein d'autres formes qui existent et qui viseraient à réduire par l'abaissement des exigences ou l'abaissement du scandale, finalement, à réduire la distance. Ben, ce n'est pas seulement l'effet de l'industrie culturelle. Il y a plein d'autres cas de construction sociale où cette distance abaissée est visée. Et là, en l'occurrence, ce serait plutôt pour les cadres de la bourgeoisie, une capacité de nuisance, finalement, à leur édification de la valeur. Tel est le fondement subjectif qui permet de classer l'art parmi les biens de consommation sous l'influence des vested interests. Alors, vested interests, des intérêts personnels. Donc, des petits intérêts personnels, le côté il faut que ça rentre à tout prix dans ma vie, sous une Entendez, forme égoïste. administrable par moi, quoi. Voilà, il faut que ça réponde Entendez, à. égoïste. Ouais. Si malgré tout, Des cet petits art. intérêts personnels. Comment? Entendez, égoïste, des petits intérêts personnels, Mmh, quoi. plus fort.
Si malgré tout cet art ne peut devenir simple objet de consommation, on peut entretenir avec lui un rapport analogue à celui qui nous lie au véritable bien de la consommation. On va aborder cette question un peu. La chose est d'autant plus facile qu'à une époque de surproduction, donc c'était déjà le cas en 68, faut pas croire, la chose est d'autant plus facile qu'à une époque de surproduction, la valeur d'usage de ces biens devient problématique et finit par céder à la jouissance secondaire du prestige, de la mode et même du caractère de marchandise, parodie de l'apparence esthétique. Donc, parodie sémiotique, si vous voulez, de la question de la beauté administrée par les intérêts personnels. Et donc, là, on va aborder un autre rapport dans le passage qui vient, qui va être assez intéressant à analyser. Ça va nous prendre du temps, je pense. De l'autonomie des œuvres d'art, qui suscite la colère des consommateurs culturels, irrités qu'on puisse les considérer comme meilleurs que ce qu'ils croient être, donc supérieurs, si vous voulez, à la pacotille, dont, censément, ils se satisfont. Il ne reste rien d'autre que le fétichisme de la marchandise et régression au fétichisme archaïque de l'origine de l'art. Alors, c'est là où il va falloir préciser deux trucs, parce que ça pourrait paraître super bizarre qu'il parle là de fétichisme archaïque de l'origine de l'art. Il est vraiment en train de parler à cet endroit-là, à propos des vested interest, quand il parle de fétichisme archaïque de l'origine de l'art, il est en train de parler du fait que, selon lui, l'art était tout entier subsumé avant la période moderne, à une fonction. Il pouvait être analysé comme objet sans questionnement sur ses causes, uniquement à l'égard de ce qu'il devenait dans la société, de par où il instrumentalisait, de la liturgie, des rituels, etc. Donc, du coup, avec Gaël, je pense qu'on va pouvoir parler un peu longuement de cette question, parce que ça me semble intéressant. Je vais brièvement vous en parler, après je te laisse la parole, je pense que tu auras mille trucs à dire. On pourrait lire ne serait-ce que le début du caractère critique de la marchandise, en fait. On pourrait, mais j'ai pas... D'abord, c'est pas un passage très long. Et ensuite, c'est sûrement sur marxiste.org que je vais aller voir. Ok, bon, je commence quand même pour essayer vaguement de vous dire ce que je pourrais en penser. De la nécessité à cet endroit-là de s'arrêter. Notamment parce que, comme je l'ai évoqué au début du live, il me semble qu'assez régulièrement, sont superposés et confondus. Fétichisme de la marchandise et consommation et consumérisme. Et c'est des choses complètement différentes. Moi, je me sentirais pas tenu de préciser ça ce soir si j'étais pas vraiment invité régulièrement par la façon dont cette confusion est maintenue souvent dans la sphère publique entre cette expression marxiste du fétichisme de la marchandise et cette consommation qui serait superposable. Mais le premier, le fétichisme de la marchandise, par la fixation juste sur l'objet de la production et le cadre social qui sanctifie cet objet, donc c'est la valeur de représentation individuelle ou sociale, la publicité, l'idéalisation de sa représentation collective, par exemple, ou la garantie imaginaire, puisque là on parle de ça, bourgeoise, d'attribution de la valeur à qui possède cette chose, en fait, ça escamote, c'est là cette fétichisation, toute les conditions matérielles de sa production réelle. Ça rend invisible la chaîne de subordination et de domination dont dépend l'apparition sociale de la marchandise. La fétichisation de la marchandise, ça en fait une sorte d'objet flottant, sans cause, tout entier tourné vers juste ses effets supposés. Si vous voulez, on a déjà parlé un peu ici d'Aristote ensemble, on a parlé des causes. Bah, essayez d'imaginer en des termes aristotéliciens que la cause matérielle, donc ce avec quoi la chose est faite, la cause efficiente ou cause motrice, donc par quoi ou par qui la chose est faite, la cause formelle, comment elle est faite, quelle idée préside à sa réalisation, sont, dans la fétichisation de la marchandise, toutes les trois complètement subsumées à la cause finale, c'est-à-dire ce en vue de quoi cette chose est fabriquée, ce qu'elle est censée apporter. C'est-à-dire, en l'occurrence, quand on parle de la marchandise en termes contemporains, de sa promesse. Et là, vous comprenez que le consumérisme, la dévoration de la marchandise, l'accumulation de la marchandise, c'est juste une conséquence de ça, par l'aliénation marchande, de cette libération, mais qui n'est qu'apparente, bien entendu, mais qui l'a fait flotter, cette libération de la marchandise, de tout ce qu'elle coûte à l'humanité pour exister, de tout ce qui est nécessaire comme processus d'exploitation pour la réaliser au seul profit de ce qu'elle prétend apporter à l'humanité. Voilà. Donc vous voyez bien toute la différence. Gaël, oui, je te laisse... J'essaie de trouver le texte, hein, parce que, encore une fois, c'est pas très très long. Et
On pourrait au moins se faire le début, mais ils n'existent plus, n'existent pas ou... Alors, dans ce cas-là, je réponds à Renali qui dit, l'art ne doit pas se soumettre au beau. En fait, il ne s'y soumet pas, il le produit, Renali. Et néanmoins, j'ai la croyance que le beau est une question inaltérable. Ben oui, c'est exactement ce qu'on disait. C'est exactement ce qu'on disait. Cette question sous-tendue, sous-jacente, est inaltérable. Elle est le continuum sur lequel repose la question critique de la forme. Et cette question critique de la forme, c'est tous les enjeux même de la production des œuvres d'art, qu'elles soient littéraires, musicales ou plastiques. Et effectivement, elle n'a pas cette question à être sans cesse réaffirmée, elle n'a plus à l'être, d'une certaine manière. La discipline esthétique, avec toute son histoire, qui a duré très tardivement, il y avait encore la revue esthétique dans les années 70, l'énorme somme accumulée par Dufresne, Souriau et toute la bande, ben, toutes ces choses-là ont simplement disparu comme discipline. Ça ne veut pas dire que leur objet, la beauté, est disparu. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, tu as retrouvé ce que tu cherchais, Gaël ? Yep. Moi, je vais me chercher. Enfin, je vais me servir une petite chicorée. Parce qu'Agnès a la gentillesse de me faire un petit quoi ? On se fait un petit détour chez Marx. Allez, vas-y, vas-y, petit détour chez Marx. Intéressant, merci, c'est gentil. Virtuel hug. Voilà le texte, donc. Tu veux le lire ou tu veux que je le lise ? Oh, tu lis bien, quoi. D'accord, si tu veux. Allez. Qui avez un bel organe, lisez-nous donc ça. Ok. Alors, marxisme.org est bloqué. Il n'autorise pas. Ah, pas chez moi. Ah merde, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, attendez. Pas chez moi. Je vais aller sur un autre navigateur moins nazi. Alors, allons-y. On va aller avec un VPN sur. C'est dingue ça. Marxisme.org est bloqué. C'est incroyable. Sans déconner, quoi. Alors là, c'est un site subversif, c'est ça ? Alors là, oui, c'est ça. Je rêve. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Alors, coller et aller. Bon, sinon, je lis et tu m'interromps. Je l'ai. Voilà, d'accord. Voilà. Ok. Tu veux tout le chapitre ? Bah, on peut au moins lire le début. D'accord, si tu veux. Bon. Le Capital, livre de toute façon, premier. Pas très, très. Si je m'attendais à lire ça un jour en live, bon, c'est beau. Je suis ému. Oui, hein, t'as vu. Une marchandise paraît au premier coup d'œil quelque chose de trivial et qui se comprend de soi-même. Notre analyse a montré au contraire que c'est une chose très complexe, pleine de subtilités métaphysiques et d'arguties théologiques. En tant que valeur d'usage, il n'y en a rien de mystérieux. Soit qu'elle satisfasse les besoins de l'homme par ses propriétés, soit que ses propriétés soient produites par le travail humain. Il est évident que l'activité de l'homme transforme les matières fournies par la nature de façon à les rendre utiles. La forme du bois, par exemple, est changée si on en fait une table. Néanmoins, la table reste bois, une chose ordinaire et qui tombe sous le sens. Mais dès qu'elle se présente comme une marchandise, c'est une toute autre affaire. À la fois saisissable et insaisissable, il ne lui suffit pas de poser ses pieds sur le sol. Elle se dresse, pour ainsi dire, sur sa tête de bois, en face des autres marchandises, et se livre à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser. J'avais oublié à quel point il écrit bien ce con. Ah putain, oui. On oublie souvent, hein. Ouais, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le nez, mais... Ouais. Le caractère mystique de la marchandise ne provient donc pas de sa valeur d'usage. Il provient pas davantage des caractères qui déterminent la valeur. D'abord, en effet, si variés que puissent être les travaux utiles ou les activités productives, c'est une vérité physiologique, ils sont avant tout des fonctions de l'organisme humain et que toute fonction pareille, quel que soit son contenu et sa forme, est essentiellement une dépense du cerveau, des nerfs, des muscles, des organes, des sens, etc. de l'homme. En second lieu, pour ce qui sert à déterminer la quantité de la valeur, c'est-à-dire la durée de cette dépense ou la quantité de travail, on ne saurait nier que cette quantité de travail se distingue visiblement de sa qualité. Dans tous les états sociaux, le temps qu'il faut pour produire les moyens de consommation a dû intéresser l'homme, quoique inégalement, suivant les divers degrés de la civilisation. Enfin, dès que les hommes travaillent d'une manière quelconque les uns pour les autres, leur travail acquiert aussi une forme sociale. D'où provient donc le caractère énigmatique du produit du travail, dès qu'il revêt la forme d'une marchandise. Évidemment, de cette forme elle-même.
Le caractère d'égalité des travaux humains acquiert la forme de valeur des produits du travail. La mesure des travaux individuels, par leur durée, acquiert la forme de la grandeur de valeur des produits du travail. Enfin, les rapports des producteurs, dans lesquels s'affirment les caractères sociaux de leurs travaux, acquièrent la forme d'un rapport social des produits du travail. Voilà pourquoi ces produits se convertissent en marchandises, c'est-à-dire en choses qui tombent et ne tombent pas sous les sens ou choses sociales. C'est ainsi que l'impression lumineuse d'un objet sur le nerf optique ne se présente pas comme une excitation subjective du nerf lui-même, mais comme la forme sensible de quelque chose qui existe en dehors de l'œil. Il lui faut ajouter que dans l'acte de la vision, la lumière est réellement projetée d'un objet extérieur sur un autre objet, l'œil. C'est un rapport physique entre des choses physiques. Mais la forme-valeur et le rapport de valeur des produits du travail n'ont absolument rien à faire avec leur nature physique. C'est seulement un rapport social, déterminé des hommes entre eux, qui revêt ici, pour eux, la forme fantastique d'un rapport des choses entre elles. Pour trouver une analogie à ce phénomène, il faut la chercher dans la région nuageuse du monde religieux. Là, les produits du cerveau humain ont l'aspect d'être indépendants, doués de corps particuliers, en communication avec les hommes et entre eux. Et il en est de même des produits de la main de l'homme dans le monde marchand. C'est ce qu'on peut nommer le fétichisme, attaché aux produits du travail. Dès qu'ils se présentent comme des marchandises, fétichisme inséparable de ce mode de production. En général, des objets d'utilité ne deviennent des marchandises que parce qu'ils sont les produits de travaux privés, exécutés indépendamment les uns des autres. L'ensemble de ces travaux privés forme le travail social. Comme les producteurs n'entrent socialement en contact que par l'échange de leurs produits, ce n'est que dans les limites de cet échange que s'affirment d'abord les caractères sociaux de leurs travaux privés. Ou bien les travaux privés ne se manifestent en réalité comme division du travail social, que par les rapports que l'échange établit entre les produits du travail et indirectement entre les producteurs. Il en résulte que pour ces derniers, les rapports de leurs travaux privés apparaissent ce qu'ils sont, c'est-à-dire non des rapports sociaux immédiats des personnes dans leurs travaux mêmes, mais plutôt des rapports sociaux entre les choses. C'est seulement dans leurs échanges que les produits du travail acquièrent comme valeur une existence sociale identique et uniforme, distinctes de leur existence matérielle et multiforme comme objet d'utilité. Cette scission du produit du travail en objet utile et en objet de valeur s'élargit dans la pratique dès que l'échange a acquis assez d'étendue et d'importance pour que des objets utiles soient produits en vue de l'échange, de sorte que le caractère de valeur de ces objets est déjà pris en considération dans leur production même. À partir de ce moment, les travaux privés des producteurs acquièrent en fait un double caractère social. D'un côté, ils doivent être travail utile, satisfaire des besoins sociaux et s'affirmer ainsi comme partie intégrante du travail général, d'un système de division sociale du travail qui se forme spontanément. De l'autre côté, ils ne satisfont les besoins divers des producteurs eux-mêmes que parce que chaque espèce de travail privé utile est échangeable avec toutes les autres espèces de travail privé utile, c'est-à-dire réputées leur égale. L'égalité des travaux qui diffèrent toto coelo, donc complètement, les uns des autres, ne peut consister que dans une abstraction de leur inégalité réelle, que dans la réduction à leur caractère commun de dépenses de forme humaine, de travail humain en général. Et c'est l'échange seul qui opère cette réduction, en mettant en présence les uns des autres, sur un pied d'égalité, les produits des travaux les plus divers. Le double caractère social des travaux privés ne se réfléchit dans le cerveau des producteurs que sous la forme que leur imprime le commerce pratique, l'échange des produits. Lorsque les producteurs mettent en présence et en rapport les produits de leur travail à titre de valeur, ce n'est pas qu'ils voient en eux une simple enveloppe sous laquelle est caché un travail humain identique, tout au contraire. En réputant égaux dans l'échange leurs produits différents, ils établissent par le fait que leurs différents travaux sont égaux. Ils le font sans le savoir. La valeur ne porte donc pas écrit sur le front ce qu'elle est. Elle fait bien plutôt de chaque produit du travail un hiéroglyphe. Ce n'est qu'avec le temps que l'homme cherche à déchiffrer le sens de l'hiéroglyphe, à pénétrer les secrets de l'œuvre sociale à laquelle il contribue. Et la transformation des objets utiles en valeur est un produit de la société, tout aussi bien que le langage.
On s'arrête là ou tu veux que je continue? C'est pas mal, là. C'est pas mal. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. On a de la matière. Bon. Ouais. Petite réflexion critique, enfin c'est moins une critique de Marx qu'une critique de l'absence d'une donnée qu'il ne pouvait pas avoir. C'était à son époque un lieu commun pour l'économie politique de considérer que le commerce avait commencé par le troc. On trouve des traces de ça dans le texte. On sait que c'est faux maintenant, mais ça modifie pas tant son raisonnement parce que la marchandise est quelque chose de spécifiquement capitaliste. C'est ce qu'indique, par exemple, la référence constante au travail social, en fait, à cette mesure de travail humain abstrait qui donne sa valeur à la marchandise. Et son analyse reste juste si on prend en compte le fait que c'est comme ça que les capitalistes s'imaginaient eux-mêmes leur histoire à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une réflexion qu'il livre sur l'ensemble de l'histoire humaine. Si c'était le cas, il aurait tort. Mais c'est vraiment une réflexion qu'il livre sur la caractéristique spécifique de la forme marchandise qui est une forme spécifique au capitalisme. Ça, c'est déjà le premier point. Le second, c'est qu'on retrouve ce que disait Laurent quand il parlait d'Aristote et d'effacement, et l'effacement des différentes causes. C'est-à-dire que, à partir du moment où les marchandises se retrouvent confrontées seulement avec elles-mêmes dans le grand marché qu'est la société capitaliste, sont effacés le travail réel, la valeur d'usage, tout ce qui fait en fait l'existence matérielle de l'objet qui est remplacé par une abstraction, la valeur. C'est cet aspect sur lequel se construit l'idée de caractère fétiche de la marchandise. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bah, complètement, s'il y a des questions, ouais. Dans le chat. Et on comprend bien d'ailleurs à cet égard que toutes les tentatives, par exemple, de faire reposer la valeur de l'art finalement sur des causes qui lui sont complètement extrinsèques en tant qu'art, hein, entendons-nous bien, notamment sur la valeur de l'artisanat, les savoir-faire, etc., vise essentiellement non pas à valoriser le travail, c'est pas vrai, enfin le travail comme singularité, mais plutôt à retrouver des effets de la valeur qui sont déjà échappés en fait. À revenir à l'abstraction du travail social. On va pouvoir du coup créer une équivalence entre ce tableau et 10 mètres de toile. Voilà. Exactement. Il s'agira donc de retrouver finalement un plan de familiarité abstractif, parce que l'abstraction proposée par l'art est finalement assez insoutenable à cause de sa dimension critique, critique notamment de la valeur. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre. Je vais vous dire ce que j'en pense sur ce plan-là, enfin des relations potentielles pour essayer d'en décloisonner un petit peu le plan où s'exerceraient précisément des processus, la puissance propre finalement critique de l'art dans ses relations différentes avec la question de la matérialité de la marchandise comme valeur abstractive de la chaîne d'opérations qui l'ont précédée. Et c'est plutôt le plan où va s'exercer sa matérialité qui s'arrête finalement assez tôt pour une œuvre d'art. Le plan où s'exerce la matérialité de l'œuvre d'art, si vous voulez, il s'arrête avec elle. Parce que pour tout ce qui suit sa réalisation matérielle, votre rencontre matérielle avec l'objet d'art, tout repose sur vous. Ça veut dire aussi que la déception repose sur vous. La marchandise existe, elle, pour promettre une poursuite de la production dont vous êtes l'agent et dont les effets vont reposer sur un plan, sur un horizon, sur une articulation à un devenir qui est l'aboutissement supposé de la promesse que la marchandise vous fait.
C'est-à-dire que la promesse, c'est à la fois le but lui-même de la marchandise. En gros, le pullover produit de la chaleur, la voiture va produire des transports, le marteau va produire une force de frappe ajustée pour planter les clous, pour produire d'autres marchandises et d'autres objets. Et la friandise, le bonbon, va produire du réconfort. Et c'est aussi la promesse que la marchandise va conduire à ce but. Et que dans ce domaine-là, celui de sa promesse, elle est efficace. Et du coup, on peut noter ça que excède la... même. Oui. Ça excède même ça. C'est ce qu'ont souligné les marxistes hétérodoxes de la seconde partie du XXe siècle, quand on a commencé à redécouvrir justement les textes du jeune Marx, etc., etc., et qu'on a commencé à relire ce passage du Capital à l'aune de ce qu'il avait écrit dans les années 1844, dans les années 50, qui n'était plus disponible avant. Et c'est l'idée qu'on va retrouver, par exemple, chez le Debord de la Société du Spectacle. Exactement. Ce que promet la marchandise, c'est ce que promet ce pull vert, c'est pas uniquement qu'il soit chaud. Il promet le mode de vie qui va avec. Et là, on atteint un stade supplémentaire, en fait, d'abstraction de l'objet pullover lui-même. Je sais pas, par hasard. Ça s'appelle Coke. Ça se voit beaucoup dans la publicité. On pourrait facilement prendre des objets publicitaires et ça serait une très bonne illustration. Alors, on a tendance à réduire beaucoup de bords dans ces usages médiatiques à une critique de la publicité et des médias. C'est pas du tout le cas, mais c'est vrai que clairement, ça se voit dans le slogan publicitaire. Il a la voiture, il aura la femme. Enfin, toutes ces promesses, en fait, du mode de vie qui va avec. Il y a un passage, d'ailleurs, où Debord distingue ce qu'il appelle le spectaculaire diffus, c'est-à-dire le capitalisme avancé de marché, du spectaculaire, ce qu'il appelle concentré, c'est-à-dire le capitalisme avancé d'État, c'est-à-dire le bloc dit socialiste. Où il dit, en fait, du côté spectaculaire diffus, on te vend une bouteille de vodka, on te vend le mode de vie qui va avec. Du côté spectaculaire concentré, on te vend le mode de vie socialiste et on te donne la bouteille de vodka qui va avec. Je rebondis sur Debord, c'est une très bonne... Je crois que dans l'occurrence, la question de la déception, si quelqu'un l'a très bien pensé, elle est extrêmement bien comprise. C'est-à-dire qu'on Lui, il a compris que la déception, c'est quoi? C'est une des conditions même de la poursuite du consumérisme. C'est parce que la marchandise est décevante qu'elle ouvre au consumérisme. Alors c'est un parallèle qu'il ne fait pas, Debord, mais qui, pour le coup, à mon avis, fait sens. Le sujet capitaliste du capitalisme avancé, il a le même fonctionnement que le joueur, en fait. C'est-à-dire que les gens qui sont intéressés à l'addiction au jeu se sont rendus compte que les joueurs ne voulaient pas gagner. Ils voulaient continuer à jouer, en fait. Ils étaient piégés dans le moment, en fait, avant le résultat final, au moment où tout est encore possible, quoi. Quelque part, gagner, ça interrompt ce flot, ça interrompt ce flux, et ça se traduit très pratiquement dans des réactions de déception des joueurs de casino, quoi. La marchandise capitaliste, elle fonctionne pareil, en fait. Elle est toujours systématiquement décevante. Mais à chaque fois qu'elle nous déçoit, elle est remplacée par une nouvelle. Et on remet une pièce dans le brandy manchot et on tire. Et le mouvement inaltérable fait qu'elle fait reposer sur la déception précédente la promesse de parfaire et réaliser celle qui n'avait pas été tenue. Alors, ça. L'œuvre d'art, elle, d'un point de vue matériel, elle est achevée entre vos mains. S'il y a production, cette production, elle ne peut pas être promise d'ailleurs, elle n'est pas promise. Mais c'est vous qui en êtes l'objet. C'est une extension de votre subjectivité, l'œuvre d'art. Donc évidemment, vous n'en êtes pas que l'objet, mais vous en êtes également l'agent, vous en êtes le sujet. Donc si vous y trouvez du réconfort, pour reprendre mon rapport à la marchandise, c'est que vous avez pris pour une marchandise l'œuvre d'art dont le réconfort n'était pas la promesse. Vous avez cru illusoirement que c'était ça la promesse, mais vous vous êtes complètement mépris sur le devenir de l'œuvre d'art en attendant d'elle du réconfort. Et si elle déçoit ce réconfort,
C'est pas parce qu'elle est ratée, comme le serait une friandise tout à fait dégueulasse. C'est parce que rien de tel ne vous avait été promis. Vous vous êtes juste trompé de promesse. Donc ces plans-là, je pense qu'ils vont être assez intéressants pour couper court aux conversations fatigantes de tous les vendeurs de merde qui vous disent que l'art est un objet de consommation comme les autres. Non. À cela, il y a juste à dire non. Voilà. Il faut arrêter de croire qu'il n'existe qu'une modalité de récompense, finalement, de la production, et qui serait celle de la marchandise. Ça n'est pas vrai. Voilà. Yep. C'est même pas vrai pour les objets, en fait, qui oui. se cachent derrière le fétiche de la marchandise. Voilà. Mais s'il y a bien un endroit où ça peut encore se percevoir, c'est bien dans l'œuvre d'art, quoi, parce qu'elle a quelque chose de plus irréductible que les autres. Elle est plus immédiatement une extension de du sujet de celui qui regarde, disait Laurent. Mais c'est vrai tous les objets qui se cachent derrière ce fétiche qu'est la marchandise, en fait, en réalité. Voir ce qu'on disait sur l'invention et sur le côté. Il y a une limite justement à la critique de Bordienne. Mais je pense que lui-même en avait conscience. Quand j'aurai récupéré ma bibliothèque, il faudra qu'on lise la lettre qu'il avait écrite à ce salcon de Jaime Semploun quand il avait fini par l'envoyer chier. Alors Renali pose une question. Il y a ce côté, réduire la consommation à un jeu de dupes. Et c'est vrai, sur l'aspect consommation, comme la marchandise est toujours un mensonge, mais il y a une part irréductible à ça, c'est qu'une marchandise, c'est quand même un objet. Un pull tient quand même chaud. Derrière la consommation, il y a aussi autre chose que la consommation aussi. Dans l'investissement affectif qu'on peut avoir pour les objets aussi, c'est pas tout, rien de tout ça n'est faux, quoi. Rien de tout ça n'est vraiment falsifié. La marchandise est une falsification, mais derrière la marchandise, il y a toujours une part irréductible. C'est ça. C'est qu'on peut pas sous-estimer, parce qu'ils sont inarrêtables, les processus de subjectivation. Je dirais même dans ce qui semble être le plus dépourvu de promesses d'autre chose. De ce point de vue, l'exemple qui vient souvent à l'esprit, c'est effectivement la notion de la nécessité de l'outil et de l'univocité de sa fonction. Vous savez très bien que l'histoire de l'outil dit tout à fait le contraire, et que c'est plutôt la pluralité de ses usages qui va ensuite produire des conditions de création, etc. C'est-à-dire, l'outil possède en lui tout ce qu'il faut comme promesse de détournement de cette univocité. Alors, bah oui, quand on a un marteau, tout ressemble à une faucille. Qu'il est con. Alors pour modalité, Renali, c'est plutôt toutes les dispositions et les manières par lesquelles on peut aborder un champ. Tu vois, c'est plutôt les conditions de disponibilité d'action. Mais si tu uses, enfin arrête un peu, tu nous refais le Calimero, tu l'as déjà fait tout à l'heure, mais si tout le monde t'aime, tu sais très bien. Je vous lis tout le temps, vous savez, c'est pour ça que je glousse bêtement souvent, mais je ne vais pas commenter toutes vos conneries. Et je n'esquisse pas du tout, j'esquive pas les questions de Solarius qui sont de la pure provocation. Donc, bah oui, précisément. Je parlais de Kossuth et de l'art après la philosophie, je ne sais plus à qui il emprunte, peut-être que toi, Laurent, tu te souviens. L'art est la définition de l'art. Oui. Art. Voilà. C'est dans cette mesure que l'attitude contemporaine à l'égard de l'art est régressive. Donc là, on entend la petite chanson légèrement crépusculaire de Adorno. Ouais. Mais bon, il vient de traverser le crépuscule quand même, hein, on est d'accord. Ouais, faut pas lui en vouloir. Ça voilà. S'est pas bien passé pour lui. Lui, au moins, il a une excuse. J'en dirais pas autant de nab et de. C'est ça, il a une petite excuse. Voilà. Ce que l'on consomme dans les marchandises culturelles, c'est leur être pour autrui, alors qu'elles ne sont pas vraiment pour les autres. En étant à leur disposition, elles les trompent.
L'ancienne affinité entre contemplateur et contemplé est inversée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? L'ancienne affinité entre contemplateur et contemplé est inversée. Je vais voir si ça s'éclaire par la suite. L'affinité, c'est un rapport double, quoi. L'ancienne affinité... L'inversion de l'ancienne affinité entre contemplateur et contemplé, c'est l'affinité entre contemplateur et contemplé. Il y a pas, je comprends pas. Il doit supposer que quelque chose a changé de la position d'objet entre le contemplateur et le contemplé et de la position de sujet. Mais peut-être que ça va s'éclairer. En considérant l'œuvre d'art comme un simple fait, attitude caractéristique aujourd'hui, on brade comme marchandise l'élément minétique incompatible avec toute son avec toute essence chosale. Le consommateur peut pas. Le consommateur peut. En fait, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'une œuvre d'art n'est pas son résultat final, quoi. Ouais. En fait, c'est ça. Le consommateur peut projeter à son gré ses émotions, ses reliquats mimétiques sur ce qu'on lui présente. Alors les reliquats mimétiques encore à supposer. Pour qu'il y ait mimésis, il faudrait quand même qu'il ait, à la fois affaire à la pacotille culturelle et à ce qui lui a servi de matrice. Et ça, je ne suis pas sûr de ça. Je pense plutôt que il n'y a pas de mouvement mimétique, en fait. Il y a une disponibilité des objets et l'affirmation de leur valeur, mais qui est vendue avec, quoi. À partir de là, je trouve difficile, tu vois, de faire du consommateur... quelqu'un qui serait volontaire, tu vois, dans la mise à l'écart de la matrice. Parce que l'idée, finalement, qui se développe là dans ce paragraphe, c'est que le consommateur est volontaire dans l'escamotage de choses qui l'offusqueraient ou bousilleraient son échelle de valeur. Ah bah là, ça va plus loin. Il ne faut pas déconner. Non seulement il est volontaire, mais il est l'auteur. Il est agent, quasiment. Ouais. Salut à toi, Luis Santo, et bonne nuit à toi. Tu vas devenir le sujet de ta série avant de dormir. Ok. À bientôt, Luis Santo Suite, et merci d'être passé. Avant l'époque, merci beaucoup. À bientôt. Avant l'époque de l'administration généralisée, le sujet qui regardait, écoutait ou lisait une œuvre d'art devait s'oublier lui-même, devenir indifférent à lui-même, disparaître en elle. L'idéal de l'identification ainsi réalisée ne consistait pas à rendre l'œuvre semblable à soi-même, mais au contraire, à se faire semblable à elle. Oui, alors... C'est imaginer qu'on a toujours... c'est imaginer que le seul rapport à l'œuvre d'art qui ait jamais existé avant la marchandisation était un rapport mystique. Ouais, et puis un rapport d'identification. C'est quand même très bizarre. Ouais. On connaît la limite de cette perception. Tu vois, quand Nabokov parle de ça, il en parle plutôt avec l'horreur. Ouais. Bah oui. Par exemple. C'est le rapport mystique qu'il est en train de décrire. Ouais, s'abandonner à soi-même, s'oublier soi-même, s'effacer soi-même, etc. Et puis s'identifier, soit à l'œuvre, soit au divin. Du coup, c'est le rapport mystique qu'il est en train de décrire. C'est quand même super bizarre comme insertion. Bah oui, parce que ça laisse supposer que tous les rapports de subjectivation sont que des rapports de pénétration, quoi. Et pas du tout quelque chose comme... J'ai employé un mot très grossier qui sonne vraiment entreprise. Je suis vraiment désolé, mais j'en ai pas d'autres qui me viennent. Mais d'une démarche. Oh, quel horrible mot. d'une vision qui s'affirme dans son degré. Ah, j'aime bien la vision, moi. Je pense toujours à Deleuze quand je pense à la vision. Alors, il dit « La sublimation esthétique résidait en cette identification. » Et là, on sent bien un mec, même s'il va à contrario des gueules, il l'a un peu trop vu quand même. Parce que si Adorno établissait que dans les relations à l'œuvre d'art, il n'y avait pas d'impureté et d'hétérogénéité auparavant. Et ça, je ne peux pas croire en une chose pareille. Je pense au contraire que ce à quoi s'ouvrent les œuvres d'art, depuis toujours, c'est la profonde hétérogénéité, la profonde impureté des relations qu'on tisse avec elles. Et je dirais que là encore, on tombe dans l'écueil de cet aristocratisme de Adorno dans sa relation aux œuvres d'art, quoi. Je pense que c'est, à mon avis, c'est encore la chambre d'écho de son contre-hegelianisme. Hegel appelait généralement, on en parlait. Hegel appelait. Il y a René qui demande ce que j'entends. René, Hegel, ouais. On s'en doutait un peu. Vas-y. Il y a René qui demande ce que c'est. Ce que j'entends par mystique. Là, je pense en particulier aux expériences mystiques telles qu'elles sont décrites
décrite par les grands mystiques, voilà, Hildegard de Bingen, etc., etc., quoi. C'est-à-dire cette idée d'abandon de soi, d'abandon de son propre sujet pour faire corps avec avec le vivant. Et c'est comme ça qu'il décrit le rapport à la pré-capitaliste. Ça veut aussi. Genre, l'art aurait fait de tout le monde avant, avant la marchandisation. L'art aurait fait de tout le monde des Hildegard von Bingen, et c'était le seul rapport qu'on pouvait entretenir avec l'œuvre d'art. Alors, les traces de l'ange qui ont été laissées sur les peintures rupestres des grottes du paléolithique contredisent hein, cette idée, en fait. C'est y a toujours eu un rapport instrumental aussi à l'art. Il y a toujours eu mille façons en fait d'aborder une œuvre d'art, quoi. Toujours. C'est ça. Depuis la plus triviale jusqu'à effectivement la plus mystique. Imaginez qu'on serait sorti de Gan Eden d'un seul coup avec la marchandisation. Bah pour le coup, je trouve ça très grossier comme présentation. Je ne suis pas vraiment étonné de retrouver Hegel juste après, d'ailleurs. Bah, c'est un manque, je dirais, de générosité à l'égard de toutes les générations précédentes dans leur aptitude, précisément, à diffuser dans leur relation aux œuvres d'art des moments et des durées différents. Ouais, parce que quand Gaël dit « le plein de façons », c'est dans le même corps devant la même œuvre. C'est le même sujet, peut vivre de plein de façons, très différemment, en même temps, devant la même œuvre, des modes de participation complètement différents. Sans la réduire, sans mal se comporter. Il n'est pas en train de trahir quelque chose. C'est marrant parce que c'est très facile de voir comment là, il est injuste avec sa propre génération. Mais ce qu'il est en train de montrer Laurent, c'est qu'en fait, derrière cette injustice envers sa propre génération, avec l'air de dire du bien des générations qui ont précédé, en fait, il est utile aussi, ces générations Exactement. Précédentes. Oui. Oui, c'est vrai. Ça, je trouve ça dommage. On était invité par Kant, qui voulait absolument, pour la question du beau, qui superposait à celle de l'art, puisque l'art, c'est pas sa question, en fait. On a bien compris que chez Kant, c'est pas vraiment ça, c'est la question du jugement esthétique, hein, dans sa troisième critique. Et dans la troisième critique, la proposition de Kant est incroyablement mutilante, pour reprendre le vocabulaire de Gaël, puisque ce dont il mutile l'expérience artistique, Kant, c'est de la connaissance. Il écarte absolument la relation au beau de la connaissance. C'est quelque chose qui est un donné, et c'est un donné universel et sans concept. À partir de là, on écarte complètement le fait que la pratique ou l'amour des œuvres d'art modalise aussi la connaissance, lui donne un truchement. C'est un truc qu'on n'a pas fait, hélas, mais on avait ça comme projet quand on faisait des conférences à la Maison de la Grève. Laurent parlait d'histoire et de philosophie de l'art, et moi je parlais d'histoire et de philosophie des sciences. Et on avait évoqué la possibilité d'inverser donc je parlais d'épistémologie, quoi, des sciences, et Laurent parlait de comment dire, pas d'art, en fait, mais sur un plan plus historique et plus sensoriel. Et on avait évoqué la possibilité de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire une conférence d'épistémologie de l'art, mais pas simplement qu'est-ce que ça veut dire connaître une œuvre d'art, mais comment une œuvre d'art est une forme de connaissance aussi, voilà, et d'esthétique des sciences. Et là encore, pour reprendre ce dont nous parlions tout à l'heure, une meilleure expertise, mais bon, elle tend vraiment à se résorber, cet écart se résorbe, l'écart entre les historiens d'art et la pratique. Sachez qu'il y a des échanges interdisciplinaires constants et au moins des conversations, je dirais, entre artistes et historiens d'art qui mettent à l'épreuve le questionnement de la construction des œuvres, de la réalisation. Et l'idée est que le processus de création soit vraiment une des formes de la connaissance, c'est-à-dire que les plans de la connaissance, les plans de construction théorique par lesquels connaître fait question,
Il y en a un certain nombre. On a évoqué l'idéalisme, on a évoqué le matérialisme, on aurait pu évoquer le constructivisme. On en écarte, comme si ce n'était pas la question, la création artistique. Or, dans le cadre de la création artistique, créer, c'est connaître. C'est le moyen par lequel on apprend à connaître. Et je dirais, c'est même le moyen par lequel on constitue un plan théorique de relation au monde. C'est-à-dire que non seulement s'y développe en quelque sorte une Noé, si vous voulez, un processus de la connaissance, mais s'y développe aussi le champ d'expertise par lequel on traverse le monde sensible et on le conscientise, pour dire un gros mot, on le comprend, on se le formule. On conscientise, moi j'aime bien. Oui, un peu bizarre à cet endroit-là. Je pense que là, effectivement, il y aura un travail à faire. Ça ne me choque pas, moi. Alors, Rénalie Douni, merci pour votre réponse. Je réécouterai sur YouTube. J'ai posé la question parce que le mot mystique, tel qu'utilisé régulièrement, me paraît être un gros fourre-tout conceptuel. Je parlais spécifiquement de l'expérience mystique. Et c'est ce que cette idée que je décrivais là, elle est systématique dans les récits de grands mystiques, en fait, sur leur expérience, quand ils en parlent. C'est une constante dans la description d'expérience mystique. J'utilisais pas le terme vague usuel, j'utilisais vraiment le terme plus technique d'histoire des religions, quoi. Voilà. Et un des problèmes, Rénali, par rapport effectivement à l'introduction du mystique à cet endroit-là, c'est que la théophanie, enfin, c'est toujours de l'extraction de la durée. C'est de l'immédiat et de l'instantané. C'est vraiment tout le contraire. Là, on parle des conditions de l'expérience, quelque chose qui nie complètement l'expérimentalité. C'est vraiment un problème. Le rapport mystique à l'œuvre d'art, il peut dire ce qu'il veut. Adorno, là, il suppose des rapports de totalité, d'une certaine façon. Ouais. Ça ne va pas. il suppose de l'immédiat. Ouais. Exactement, clairement. Il suppose de l'immédiat. Clairement, c'est quelque chose dont on peut vérifier l'erreur empiriquement devant un tableau. Alors, à fortiori devant une statue. Hein. Vous verrez jamais une sculpture, voilà, pour reprendre le vocabulaire de Platon, tel que le verrait le regard d'un dieu. Mais c'est vrai aussi d'un tableau, quoi. Vous pouvez pas vous effacer devant cette totalité et pénétrer dedans comme ça dans cet éclair de l'expérience qu'est l'expérience mystique, quoi. Voilà. Mais bonne nuit, chère Rénalie, c'est gentil d'être passé. Merci bonne pour vos questions. Ouais. Je vous remercie d'une manière générale de votre intérêt. N'hésitez pas. Le seul critère pour être une bonne question, c'est qu'elle soit posée de bonne foi, en fait. Oui. Donc, il n'y a pas de. À partir du moment où vous posez une question de bonne foi, ça ne peut pas être une question conne, quoi. Exactement. Voilà. Dans tous les cas, au moins, ça sera parce qu'il y a quelque chose sur lequel on a été trop vague et qui mérite qu'on y revienne. Voilà. Si vous n'avez pas compris quelque chose, par exemple. Dans tous les cas, ça sera au moins ça. Donc, ça a toujours un intérêt. Alors, quand Adorno poursuit, il va retourner vers quelque chose qu'on a évoqué. On va revenir un peu vers le plan d'immanence. Il dit, à propos des gueules, il rendait ainsi sa dignité au sujet qui, dans une expérience spirituelle, devient sujet en sortant de lui-même. Bon, ça, on laisse un peu de côté. Hein. Au contraire du désir philistin qui exige de l'œuvre d'art qu'elle lui donne quelque chose. Donc là, on revient tout à l'heure quand même, au moins, à la partition de la promesse, finalement. Oui. Cependant, table rase des projections subjectives, l'œuvre d'art est alors disqualifiée. Alors, ce « est alors », bon, ça laisse supposer que, d'une certaine manière, Adorno a une conscience très claire et totale des productions artistiques de son siècle. Et c'est faux. Enfin, là, il déconne à plein de sujets. Il est juste en colère contre l'industrie culturelle et on le comprend. De ce côté-là, on comprend. Il ne peut pas faire comme si cette partition, c'est ça qui faisait d'un côté les philistins et de l'autre les amateurs d'art. C'est pas vraiment là que ça se joue, en fait. Le problème est largement extérieur, finalement, à tout ça, et antérieur, par ailleurs. Oui. Les pôles de sa désesthétisation sont les suivants. On pourrait dire plutôt désartistisation, hein, si la traduction serait meilleure, à mon avis. Ouais.
Ouais, mais complètement. Ça, les pôles de sa désarticisation sont les suivants. D'une part, on la considère comme le véhicule de la psychologie du spectateur, donc par des processus d'identification individuelle et intéressée, si vous voulez. D'autre part, elle devient chose parmi les choses. C'est-à-dire, elle atteint au statut d'une marchandise parmi les autres. Le spectateur remplace ce que les œuvres d'art réifiées ne disent plus. Tu vois que ça valait le coup de lire le caractère fétiche. Oui. Bon, justement, pour là, on aurait été obligé de tout redire ce qu'avait dit Marx sur chose parmi les choses, justement. Et il a très bien fait. C'est dingue ce que ce mec écrit bien, quoi. C'est incroyable. Écrivait parce qu'il est mort maintenant. Pardon, vas-y, continue. Le spectateur remplace ce que les œuvres d'art réifiées ne disent plus par l'écho standardisé de soi-même qu'il perçoit d'elle. Je serais curieux de savoir quel est le terme allemand pour réifier. Pour réifier, je pense qu'on peut dire chosifier à cet endroit-là. Hein. Ouais, ouais. Parce qu'on voit bien qu'il y a un abaissement qui est visé à un jugement moral à cet endroit-là. Ouais. Ouais. Mais comme en allemand, souvent on traduit le même mot par aliénation et réification. Là, c'est curieux de dire réifier ou même chosifier pour une œuvre d'art. Bah, c'est un objet, hein. C'est-à-dire qu'il suppose. C'est un objet matériel. Ouais, d'une façon, oui, ça c'est clair. Mais son statut d'objet, enfin, dans. Je préférais dire aliéné, du coup. C'est ça. Je préférais dire aliéné, du coup. Justement, là. Ça ferait plus de sens. Bah, aliéné, en tout cas, à sa simple forme substantielle, quoi. Et en écartant complètement la chaîne. Aliéné de son existence en tant que résultat d'une action humaine. C'est le principe même de l'aliénation, en fait, chez Marx. Ah oui, ça y est, ils sont partis, les autres glands. Donc, la Marx au canard, Marx ou crève, Marx à Vélard, la République en Marx. Allez, hop. Et la République en Marx, Suze, c'est très mal. C'est mal. Il faudrait une animation autre, juste pour te donner une fessée publique pour ce genre de choses. Je crois que je vais faire une animation. Avec un petit diable et un fouet. Là, c'est ça. Oh, il y a une très très belle... S'emballer à Marx. Dans l'iconographie de la première Renaissance, il y a une figure qui apparaît très souvent, qui est assez étrange, c'est Madone del Socorso, je crois, la Madone du Secours. Ah, elle est très étrange et elle donne une fessée au diable. J'en ai vu une, je crois que c'est par Menozzo Gozzoli, je ne sais plus dans quel bled, peut-être à Montefalco. Et c'était vraiment une surprise, c'est extrêmement drôle. La Vierge Marie donne une fessée au diable. J'adore cette représentation. Je vais essayer d'en trouver une, et c'est ce qui apparaîtra quand Suze dira des choses abominables comme la République en Marx. C'est très vilain. Ouais. Très très vilain. Je suis fâché. S'emballer à Marx, ça passe, si tu veux. Mais voilà. La République en Marx, non. Non, c'est ça, trop. Ça, c'est mal. Voilà. Alors, par contre, je ne sais plus à quoi renvoie son rôle, donc je suis obligé de relire la phrase. Le spectateur remplace ce que les œuvres d'art réifiées ne disent plus par l'écho standardisé de soi-même qu'il perçoit d'elle. Donc, soi-même en tant que spectateur. Son rôle consiste justement... C'est là où... Si je ne la lis pas, je vais être obligé de relire une troisième fois la phrase. Vas-y. Donc il vise le caractère spéculaire affectif, en fait. Son rôle consiste justement à présenter comme proche des hommes, ce qui leur fut aliéné et qui subit un traitement hétéronome avant même de leur être restitué. Comme si leur avait, en quelque sorte, appartenu affectivement depuis toujours. Quoi. C'est pour ça que ça serait préférable de traduire aliéné, en fait, plutôt que réifié. Parce qu'en l'occurrence, j'ai l'impression qu'on serait d'accord avec Adorno, pour le coup, pour dire que ce qui rend possible, en fait, subjectivation appauvrie de la projection de l'expérience du spectateur à l'intérieur du tableau, c'est justement que l'œuvre d'art nous arrive vierge de l'expérience qu'elle est, en fait, précisément. C'est-à-dire, c'est pas le fait que ce soit un objet qui soit abaissé comme étant simple objet, mais c'est que, encore une fois, on a ce rapport macabre à l'œuvre d'art, en fait. On le prend comme une chose morte, alors que c'est une action humaine concrétisée, en fait, qui est devant nous. Donc une expérience concrétisée.
c'est le résultat d'un tableau, c'est le résultat d'une fuite de problèmes de peintre que le peintre qui la peint traverse comme expérience. Tu vois ce que je veux dire? Oui, complètement. On a beaucoup, beaucoup évoqué dans les lives sur Baxandal la question du problème. Qu'est-ce que c'est un problème pictural? Qu'est-ce que ça veut dire un problème? Effectivement, oui, c'est une question qui est un peu familière aux 3-4 voilà. Zéhuri qui suivent de temps en temps. Et si on considère le tableau aliéné de cette expérience, c'est-à-dire comme simple objet fini, alors dans ce cas-là, effectivement, il nous arrive vierge d'expérience et on peut y projeter n'importe quoi, quoi. Bon, du coup, ça n'a plus le même intérêt qu'un miroir, finalement. Bah, c'est ce dont il parle, hein, du caractère spéculaire. Oui, c'est ça. Enfin, vraiment, hein. C'est ça. Je suis en train de justifier justement pourquoi je pense qu'on serait d'accord avec Adorno et que je pense qu'il aurait préféré aliéner plutôt que réifier, justement. Ça fait plus sens, du coup, à partir de ce moment-là. Même l'argumentation sociale dirigée directement contre l'idéologie culturelle, possède des composantes idéologiques. L'art autonome ne fut pas complètement exempt de l'avilissement autoritaire de l'industrie culturelle. Son autonomie est un devenu constitutif de son concept. Ce n'est pas un a priori. Je dirais même, moi, c'est un accident des devenirs, hein. Enfin, vraiment, hein, c'est pas comme s'il y avait une espèce d'horizon implicite à cette proposition de l'autonomie de l'art dès le départ, dès l'instant où fut posé le mot art sur nos petites activités. Dans les œuvres les plus authentiques, l'autorité que les œuvres liées au culte devaient jadis exercer sur les Romains est devenue une loi formelle immanente. Attends, reviens sur cette phrase-là. Dans les œuvres les plus authentiques, l'autorité que les œuvres liées au culte devait jadis exercer sur les Romains, est devenue une loi formelle, immanente. C'est une espèce de substitution, si tu veux. C'est chelou de lire authentique sous la plume d'Adorno, franchement. Bah, je pense que celle qui respecte le plus le contrat d'autonomie dont il parle, et aussi les exigences aristocratiques dont il parle. C'est assez fou présente l'acmé de cette autonomie à Rome. Bah, il l'a fait naître dans un, si tu veux, dans un type de relations qui doivent disparaître. En gros, le culte disparaît et ne reste plus qu'une loi formelle immanente. Ce qui en découle. Bon, là, pour le coup, alors je trouve toujours ça bizarre de partir de Rome, du coup. Mais pour le coup, il reprend, si vous vous souvenez, le modèle que décrivait Marx dans le passage sur le caractère fétiche de la marchande. Mais je crois aussi qu'il est en train de nous parler, peut-être, hein, de l'historicité des processus d'idéalité. C'est-à-dire que il y a peut-être juste, à partir, c'est pour ça qu'il parle de Rome, mais il aurait pu faire commencer ça à Athènes, du coup. C'est-à-dire, c'est pas sûr, en fait. Il faut que je me questionne là-dessus plus finement. Mais en tout cas, on va dire, des nécessités de l'idéalité, dont le socle, sont des relations culturelles. Mais l'idéalité est déjà là, c'est-à-dire des propositions de représentation qui ne sont pas agrégatives, en fait, mais qui font naître la notion de canon, c'est-à-dire une capacité, finalement, d'une forme à cristalliser précisément à la fois des désirs, des devenirs et, au fond, une certaine sanctification de l'objet. Le culte escamoté, on pourrait dire que d'une certaine manière, les formes prennent la relève, c'est-à-dire que les processus d'idéalité ont commencé à habiter finalement le rapport à la forme. Ce qui me faisait dire que c'était déjà peut-être là à Athènes, c'est que j'ai l'impression que dans son dégoût des œuvres d'art, c'est une partie de la critique de Platon. Que précisément, c'est ce qui le dégoûte un petit peu, c'est la genèse de ces idéalités-là. En gros, peut-être, une des choses qui les supporte mal, à part le plan de vérité sur lequel il veut être critique des œuvres, là, bon, bah, tant pis pour toi, Platon, t'as pas tout compris à la question, mais c'est aussi très probablement la question de la vérité. Ouais. Il y a une notion, pas seulement d'erreur sur le plan de la vérité, au sens où Platon l'entend, mais une autre erreur,
qui s'y jouerait peut-être, à savoir dans les aspirations, qu'il exaspère. Je ne vois pas ça chez Platon. J'ai l'impression d'entendre ça dans sa crise. Mais je vois, ce qui pourrait être exaspérant. Le fait est que le... dans l'art grec, même la matière utilisée est dictée par un canon culturel. Mm. Voilà, vous faites une statue consacrée, il faut qu'elle soit chrysée éléphantine. Il n'y a pas le choix, vous ne la faites pas en bronze, vous ne la faites pas. Vous la faites en or et en ivoire. Si la statue n'est pas consacrée, même si c'est une statue de divinité, il faut qu'elle ne soit pas chrysée éléphantine. Ça a été un problème pour la Pallas Athéna d'ailleurs du Parthénon quand Périclès l'a commandité parce qu'il a commandé en or et en ivoire et ça a fait un véritable scandale à Athènes en fait quand il a fait ça. Mais je pense que on a vraiment un jusque la matière utilisée est dictée par un canon religieux quoi. Donc oui, effectivement, il y a cet aspect de lourdeur et je vois mieux ce qu'il veut dire ouais, effectivement. Parce qu'il n'y a pas de la hiérarchie des thèmes qui s'établit d'une manière ultra formalisée et ultra lourde, avec en haut la peinture d'histoire et en bas la peinture de genre, par exemple, au XIXe siècle, elle a cette même lourdeur, mais détachée du culte. Elle l'attache à un plan d'immanence qui est celui de l'État-nation, en fait. Donc ouais, je crois que je commence à voir où ils vont venir. Alors encore une fois, l'exemple romain n'est pas le meilleur quand on veut parler d'authenticité. Mais... Là, ce que moi j'ai ouais, comprenais, je vois où ils vont venir. Je comprenais autre chose. Si, puisqu'il est à la enquête en gros d'un acte fondateur d'un certain type de rapport, c'est quelque chose d'inextricable qui est commencé, qui ne peut plus s'arrêter, à savoir un très sage. Qui va beaucoup questionner l'art chrétien pendant quelques siècles, entre cultualité et idéalité. En quelque sorte, l'idéalité répond à la cultualité, c'est-à-dire la nécessité de produire des formes satisfaisantes qui cristallisent, on peut les appeler au nom de celles esthétiques, c'est-à-dire de la construction d'une beauté qui est le reflet cristallisé de toutes les propositions canoniques d'un agrégat moral, finalement, de la forme humaine, ou d'autres formes, mais en l'occurrence, chez les Grecs, plutôt de la forme humaine. C'est la seule qui peut condenser, finalement, la question de l'idéalité. Hein, elle est assez centrale. À partir de là, quelque chose, on pourrait dire qu'il y a un exercice de la cultualité qui, par le jeu des nécessités, les fait cohabiter. Et ce qui va beaucoup inquiéter la question de la forme et de la place qu'elle va prendre dans les idéalités comme dans la cultualité, les chrétiens, c'est précisément le moment où un déplacement est toujours possible et toujours craint de la cultualité sur l'idéalité elle-même formalisée, c'est-à-dire ce que les chrétiens vont appeler l'idolâtrie. Du fait que, se trompant en quelque sorte dans leur vocation idéale d'objet, le chrétien ne se mette à adorer, à produire du culte pour la forme elle-même, c'est-à-dire pour l'idéalité matérialité, qui n'est plus le correspondant idéalisé d'une idée largement supérieure, qui est celle de Dieu, on pourrait dire, et de la procession. Bah, l'anti s'en va. Là, on a perdu l'anti. On a perdu l'anti. Salut l'anti. On a perdu l'anti. Et, salut, bisous. Mais qu'à cet endroit-là, quelque chose déconne profondément. C'est la question que va poser Athanase, que vont poser Hilaire, enfin plein des pères de la chrétienté, quoi. Devant l'image, la question de l'image va les hanter. À cet endroit-là, qu'est-ce qu'on aime dans les œuvres quand on commence à les aimer? Est-ce qu'on est vraiment toujours en train d'aimer Dieu, ou est-ce qu'on n'a pas déplacé la cultualité vers une autre idéalité? C'est celle que la forme a prise pour correspondre au départ à cette idéalité transcendantale. Et là, effectivement, peut-être qu'on alors peut entendre chez Adorno le culte des œuvres d'art. C'est un problème très, très... Ouais.
Tu vois, et je précise quand même que c'est un problème très très chrétien en l'occurrence. En l'occurrence. Enfin. Oui, mais je parle d'un point, tu vois, un point de départ dans lequel tout l'art chrétien va finalement venir puiser tout le temps. Il va pas cesser de recourir à l'antique pour justifier ses idéalités. Ouais. Tu vois. Mais il y recourt sur un plan extrêmement formel. Mais dans lequel le rapport au sacré que pouvaient entretenir les Grecs ou les Romains, c'est d'ailleurs pas le même, n'a absolument, mais absolument rien à voir avec ce qu'on peut retrouver dans les religions historiques. Évidemment pas. Mais tu noteras quand même que ces questionnements, quand ils sont vraiment complètement théologique, c'est-à-dire quand ils aboutissent à des conciles ou à des questionnements, mais vraiment doctrinaux, quoi. C'est dans la période la plus néo-platonicienne de l'histoire du christianisme. C'est pas pour rien, tu vois, qu'il y a cette cohabitation clairement, d'un questionnement sur l'objet et sur, d'une certaine manière, la composition de l'ordre du monde et peut-être les défaillances, finalement, du culte et de l'amour des choses dans le regard du chrétien vers ces objets. Il y a une logique historique, tu vois. À tout ça. Ce qui est marrant, ceci dit, dans ce que tu dis, c'est que si j'en crois l'école philologique de Tübingen, le néoplatonisme est en fait beaucoup plus proche que ne le sont les dialogues de ce que Platon pouvait enseigner à l'Académie. Et ça émane du type de l'aristocrate méprisant, comme disait Paul Veyne, qui principalement s'est occupé à faire un doigt d'honneur à la démocratie de sa ville de naissance, quoi. C'est un rapport très hétérodoxe en fait au sacré dans le monde antique gréco-romain. Justement, le néoplatonisme. Oui. Oui, j'irais au moins autant que l'aristotélisme du 12e sur Aristote. Enfin, oui, c'est le grand écart à chaque fois, quoi. Mais c'est parce que. C'est moins un grand écart entre Platon et le néoplatonisme, justement. C'est pas du tout un grand écart. Hein. C'est vraiment probablement ce qu'on a de plus proche de ce qu'était la pensée de Platon telle qu'il enseignait à l'Académie. Mais par contre, pour ce qui est du rapport au sacré du monde qui l'entoure, là, on est dans le grand écart complet, même à son époque. On est vraiment dans quelque chose. On est vraiment dans quelque chose de très 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 particulier avec le néoplatonisme. Et je dirais que du point de vue de la théologie chrétienne. Je pense que il y a une filiation directe, en fait. Il y a une influence directe du néoplatonisme sur le premier christianisme. Ce qui fait que finalement le néoplatonisme est moins éloigné que l'est la religion civique romaine, par exemple, du christianisme. Oui. Et ce qui explique la facilité avec laquelle, justement, il peut y avoir des périodes néoplatoniciennes. Dans l'histoire du christianisme, c'est que, en fait, il y en a déjà des bouts dedans. Il y en a déjà des bouts dedans. Je pourrais dire la même chose de la mystique juive de la deuxième partie du XXe siècle, du Moyen-Âge aussi. C'était la thèse de Scholem, d'ailleurs, là-dessus. Cet écho du néoplatonisme à l'intérieur de la cabale de Luria, par exemple. Ah bah clairement, hein. S'il y a bien un truc à quoi ressemble un arbre séphirotique, c'est bien celui de Porphyre. Enfin, il y a un dialogue permanent. Hein. La structuration, la méréologie. Bon, on s'écarte là, on est en train de partir. S'écarte du sujet, en s'écartant du sujet qu'on va repeupler la France, comme disait Debré. Exactement. Et je vous rappelle que notre président nous a dit... Hein, voilà. C'est ça, repeuplons. Réarmement, quelque chose. Non, réarmement démographique de la France. C'est voilà. Ça. Non mais... Allez-y. On y va. L'idée de liberté, étroitement liée à l'autonomie esthétique, s'est formée au contact de la domination qui la généralisait. Ah, c'est très intéressant, ça. Il en va de même des œuvres d'art.
Au fur et à mesure qu'elles s'émancipèrent des fins extérieures, donc on en revient à la question de la position du culte et du déplacement finalement et des idéalités, au fur et à mesure qu'elles s'émancipèrent des fins extérieures, elles s'organisèrent plus complètement sur le mode de la domination. C'est évidemment un des trucs qui est souvent, je dirais, l'arme fatale de la gauche pour discréditer la catégorie A, effectivement. Mais parce que les œuvres d'art ont toujours une de leurs faces tournée vers la société, la domination intériorisée rayonnait également vers l'extérieur. Il est impossible, en ayant conscience de ce lien interne, de faire la critique de l'industrie culturelle muette devant l'art. Est-ce qu'elle est vraiment muette devant l'art? C'est une question... Hélas, c'est ça, elle c'est babille une... beaucoup. Question qui, moi, qui, en tout cas, qui n'est pas si simple que ça à poser. Il y a une chose qui m'énerve profondément dans la plupart des plaquettes qu'on trouve dans les musées, particulièrement sur l'art contemporain. Et pour le coup, je pense que les positions à la Lepage doivent plus à ces plaquettes que... C'est... Bidule machin questionne X. C'est quasiment dans 99% des plaquettes que j'ai pu lire de présentation, je ne sais pas qui les écrit, mais il est toujours question d'une question X, en fait, dedans. Voilà. Ça questionne notre place dans la ville, ça questionne notre rapport à la consommation. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le bavardage... Qu'est-ce que ça peut m'énerver ? Et très, très Qu'est-ce drôle. Que ça peut Bah, c'est que des tics. Faut s'en foutre. Ouais. Ah ouais, non, mais vraiment, je m'en fous, quoi. Tant que je tombe pas dessus. Après, devant, ça m'énerve. J'ose plus les lire, maintenant, les cartels. il est... Voilà. Mais celui qui, non sans raison, soupçonne en tout art sa non-liberté, et tenter de capituler, de se résigner à la bureaucratie envahissante parce qu'il en aurait toujours été ainsi, alors que sous l'apparence d'une réalité autre, pointait tout de même aussi sa possibilité. Ah bah tu vois Tu vois Théodore quand tu veux, c'est exactement ce qu'on te disait tout à l'heure. Mais oui. Il y a une part irréductible dans toute expérience humaine, il y a une part irréductible. Ça vaut aussi pour l'art comme objet de consommation. Il ne peut pas se subsumer entièrement à sa qualité d'objet de consommation. Tu peux forcer, il dépassera toujours un truc. Ah, voilà. Là, on cause. Le fait qu'au sein du monde sans image s'accroisse le besoin d'art, y compris celui des masses confrontées pour la première fois à lui grâce aux moyens techniques de sa reproduction, suscite plutôt... Comment ça, les masses n'étaient pas confrontées à... Genre... Il y en avait partout. Oui, quand on lit Gerson, qui dit qu'il y en a absolument à tous les coins de rue, qu'il y avait des sacramentalia sur toutes les maisons, effectivement. Oui. Mais oui. Mais oui. Et là, en plus, cette reproduction, c'est pas un historien, elle date pas d'hier, quand même. Hein. Oui. C'est pas parce qu'on n'utilisait pas avant Gutenberg une machine pour tirer rapidement des trucs qu'on ne tirait pas énormément. Il y avait des matrices. On n'avait pas de caractère mobile, mais on savait déjà faire de la gravure, quoi. Par exemple. Déjà, par exemple. Et quand bien même. Même à imaginer la simple copie manuelle. La copie manuelle, c'est déjà une diffusion d'un prototype et de sa réinterprétation continue, par ailleurs. Je veux dire, tu allais à l'église, tu avais une fresque, quoi. Enfin, je veux dire, faut que je fasse pipi. Raconte-leur une blague, moi je vais faire pipi. Oh, je sais pas trop. Allez, D'habitude, j'aime bien raconter des blagues, mais là, je sais pas. L'humeur n'y est pas. Voilà. Bah, va faire pipi, puis je vais dans. Je sais pas ce que je vais vous raconter. J'ai mangé de la purée aujourd'hui. J'aime bien la purée. C'est un peu mon comfort food à moi, la purée. Ah non, mais vraiment, j'ai pas d'idée là pour les blagues. J'ai pas d'idée. Je sais pas. Je me sens pas d'humeur blagueuse. Des fois, ça arrive. Je vous parlais de quoi? Ah oui, de purée. Mais c'est très chouette la purée, en fait. On soupçonne pas à quel point ça peut être sympa la purée. Ou alors, si vous voulez, je peux vous parler de la
la famine dite de la pomme de terre en Irlande, tiens, puisqu'on parle de purée. Et pourquoi ça fait bizarre de l'appeler la famine de la pomme de terre? Quoi, Dan, j'ai mangé de la purée aujourd'hui. Ah, un jour, il faudrait que je fasse un thread d'ailleurs là-dessus, parce que c'est vraiment... Dans l'idée qu'il y ait eu une famine en Irlande parce que les pommes de terre auraient toutes cané, si on s'arrête là, on cache la réalité de la situation des Irlandais à l'époque, c'est que il y avait de quoi nourrir 10 fois l'île qui sortait d'Irlande, en fait, en matière de bouffe. Le truc, en fait, c'est que l'organisation de la production agricole en Irlande à l'époque était telle que les Irlandais cultivaient fruits, légumes, céréales pour l'exportation, ce dont ils ne profitaient absolument pas parce qu'ils étaient dans une position sociale de semi-esclave, et la pomme de terre, c'est ce qu'ils cultivaient à côté pour se nourrir. Donc en fait, quand la pomme de terre a commencé à caner, la production agricole a continué en Irlande. Et ils ont continué à avoir la bouffe qu'ils produisaient eux-mêmes partir pour l'île anglaise, quoi, tout en crevant de faim. Voilà, c'est merveilleux. T'appelles ça une blague, toi? T'as un sens de la blague de plus en plus bizarre. C'est hilarant. Et c'est là où on en vient. Raconte-leur une blague. Et c'est là où on en vient au texte de Swift, hein, qui est une vaste blague. La modeste proposition pour en finir avec les causes de la famine en Irlande. Ouais. En accommodant des enfants. Qui est une énorme pauvres. Blague extrêmement cruelle. Ouais. Très cruelle. Puisqu'après tout, les riches ont bien sucé la moelle des pères, ils peuvent bien bouffer la chair des fils. Quoi. Alors Bichette nous raconte une blague, mais on n'a pas du tout la fin. Pour l'instant, on n'a que la première partie, donc je vous la lirai quand Bichette aura écrit la suite. Le fait qu'au sein du monde sans image s'accroisse le besoin d'art, y compris celui des masses confrontées pour la première fois à lui grâce aux moyens techniques de reproduction, suscite plutôt le scepticisme, en tout cas ne suffit pas, comme chose extérieure à l'art, à assurer sa survie. Lucie, ce que vous ne saviez pas, c'est ce que j'ai dit sur l'Irlande, parce que c'est encore pire. Genre, juste pour terminer, pour bien enfoncer le coup. Alors qu'on est les Irlandais sont en train de crever en masse, tout en continuant à produire de la bouffe qui sert à alimenter l'économie britannique. Les Anglais, pour pas avoir à se préoccuper du problème, décrètent que de toute façon les Irlandais c'est des feignasses parce que ils bouffent de la pomme de terre parce que c'est facile à cultiver, hein, et puis du coup en fait la raison pour laquelle ils crèvent c'est qu'ils sont trop feignants pour cultiver autre chose, tout en se gavant de la bouffe qui avait été produite en Irlande, quoi. Je veux dire, c'est impossible d'évoquer cette soi-disant famine de la pomme de terre irlandaise sans que je commence à enrager, quoi. Tellement c'est, enfin, c'est vraiment abominable d'un bout à l'autre, quoi. Les Irlandais sont maintenus dans des conditions d'esclavage de fait. Ils produisent de la bouffe pour les Britanniques. Quand leur bouffe, quand ce qu'ils font pour se nourrir commence à crever, on continue à leur faire produire de la bouffe pour les Britanniques. Parce que, en fait, s'ils produisent pas de bouffe, ils sont expulsés. Donc, ils vont crever de faim, mais en plus, sans toit sur la tête. Donc, ils doivent continuer à produire de la bouffe pour les Britanniques. Et pendant qu'ils sont en train de crever de faim, parce que la bouffe qu'ils produisent, ils ont pas le droit d'y toucher, les Britanniques, en se gavant de la bouffe qu'ils produisent, disent, ouais, de toute façon, mais s'ils crèvent, c'est parce que c'est des feignasses. Alors, on n'a qu'à les laisser crever, voilà. Bon, on s'éloigne complètement de Adorno, mais je me suis dit que cette blague vous ferait rire. Voilà. C'est pas drôle, c'est à se pendre. C'est drôle à se pendre. Vraiment. Bichette ménage de suspense, nous avons la deuxième partie de la blague, mais toujours pas la putain de conclusion. Bichette, bordel, arrête ce suspense, on veut la fin, tu exagères.
Donc par rapport à ce que nous dit Adorno, là encore, homme de peu de foi, il manque vraiment de générosité à l'égard des potentialités sous-jacentes à toute activité humaine, même l'industrie culturelle. Parce que j'ai un contre-exemple important, mais il y en a mille autres. Je ne vais pas vous parler du pop art, je vais choisir quelque chose de beaucoup plus simple pour ce qui est de l'industrie culturelle et de ce que l'art peut en tirer. Lorsque Bacon fait le portrait d'après le pape Innocent X de Velázquez. Vous connaissez ce tableau de Bacon, je suppose, vous connaissez peut-être moins sa matrice, le tableau d'Innocent X par Velázquez. En fait, il ne l'a jamais vu, ce tableau. Il n'en connaît qu'une carte postale. C'est-à-dire que quand Adorno dit... Et c'est son tableau préféré. Mais oui. Qu'il ne connaît qu'en carte postale. Ne suffit pas. Genre, et après je me plains d'avoir vu une poignée de tableaux du Tintoret en vrai. Voilà. Et de jamais être allé à la Scola San Rocco. Moi, j'ai vu ça sur des affiches, quand même. C'est un peu plus grand. Lui, il ne connaît qu'en carte postale. Bref. Alors, je n'ai pas compris la blague de Bichette. Donc, je vais vous la lire. Et vous allez me l'expliquer parce que là, j'ai pas la ref, vraiment. Et je vais encore passer pour un con, mais bon, tant pis. Alors, c'est l'histoire d'un camionneur. Il part de Montpellier et il doit aller à Dunkerque. Bah, le truc, c'est qu'il transforme une seule chose, c'est un flan. Bon, là, c'est déjà très drôle. Et du coup, à chaque virage, le flan, dans le 38 tonnes, il part de l'autre côté de la soute, il se balade de gauche à droite, ça fait... Alors, c'est chiant, à chaque fois, ça fait... Un petit virage, vachement bien le flanc. Un autre virage, ça fait. Alors, il pète un boulon, il s'arrête à Clermont-Ferrand, il ouvre la porte arrière, il gueule. Putain, flanc, si tu refais, je te balance dehors. Alors le flanc, forcément, bah il répond pas parce que c'est un flanc. Alors le camionneur reprend sa route et puis ça fait pareil à chaque virage. Le flanc fait. Il en peut plus, c'est un vrai enfer. Alors du coup, il s'arrête à Orléans et il est rouge de colère. Il dit flanc. Arrête! Je te jure sur la tête de moi, si tu continues, je te balance. Alors le flanc, évidemment, bah, il répond rien parce que bah, c'est toujours un flanc. Alors pour le camionneur, c'est vraiment atroce. Vous pouvez imaginer, le flanc est complètement insubordonné. À chaque virage, il dit... Et là, donc, il est en Normandie, au bord de la Manche, il pleure de colère, il descend, il prend le flanc, et il le balance à la mer. Si quelqu'un a une explication, je la veux bien, parce que... Non, mais moi, je dois quand même dire que ce camionneur, il prête quand même vachement le flanc. Je suis désolé, mais... Bon, écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bichette, où tu veux en venir ? Moi, je trouve qu'on a appris quelque chose ce soir. Oui. On a appris que Laurent faisait super bien le flanc. Voilà. Et franchement... Là, j'en ai pas mangé. On sera pas venu pour rien, on aura appris quelque chose d'important. Salut Arcani Corbeau. Salut. Arcani qui arrive au pile au bon moment. Bon. La fameuse de Laurent. C'est une méta-blague, c'est Dave. Franchement, comment ça, Dave? Ah là, je comprends pas. Là, j'ai plus le son de Gaël. Il est où ton son, Gaël ? Allô ? Ah si, ça y est, c'est bon. Là, je t'ai, c'est bon. Alors... Tu mets ? Oui, je t'ai. Ne t'inquiète pas. C'est bon, là. Ce flanc a des relances de dindons. C'est de l'humour post-bonnet. Ça nous fera rire dans le futur. C'est du flanc, moi. En fait, t'es en train de me construire des hantises en temps réel, Bichette. C'est pas bien de faire ça. Le caractère complémentaire de ce besoin reflet de l'enchantement comme consolation du désenchantement, ravale l'art au niveau d'exemple du Mundus Vult Decipi et le déforme. Donc Mundus Vult Decipi, ça veut dire le monde veut être trompé. Donc ce qu'il nous dit, c'est que dans tout ce processus, quelque chose de l'art disparaît, ce à quoi il paraît quand même difficile de croire. Je ne crois pas que l'industrie culturelle ait en quoi que ce soit le pouvoir de réduire finalement la production artistique. Ouais, je t'entends, Gaël. Ouais. Et non, suppose c'est moi qui ai eu un moment où je t'entends. Suppose que ceci ferait construirait un désenchantement dont on ne comprend pas très bien par où il opérerait, puisque ce manque ne serait pas perçu, et que la réponse, c'est un réenchantement, un enchantement, mais qui, pour parvenir à ses fins, ou en tout cas par le mode d'apparition qu'elle tient dans l'industrie culturelle, ne créerait qu'une sorte de... effectivement, de promesses nécessairement déçues. Sans quoi, de ce point de vue, il ne se trompe pas à l'intérieur même du circuit de la marchandise culturelle. Mais en fait,
les interactions réelles de la marchandise culturelle avec l'art, je dirais, sont assez inexistantes, quoi qu'on en dise. Je dirais qu'en fait, c'est pas parce que l'art sert régulièrement de matrice à sa chosification culturelle qu'au fond, ça a de réels effets sur la création. Je pense que ça, Adorno, là-dessus, se trompe. Et se trompe d'autant plus puisqu'il avait perdu tout espoir que ça vienne, d'une manière ou d'une autre, féconder l'art. Et là aussi, vous avez bien vu que, d'une certaine manière, il se trompe. Appartiennent également... Le meilleur argument qu'il aurait pour appuyer sa thèse, le meilleur argument qu'il aurait pour appuyer sa thèse, c'est l'art utilisé comme planque locale. Et c'est probablement ce qui séduirait Lepage. Sauf que l'art utilisé comme planque fiscale, ça concerne quoi? 10, 20, 30 artistes dans le monde? C'est que dalle, hein, par rapport au nombre d'artistes même professionnels, en fait. Ah ben c'est d'autant plus que dalle que le nombre d'artistes. C'est impressionnant parce que c'est des gros chiffres, mais ça concerne quasiment personne. Le caractère complémentaire de ce besoin, reflet de l'enchantement, appartiennent également à l'ontologie de la fausse conscience, ces caractéristiques en lesquelles la bourgeoisie, qui libère l'esprit autant qu'elle l'assujettit, accepte avec plaisir, perfide vis-à-vis d'elle-même, précisément ce en quoi elle ne croit pas complètement et dont elle jouit. Ça, on l'a évoqué tout à l'heure, finalement. Dans la mesure où l'art correspond à un besoin social manifeste... Ça, ok, pas de souci. Ouais. Dans la mesure où l'art correspond à un besoin social manifeste, il est devenu en majeure partie une entreprise gouvernée par le profit, qui dure tant qu'elle est rentable et dont la perfection permet de passer sur le fait qu'elle est déjà morte. Comment peut-on postuler sur cette mort, puisque ce dont il parle, c'est un processus latéral de chosification? Parce que là, il parle d'une chose, enfin d'un mouvement, comme s'il agissait à l'intérieur même de la création artistique, alors même qu'il s'évertue à dire qu'il en est une forme dévoyée de capture par la marchandise. C'est bizarre de dire ça. Il ne peut pas à la fois dire que c'est la construction, en quelque sorte, d'un monde parallèle où l'enchantement artificiel d'un désenchantement vécu est fourni par une marchandise avec la certitude d'une déception, et en même temps dire que l'art est mort. Ça me semble être un peu contradictoire. Bah oui. Certains genres artistiques et certaines branches de l'activité artistique, comme l'opéra traditionnel, aussi florissants les uns que les autres, sont devenus caduques sans que cela soit visible dans la culture officielle. Oui, mais est-ce que c'est pas un autre problème, ça? Est-ce que c'est pas un problème général du régime des formes? Enfin, quelle forme, étendue à une notion comme, c'est pas celle de genre, celle de structure, celle de type, et comment est éternelle? Là, l'opéra a bien un acte de naissance, par exemple. Voilà, il y a un acte de naissance baroque avec Monteverdi. Donc pourquoi n'aurait-il pas un acte de mort? Enfin, qu'est-ce que ça a de si grave, en fait? C'est pas très important. C'est clair. Ouais, Puis c'est pas si vrai. Hein. Oui, c'est pas si vrai. Je suis à peu près certain qu'à Pernice, par exemple. Ligeti a fait des opéras. Enfin, il y a des formes contemporaines, postérieures à Adorno, d'opéra. Oui, c'est ça. Bah oui, bien sûr. Et je veux dire, c'est Apergis ou Ligeti, c'est des formes vivantes. Hein. C'est pas une redite de Verdi, justement. Enfin, Oui, c'est curieux. Voilà. Cependant, dans leur difficulté à vouloir seulement se rapprocher de leur idéal de perfection, leur insuffisance spirituelle se transforme immédiatement en insuffisance pratique. De quoi parle-t-il ? Dans leur difficulté à vouloir seulement... Le leur se rapporte à quoi ? Au genre artistique ? À seulement se rapprocher de leur idéal de perfection, leur insuffisance spirituelle se transforme immédiatement en insuffisance pratique. Leur déclin réel est prévisible. La confiance dans les besoins humains, qui avec l'accroissement des forces de production conduirait la totalité à une forme supérieure,
perd son sens depuis que la fausse société a intégré et aliéné les besoins. Je vais la relire, celle-là, parce qu'elle est complexe. La confiance dans les besoins humains, qui, avec l'accroissement des forces de production, conduirait la totalité à une forme supérieure, perd son sens depuis que la fausse société a intégré et aliéné les besoins. Donc, ce que ça laisserait entendre, si je comprends bien, c'est que la confiance dans les besoins humains est un a priori non soumis à proprement parler à une réalité matérielle, mais plutôt à une espèce d'idéalité anthropologique, qui pourrait être soutenue par l'accroissement des forces de production, donc qui pourrait être conduite comme une espèce de désir appartenant caractéristiquement à l'humanité, à une forme supérieure de la totalité, c'est-à-dire de, à la fois des corps, des corps et des matériaux. Au communisme. Il parle du communisme. C'est cette idée de l'accroissement des forces de production qui devrait déboucher sur une force supérieure. Il parle du communisme. Et quand il dit que ça perd son sens depuis que la fausse société a intégré et aliéné les besoins, il veut dire par là que les besoins primordiaux, en fait, qui justifiaient cet accroissement de production et qui justifiaient l'espoir qu'on portait dans la réalisation d'une forme supérieure pour la totalité, sont perdus d'avance, en ce sens où serait escamotée la vraie valeur de ces besoins par la marchandise. Ouais. Voilà. Et là, en fait, il se livre à une très mauvaise critique, très idéaliste de Marx. C'est-à-dire que il zappe un truc, hein, quand même important. C'est le caractère résistant du réel, en fait. C'est-à-dire que le désir n'a pas été complètement aliéné par le capitalisme, déjà, part, si on veut rester sur le plan du désir. Bien et d'autre part, le capitalisme n'a pas résolu ces contradictions fondamentales, à commencer par la première, celle qui est portée par le rapport de classe, en l'escamotant, quoi. C'est un tour de prestidigitateur, mais le lapin est toujours dans le capot, en vrai. Et il y a un autre problème. C'est quand il parle de la confiance dans les besoins humains, il suppose universalité extensive à une éternité, enfin, on peut difficilement penser la question de l'universalité sans éternité, de ces besoins humains qu'il ne prend pas le soin de définir, même s'il a dit que l'art était un besoin. Et à partir de là, à partir du moment où il a dit que c'était un besoin humain, on peut dire qu'il nous donne un indice sur ce qui lui fait faire fausse route. C'est-à-dire, la permanence de ses besoins repose là, dans la proposition que l'art est en soi un besoin humain universel. Ce qui est faux, c'est une catégorie de l'entendement à propos d'un certain type d'activité anthropologique précise, historiquement et socialement. C'est donc là où va se vautrer Adorno à cet endroit-là, c'est de faire croire qu'on a perdu quelque chose qui n'a jamais existé. Donc je suis d'accord sur le fait que le capitalisme salit tout ce qu'il touche et qu'il interprète l'expression de besoins réels. Je ne parle pas du besoin anthropologique humain sous-jacent à tout ceci, mais je n'y crois pas du tout, c'est vraiment des conneries. Mais les besoins exprimés sont toujours abaissés, effectivement, pour pouvoir rentrer dans le jeu d'une réponse marchandisée insatisfaisante. Mais ce n'est pas la même chose. Il y a déjà quelque chose de très curieux pour un marxiste à déshistoriciser la question du besoin. C'est Oui. Toutes les sociétés, tous les modes de production, toutes les organisations sociales ont produit leur propre hiérarchie du besoin. C'est sûr qu'on peut aller jusqu'à l'abstraction et aboutir à des trucs comme la pyramide de Maslow ou des choses comme ça, quoi. Mais si vous regardez la pyramide de Maslow, elle est extrêmement élémentaire, quoi. C'est vraiment du truc jus de Sirius, quoi. Si vous vous approchez, un mode de production produit des choses qui vont être considérées comme nécessaires et qui le seront pour le mode de production, quoi. La voiture est nécessaire, voilà, c'est un besoin dans une société capitaliste, dans la société capitaliste telle qu'on est, quoi. Est-ce que c'est un besoin absolu? Est-ce que c'est un besoin anhistorique? Pas du tout.
à l'époque féodale où l'unité de production c'était la commune quasi autonome, il n'y avait pas besoin de transport. Alors, Suze, oui, V-Bubble est toujours cryptique, sache-le. Il a un certain flow, mais je bite jamais rien de ce qu'il dit. Alors là, on a une référence, c'est Front 242, un vieux groupe de pop industriel des années 80. Ce qui nous éclaire un petit peu sur la mystérieuse subjectivité de V-Bubble 101, que je salue, qui passe de temps en temps, et dont effectivement les messages m'échappent presque invariablement. Après, moi, ça me rappelle la jeunesse, Front 242. Alors, mais bon, c'est bien de citer ça, ça fait partie de la réalité, du lore de cette chaîne. V-Bubble 101 participe à la construction de ce lore à sa manière. Salut V-Bubble 101. Tout à fait. Certes, comme il était prévu, les besoins trouvent encore leur satisfaction, mais celle-ci est en elle-même fausse et frustre les hommes de leurs droits d'homme. Je ne sais pas si c'est la satisfaction qui est fausse, puisque la question d'une fausseté de la satisfaction est quand même un peu compliquée. Hein. Mais je vous promets que ce pull me réchauffe. Hein. Peut-être convient-il aujourd'hui de se comporter envers l'art à la manière kantienne, comme envers un donné, donc le fameux donné kantien universel et sans concept. Celui qui plaide pour lui assimile déjà art et idéologie, donc celui qui plaiderait pour la position kantienne, ou pour l'art en général. La réflexion peut, à la rigueur, partir du fait que dans la réalité, qui se situe au-delà du voile tissé par le jeu des institutions et des faux besoins, quelque chose aspire objectivement à l'art. Un art qui témoignerait pour ce que recouvre ce voile. Donc effectivement, c'est généralement ce que la pratique artistique fait, témoigner pour ce que ce voile des institutions et des faux besoins recouvre. Mais pas que. Là, l'été, il ne fait pas que ça. Ouais. Il concourt aussi à le fabriquer. C'est marrant parce que là, c'est lui qui fait le mystique. Mais oui, c'est vrai. C'est marrant. Il parle de voile, etc. C'est assez marrant. Parce qu'il est très opposé à ça, à cette espèce d'idéalisme mystique de Kandinsky. Enfin, il a des mots très durs sur ce genre de choses. Ouais. Bah oui. Tandis que la connaissance discursive accède à la réalité, et aussi à ses irrationalités, née elle-même de la loi de son mouvement, il y a en elle quelque chose qui résiste à la connaissance rationnelle. La souffrance est étrangère à celle-ci, donc étrangère à la connaissance rationnelle. Bonsoir Lafayette. Salut à toi Lafayette, bienvenue à toi. Alors, donc oui, il parle de la connaissance de la réalité. Là, je pense qu'il se réfère directement à sa dialectique négative, c'est-à-dire qu'il essaie de mettre à mal la dialectique hegelienne idéaliste pour en faire une proposition matérialiste, c'est-à-dire remettre en question finalement l'accessibilité des objets de la connaissance par la seule pensée. Il y a une exigence matérialiste à Adorno, et notamment dans sa dialectique. Il parle là de la connaissabilité, en quelque sorte, de la souffrance, qui serait étrangère à la connaissance rationnelle. Ça peut sembler paradoxal si on ne se souvient pas que simplement le monde n'a pas besoin d'être compris pour exister, en fait. Oui. Voilà, ce qui est un gros écornage dans l'édifice hegelien dans lequel l'esprit se réalise dans l'histoire. Le monde n'a pas besoin d'être compris pour exister. Donc ça peut sembler paradoxal que ce soit une position matérialiste si on ne garde pas ça à l'esprit, quoi. Voilà. La souffrance est étrangère à celle-ci. Elle peut la définir en la subsumant, c'est-à-dire en la recouvrant complètement, si vous préférez, fournir des moyens d'apaisement, la connaissance rationnelle, mais ne peut guère l'exprimer par son expérience. Elle serait dès lors qualifiée d'irrationnelle. Subsumant, ça serait plus une absorption qu'un recouvrement. C'est valant pour, quoi. Valant complètement pour. Elle efface, en fait, elle est à sa place, quoi. Réduite à son concept, la souffrance demeure muette et sans conséquence. Donc là, on va vraiment rentrer dans l'exigence matérialiste. On peut l'observer dans l'Allemagne post-hitlérienne. À l'époque d'une inconcevable cruauté, seul l'art est peut-être encore en mesure de satisfaire cette réflexion hegelienne que Brecht choisit pour devise. La vérité est concrète. Alors, si vous êtes matérialiste, je suppose que pour vous, c'est une évidence que la vérité est concrète. Mais ce n'est pas une évidence du tout, pour Hegel, par exemple. Donc, non, au contraire. Oui.
La thèse hegélienne de l'art comme conscience des malheurs s'est confirmée au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer. Ce thème hegélien devenait ainsi une objection à sa propre condamnation de l'art contre un pessimisme culturel qui donnait du relief à son optimisme théologique, tout juste sécularisé, et à l'attente d'une véritable liberté. Donc le thème hegélien de l'aptitude de l'art à, comment, à, rendre, compte, à rendre, faire prendre conscience du malheur, c'est-à-dire faire de l'art une espèce d'éponge finalement anthropologique actualisant la construction historique dans le malheur. Hein. Art qui est chez Hegel hein, est destiné à un moment, enfin l'art n'est lui-même qu'un moment par ailleurs, destiné à se fondre tout entier dans l'avènement de l'esprit. Je mets au défi qui que ce soit un jour de me dire ce qu'est ce foutu esprit chez Hegel. C'est... Décidément. C'est un prérequis, ouais. Donc démerde-toi avec ça, Coco. Dois-je rappeler que c'est la fonction que Marx prête à la religion, en fait. Cette éponge pour le malheur. Du fait de l'obscurcissement du monde, l'irrationalité de l'art devient rationnelle. De l'art radicalement assombri. Ça, je peux pas être d'accord, là. Bah, j'ai l'impression que l'espèce de, comment, de mélancolie politique, en tout cas mélancolie philosophique, on va dire, qui suit ouais. la Shoah à cet endroit-là, ouais. Veut faire basculer dans la pure irrationalité tout ce qui est advenu et avoir renversé d'une certaine manière l'ordre d'organisation du monde, ouais. Ce qui n'est qu'en partie vrai. C'est-à-dire, il y a un socle d'irrationalité fondamentale à la théologie, à la mystique nazie, ça, indéniablement. Mais c'est faux d'arracher à la rationalité la totalité du processus qui amène ce qui n'est jamais rien d'autre, finalement, que son socle idéologique. Je dirais même... C'est pas son avènement. L'avènement, il est complètement rationalisé. Il se oui, passe dans ça. Le monde des choses. En fait, il est très technique. Le nazisme... Ouais, le nazisme a été un moment d'explosion de la rationalité, merde. Putain. Rationalité critique et rationalité instrumentale. Voilà. Si vous prenez, il y a cet achoppement là, sur lequel beaucoup de marxistes se sont pété les dents. Et notamment un fameux texte voilà, plutôt infama que fama d'ailleurs, tristement célèbre dans le milieu de la gauche communiste bordiguiste, qui était le texte Auschwitz sous le grand alibi, qui tente de trouver un plan de rationalité à la Shoah. Il rate deux trucs, en fait. Il rate d'abord son plan d'irrationalité, mais il rate aussi son plan de rationalité, en fait. Et il le rate en prenant trop au sérieux l'irrationalité nazie. Il y a un livre, alors je sais pas s'il existe en français, faut que je regarde, mais sur justement l'économie de la Shoah, et qui répond justement à l'idée que ce serait pur irrationnel d'avoir, parce que, ce qui choque les marxistes, souvent, c'est mais pourquoi tuer de la main-d'œuvre alors qu'on pourrait l'employer ? Et le truc, en fait, c'est que le nazisme, l'Allemagne nazie à cette époque-là, c'est pas de main-d'œuvre dont elle manque. Elle manque de bouffe. Donc tuer 10 millions de personnes, dont 6 millions de juifs, c'est pas irrationnel du point de vue de la rationalité instrumentale. On peut. Il y a trop de main d'œuvre pour le nombre de matières premières transformables que produit l'Allemagne nazie, et trop de bouffe à nourrir. De bouche à nourrir. Est-ce que cette proposition est utile ? Si tu veux,
La question du plan de rationalité, elle est quand même complexe. Quand je vous dis souvent qu'il y a un plan de rationalité dans lequel s'exerce jusqu'à la mystique elle-même, et qu'au fond, on doit traiter avec une certaine attention le mode, comment on pourrait dire, de logique formelle dans lequel s'exerce la théologie de Thomas d'Aquin, en acceptant l'idée que c'est réellement un plan de rationalité particulier qu'on a à faire. Et par rapport à cette question du nazisme, imaginons qu'il soit juste de le considérer pour ce qu'il est essentiellement, à savoir une politique d'agonistique raciale, et donc d'une représentation particulière d'anthropologie décisivement hiérarchique. Alors, il est parfaitement rationnel pour elle d'éliminer de toute façon ce qu'il considère comme étant la cause de tous ces malheurs. Donc même sans avoir recours, tu vois, à un autre plan, qui est un plan d'économie par exemple, il n'est même pas nécessaire de faire de cette folie irrationnelle quelque chose dont le mode d'exercice ne possède pas de plan de rationalité. Son plan de rationalité et d'organisation du monde, de toute façon, lui aussi, tu vois, il existe aussi. Mais là où ça me semble quand même important, c'est... comment dire, ce genre de réflexion qui est courante dans le nazisme, c'est vraiment typique d'une rationalité instrumentale quasi pure. Il n'y a quasiment pas d'idéologie dans cette réflexion-ci. C'est pas du tout incompatible avec ce que tu dis, hein. C'est complémentaire. Mais si on juge le nazisme comme étant une explosion d'irrationalité, simplement, on le rate, en fait. On le rate complètement. Il a sa propre rationalité interne et il est la continuation monstrueuse de la rationalité instrumentale. Un devenir monstrueux de la rationalité instrumentale. Ça ne veut pas dire que la rationalité instrumentale, c'est forcément une prémisse du nazisme. Hein, juste, voilà. Il en est la continuation, une continuation, en tout cas, directe. Voilà. Alors, il poursuit avec « Ce que les ennemis de l'art nouveau, avec un instinct plus juste, que ces apologistes anxieux appellent sa négativité et la substance même de ce que la culture établie a refoulé et qui exerce une puissance attraction. » Donc les ennemis de l'art nouveau, il entend donc la réaction qui par tous les moyens soit s'oppose à son avènement, mais dans ce cas-là on a juste affaire au processus de censure habituel, soit l'engage dans un processus de banalisation par la marchandisation. Ce qu'ils appellent la négativité donc de cet art serait la substance même de ce que la culture établit à refouler et qui exerce une puissance attraction. D'une manière générale, effectivement, la question de la négativité, elle est centrale des formes de raison d'être, en fait, de la production artistique, soit comme objet de la production, soit comme condition même de son processus de création, hein, par ses actions, par ses formes, mais aussi d'une certaine manière par ce à quoi elle s'arrime, ce contre quoi elle se charpente, etc. Dans le plaisir qu'il éprouve devant la réalité refoulée, l'art s'ouvre en même temps au désastre, au principe refoulant. En exprimant le désastre par l'identification, il anticipe la perte de puissance de ce désastre. C'est ça, et c'est pas la photographie du malheur ou la fausse béatitude qui circonscrit la position d'un art actuel authentique vis-à-vis de l'objectivité devenue ténèbre. Toute autre attitude se convainc par son caractère douceâtre de sa propre fausseté. Je la refais parce que c'est pas... J'ai dit ça. Ouais, ouais, mais... Là, on sent bien qu'on est dans une espèce de généalogie de l'œuvre post-romantique. Post-Shoah. Et aussi post-Shoah, ouais. Alors, dans le plaisir qu'il éprouve devant la réalité refoulée, l'art s'ouvre en même temps au désastre, au principe refoulant. En exprimant le désastre par l'identification, donc au désastre lui-même, en tout cas au processus de négativité, il anticipe la perte de puissance de ce désastre. Il anticipe le fait qu'il puisse se dissoudre, et ce qui est probablement le plus grand des malheurs. Mmh. C'est cela et non pas la photographie du malheur ou la fausse béatitude
qui circonscrit la position d'un art actuel authentique vis-à-vis de l'objectivité devenue ténèbre, c'est-à-dire de la capacité de l'art finalement à répondre aux conditions historiques de construction du monde. C'est autre chose qu'un compte rendu. C'est dans l'exposition des principes du négatif, tenir à la fois ceux qui y travaillent et la tragédie que représente au fond sa perte de puissance dans l'imaginaire collectif. Toute autre attitude se convainc, par son caractère douceâtre, de sa propre fausseté, c'est-à-dire de son inoffensivité devant les enjeux réels, on pourrait dire, de l'art. C'est propre de la pacotille en général, qui ne fait rien. Il faut bien le dire, la pacotille ne fait rien. Oui. Après, on part sur l'art fantastique et l'art romantique, effectivement. Donc là, je vois bien où il va en venir. Mais je commence à fatiguer, moi, là, ma petite J'avoue, cervelle, moi aussi, un peu, ouais. C'est ça. Je crois qu'on va commencer à tirer, avoir du mal à tirer sur le fil de ma propre réflexion quand tu lis. Donc, c'est dense. Tout le bouquin est dense. Et voilà, il y a beaucoup de choses exaltantes, beaucoup de choses énervantes, beaucoup de choses... Beaucoup de choses. Ça nous oblige à penser des petits trucs. C'est ça qui est bien. Ouais. Beaucoup penser des petits trucs et même quelquefois des gros. Ouais. Bon. Ouais. Les gens, moi, je vous propose que Gaël et moi s'en tiennent là pour ce soir. Ça fait déjà un live de 4 heures. Hein. Ouais, c'est pas mal. Un peu moins de 2 minutes, ça fera 4 heures. C'est vrai que ce chat devient absolument n'importe quoi. On a un flou ahurissant. Ouais, en plus, je me laisse... Pacotille, Noël au Balk, ce qui est pas mal, effectivement. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Ouais, ouais. Je ne sais pas mais où aider parce que je ne vois pas trop. J'ai quoi ? Il y a Maman Jou, ils sont 5 et c'est discussion. Bah, je n'ai jamais aidé Maman Jou, donc je vais faire ça. Allez-vous. On va aller, hop, ça. Voilà, c'est vite bâclé. Soyez gentils, comportez-vous bien. Donc ça vaut. Surtout pour Bubble, on ne floude pas n'importe qui. Pour Bubble. Moi, ça va, je m'en fous. Je suis prêt à pas mal de trucs. Mais tout le monde n'est pas aussi docile et ouvert au grand n'importe quoi. Ben merci, Lucie. C'était plaisant aussi pour moi. Je ne suis pas toi, Laurent, mais moi, ouais, je me suis bien amusé. C'était chouette. Et je suis content d'avoir avancé un peu dans cette lecture complexe, mais complètement excitante. Le raid va pas tarder à faire ce qu'il doit faire, des trucs de raid. Donc, dans quelques secondes, vous serez chez Maman Jou. Dans cette gros seconde, poutou à tout le monde. Gros poutou à tout le monde. Salut Gliss, salut Mélena. Et ils ont réussi à faire des cœurs encore. Quelle bande d'enfoirés. Regardez-moi ça. Ah, j'essaie de supprimer, je peux pas, j'y arrive pas. Saligo. Bande d'opossum. Ça m'aurait pas plu. Ça m'aurait pas plu, quoi. Je vous dis à plus tard. Normalement, le raid est parti. Le raid est parti là. J'ai cliqué. Voilà. Le raid est parti. Normalement, c'est bon. Alors, on va vérifier que c'est bon. Ah bah. C'est arrivé. Bonne nuit, tout le monde.